Mais là, je pas. Bonsoir Twitch, comment allez-vous sur cette interface qui est la même, mais pas vraiment euh, Je vais mettre le chat. J'ai faim. Donc, je suis avec Mascox et Zou, que vous pouvez voir manger comme. Euh... Bah, il y a une personne qui mange correctement et une autre non. C'est ça. Mmh. Bonsoir Zoo et ah, putain, je vous, vous vois de pas de les y gens y parce mange. que la Twitch, elle, elle chie dans la colle. Attendez, hop, hop. Chat. Yeah. Voilà, bon matin. Oui. Vous nous entendez bien, ça va, tout va bien ou pas Dites-nous hein. Combien de temps avant que quelqu'un dise que je suis bourré, à ton avis pas, ah ouais. long pas longtemps, pas longtemps, pas longtemps. Moins de 10 minutes Je sais pas. Si tu parles pas dans le micro de toute façon. Ouais, le but, ils pas. Ah je pense qu'ils entendent. Bonsoir les gens, sympa, puis les autres aussi. Bonsoir. Salut les et toi merci. Pour ton sub qui apparaît quelque part Chalut. sur l'écran, sans doute. Salut. Je sais pas où il est. <laughs> Je sais pas où ça s'affiche. On t'entend Maxime. On est l'après-midi au Québec. Eh bien nous, nous sommes le soir. Mm -hmm. Il fait nuit. Mm -hmm. Et euh, nous mangeons du... Un repas euh, dit indien. Mm. La cam verte. Bah ouais. On t'entend Masco ma nerveux. Merde. <laughs> il est déjà pour du coup, euh... c'est de la pizza de Franck. Tout à fait, ouais. On me dirait en meilleur. vrai comment, vu comme Zou mange, euh... enfin, elle a décidé de pas manger avec des couverts. Et, euh, elle nous a dit, moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre du res... de respecter le chat. Je vais manger, je cite, like a C'est <laughs> ce qu'elle a dit. Elle, elle utilise beaucoup de termes en as. Tout à l'heure, on a visité le, le Airbnb. Et elle a vu, en fait, il y avait un portrait d'une jeune femme euh, torse nue, effectivement. Elle a dit « Ah, Madzy des tétasses euh, !» Ce qui nous a tous choqués, honnêtement. Euh, Mascox c'était là, d'ailleurs. <laughs> Comment changer absolument toute la réalité <laughs> Petit à petit, tu rajoutes des détails et ça devient ouais, de plus ça. en plus absurde. Peut-être que j'étais là. Il y a eu un... Ah, à ce moment-là, il y a une mouette qui est passée, elle s'est fait manger par un chat, en plein vol, c'était vous En détail, et le ciel était orange. C'était ouf. <laughs> ça, peut être, ça peut être assez ouf pour que ce soit vrai. Choqué, déçu. Ben, on est d'accord. Hein. Porc Porcastre. Non, non, Porcasse. ou. <laughs> Merde. Jax c'était bourré. ce n'est pas là. Donc. Euh... Peut-être chez lui, il est bourré. Je ne sais pas. Je ne connais enfin, pas. C'est un peu triste s'il est tout seul et qu'il est bourré, mais. Il faut pas faire ça, hein. Salut, je voulais surtout poser une question. Est-ce que tu envoies un courriel pour confirmer euh, oui, la compliqué. réception de la participation à la mine de talent? Oui, mais généralement j'envoie le dimanche à 19h. Parce qu'il y en a beaucoup et que je peux pas le faire progressivement. Donc si tu as un doute, renvoie-la. Je pourrais même pas participer, je suis un peu triste. Oh, bah, si, ah, oh, bah, si. ah, genre tu peux pas Bah si. non. Il y a un moment, on trouve le temps. Je j'ai pas de crayon. Cette oh, ça... <laughs> Tiens donc <laughs> seulement quelqu'un se balade tout le temps avec un crayon un carnet ou plusieurs carnets et plusieurs crayons ouais hum. mais je suis droitière je peux pas utiliser les mêmes que les autres pire excuse me... droitière pire... oui mais il est droitière je suis droitière aussi en plus oui, je... oui mais non veux dire gauchers non non t'as acheté dans un col ouais voilà <rire> <rire> hum. je veux que c'est toujours Remu d'accord c'est le détail de plus, d'accord. Et en plus, il y avait Eric, mais il a dû repartir. À cause de l'attitude de Zou. En gros, il était super jovial et tout, et Zou, euh, direct, a fait... Ah, euh... oh, il est moche en vrai, en fait Elle a dit, putain, mais il ressemble vraiment à un putain de singe, en fait Et elle l'a giflé avec une banane, en faisant banana, banana et Elle a fait, non mais c'est drôle Bananas, bananas. Mm. Elle a dit bananas, bananas. Elle a commencé à essayer de faire une sorte de branlette espagnole avec... Le, oh, bana la banane et Eric en lui disant tiens les tétasses les tétas de mon casse avec la bananasse <laughs> euh, là il est parti <laughs> en vrai il a dit franchement Maxime c'est chaud je trouve ça il a dit exactement je trouve ça terriblement grave il a dit je trouve ça Pourtant, irresponsable ça <laughs> je trouve ça irresponsable en fait je voudrais <laughs> préciser que la fin c'est pas vrai voilà. <laughs> <laughs> j'ai pas dit tatatas tasse <laughs> bananasse euh, de mon casse euh, tétas très très <laughs> hâte d'avoir le nouveau épisode de son machination, je suis en manque. The Great Floyd, il fallait demain il y a un nouvel épisode, mais euh, si vous typez je rappelle que vous avez une chier de trucs qui arrive demain d'ailleurs. Attendez moi les carpes. <laughs> les je ne pas. Bizarrement dépêche. il est mort, c'est loin. Pourquoi je fume des clous Ah, j'entends Ah mais oui, on les entend en fait. Bon l'on... Ah ouais, ah mais attends, je vous entends aussi. Ouais <laughs> <Ouais> <rire> <rire> euh du coup, oui, euh, sombre machination. Du coup, ceux qui ont profité de l'offre ont déjà les deux premières saisons de la campagne qui s'appelle l'abysse du temps. Enfin, dans l'abysse du temps. Que je n'ai pas vu encore. T'as un quel sac à merde. Euh, je sais pas. Je euh, suis. Ben ouais, parce que je ne les donne plus euh, en, non, 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 en je bêta. Je des gens qui ne font pas de bêta, ça n'a pas je de je sens. Suis de, je suis. Ce compréhensible, je comprends. Il y a un problème, t'es beaucoup trop productif. Hein. J'ai l'impression que deux jours après, il y a un nouvel épisode. Je sais pas une autre carte est le premier. <laughs> ouais, mais ça, t'as fait des retours, mmh. tout va bien. Euh, après, si je type tout le temps, je me retrouve à avoir trop d'avance et du coup, je dois réattendre. Oui, mais tu soutiens la série. Alors, euh, voyez plus le type comme un soutien que comme euh, une récompense. Mmh. Même si c'est une récompense, mais c'est d'abord un soutien. Merci beaucoup pour spoiler. Dans la piste du temps, yes. Je viens de regarder entre les Crocs cet après-midi, c'était vraiment excellent. Euh, bon, un certain joueur ruine un peu tout, mais tant pis. En vrai, pourquoi ça serait toi Moi, je trouve que c'est plutôt... Enfin, des deux, c'est Croco euh, qui ruine... Euh... Moi, je dis rien sur la fin. Mais <laughs> voilà, sans spoiler, Croco euh, empêche l'histoire de continuer. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est pas une critique, hein ouais, C'est un, fait... un fait. S'il avait fait l'autre choix, oui, tu l'aurais fait intervenir au moment du climax. Voilà. Ouais. Ça t'aurait sauvé. Ça aurait été ultra épique. Ouais. Mais c'est son choix. Ce, hein. que je, ce que je comprends. Je comprends le, le côté. Euh... Ah, après, la fin. Euh... Encore une fois, j'aime bien moi, le, le, le symbolisme de la fin. Ah, ben moi, ton arc. De la, de la fin, en fait. J'aime bien ton arc. Ah, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas encore oui, vu, oui. vu, regardez, c'est très cool. On va se nul. <laughs> Regardez pas son machination snap. Disons que c'est le, j'aime bien le côté symbolique de de l'homme face à la nature et de son évolution. <laughs> c'est un, ouais, <laughs> ouais c'est vrai. Intervenir de au moment du climax. Si rien. Viran, il est, Viran, effectivement, c'est ce que Mascox a dit. J'aime beaucoup, quoi. enfin, j'aurais, j'aime bien quand Croco intervient au moment du climax et Croco a répondu oh poupou -pou. Mais c'est tout ce que je sais. Après, j'ai pas cherché à. Enfin. C'est leur vie, quoi. Je crois que je vais pas regarder le chat ce soir. Mmh. J'avoue. De mmh. tout façon, je vois pas, donc. Attends, c'était ça Ils t'ont servi le truc dans ça Oui, oui. Mais ça, ils font à chaque fois. C'est bah, pas très bien. vendeur. Ah non Non, c'est pas très vendeur. Moi, j'ai l'impression qu'on nous a refilé des espèces de colorants. Ah putain c'est de la javel, c'est Non, c'est littéralement, on dirait, des pots de peinture d'acrylique mmh. que tu, mmh. que tu mmh. avais quand t'étais à la maternelle. Du coup, je pense pas que c'était de l'acrylique. Du coup, on a pris un gâchis. À la maternelle, je pense pas qu'ils te posent de l'acrylique. Tu crois Je pense qu'ils ont pas la thune bah, pour si de l'acrylique. Tu sais pas, ils te donnent de l'acrylique. <laughs> <t 'es. rire> Tiens, toi, t'as de l'acrylique, toi. Toi, t'as de la peinture à l'huile, toi Oh là là Toi, t'as de la corelle, toi T'imagines. T'as toi... blocs T'imagines de la peinture <rire> <rire> je Le les couleurs! Comment on fait, madame je, me je me souviens que petit on m'avait offert de la peinture à l'huile et en mode pour tester plein de trucs. Et ça m'avait, genre, ça m'avait limite un petit peu, genre, saoulé de la peinture en général parce que bah, je pensais que toute vrai. la peinture fonctionnait comme ça. Je peux picher debout et me ploter J'ai tous les pouvoirs! Merci, Rolien. et l'oméga? Du est ouais. en train de, de, de boire, de boire notre typos, là, de, de peinture. Ça s'appelle Lassie parce que c'est le nom du chien qui a sorti tout ça. Un ah, Mascox. <laughs> bah, ton premier live, t'as branlé un chien. C'est vrai. Premier live, j'ai c'était pas lui, c'est son personnage. Il a pas voulu branler le chien. les chiens. C'est les qu'on décide. Disons qu il y a un certain maître du jeu qui a fait branler un chien GDR? à mon personnage. Channel -son. Channel, -fier. Channel -fier. J'en ai les zéro, je dis ouf, tout le temps J'en ai les zéro, mec. Je, moi aussi. Qui est euh, certainement ici, je ne sais pas où. Mais... Ah, un pote à Mascox. Peut-être. <laughs> C'est très probable. Ça a fait oui oui. Du coup, Mascox, est-ce que tu est que as fait de la moto récemment Eh ben non. Je me, que... me rappelle qu'en septembre euh, dernier, tu en avais fait non Tu fait un mois de moto ou un truc comme ça, non Je ne <laughs> fait... suis pas remonté sur une moto depuis septembre. D'accord, ok. Mais bah, tu le que... fais ça une fois par an Ouais. D'accord. Okay. Tu je pensais peux... que t'en faisais aussi entre... alors j'en sais oui. régulièrement quand j'avais <laughs> une bécane que je n'ai plus du coup en fait j'ai plus de moto donc je peux pas en faire régulièrement enfin j'ai accès à des motos pourtant mais ah, j'ai essayé le jeu de plateau Time Stories cet après-midi et je fais un euh, euh, personnage jouable qui m'a rappelé Mademoiselle Dumé, ouais, elle ressemble à Artigan euh, j'aime pas du tout Time Stories le premier hein. j'ai pas testé les autres et je sais qu'il y a des nouveaux qui ont l'air vraiment pas mal, mais j'ai pas testé. Merci beaucoup. En fait, c'est une sorte Ça de Je sais pas, putain. Euh, Will. 37. À quand un autre scénario de Channel Fear. Yes. En vrai, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je sais pas si c'est intéressant. Enfin, je sais pas. Je sais pas où il est du tout. Je pense qu'il <laughs> est de l'autre côté. Mm. Ah non, il est là, il est là. Il est là. Channel Fear. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios en fait. Il y a Southern Gothic, qu'on a fait, je crois. Ah, je sais pas si c'est celui en fait. Parce que... non. Alors, je te dis le scénario celui-là. Après avoir tué, égorgé et dévoré 27 chiens. <laughs> Pardon, j'ai pas lu. Avoir. <laughs> Après avoir... Dégorgé. Sucé, dégorgé. <laughs> 27 bergers allemands. Et enculé, 27 chiens. Un homme se suicide en se jetant par la fenêtre du chenil où il travaille. Moi, je sais pas vous, mais la plupart des chenils que j'ai vus, ils étaient... Genre... plein de... Pleimpiés, <laughs> oui. Du coup, y... ah j'ai... J'ai la scène dans Fatal où il saute et... <laughs> Pourtant, l'autopsie révèle que le déséquilibré est mort une semaine avant le massacre. C'était pas ça on a fait quoi du coup Ah mais on a... non, je sais plus. Je, je sais plus ce qu'on a fait. Il y avait un truc d'enquête. Ça c'est sûr. Ça ça. Merci Masco. <laughs> <laughs> il, okay, okay. il y avait un truc. d'enquête avec euh, avec une émission paranormale chelou. Je me rappelle. Ouais. Merci Pataclap. beaucoup Pataclap. personne. Pataclap. Je suis un petit ah bah, attends mais ça date d'il y a combien de temps aussi C'était longtemps. Il y avait un rêve on dans une maison en feu. Ah, ah putain il y avait un tir. Merci Zefling. Eh bien, on, a, on a tous vu un type différemment je crois je me rappelle pas mec je sais plus je me souviens mieux de Seikul notamment par contre je ne sais pas lequel j'ai fait mais il y en a plein en vrai ça, en vrai je précise que c'est fait par Ino, et j'aime vraiment bien ce qu'il fait et en vrai j'aime bien là, on le vanne là parce qu'on qu se rappelle de la partie qu'on a fait ouais, mais en vrai j'aime bien le système de jeu est bien et en plus franchement pour 25 balles le bouquin est cool je, je vous le conseille. C'est vraiment un, un, un bon jeu pour démarrer. Ben, je crois que c'est euh, euh, Louis Picard qui euh, est malheureusement décédé. Euh, c'est vrai, je précise. Euh, c'est trop bien parce que c'est devenu un running gag. Et oui, je sais. Le Mais, truc, c'est que. J'ai vraiment pensé, je me suis dit, quoi Non, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais si ça je trouve, c'est une autre personne que je connais pas en fait et qui est du mieux du jeu de rôle. Et c'est pas le Louis Picard que je connais. Et, et, et du coup, ça m'a fait vraiment bizarre. Il est pas mort du tout. Merde. Mais du coup, il a commencé par jouer à, à ça. C'était Nartmar, d'accord. Il y avait ça. C'est vrai. Il y avait qui dans ce live Pour moi, il y avait toi, Croco, non. Château. Il y avait pas Croco. Ah. Pour moi, c'était votre partie de test. Avant oui. On fasse, Il y avait euh, Château du coup. C'est plus, plus le crâne c'était bien c'est il y avait Jax aussi du coup pour moi il y avait Je ouais. mmh. j'ai plus Mais ah c'était bien c'est plus le surtout le twist de fin <laughs> c'est trop... tassu... horrible en vrai je suis pas au courant de, 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 de cette toile du coup je tatouage pas loin du pas loin des trois c'est un endroit spécifique je pense que ça doit être douloureux t'imagines un... tu fais un rim job à quelqu'un et tu découvres <laughs> Le culte hein, entre les cuisses. Oh. Le fait que ça fasse me C'était fait... collé. ah mais c'était. <laughs> ça va de mal en pire cette conversation là où d'un moment Comme des lego des Des legos? Aussi. Des legos ça fait le bouillie. Les legos ils sont ça, ils collés. Sont... Bah quand ils sont ils emboîtés, sont... des fois ça fait. Quand tu le retires ça fait. Je le fais pas toi. T'as eu des legos en porcelaine. <laughs> il a non, eu des... bah... Non il a eu des méga -blocks. <laughs> Les méga font. Les Lego ils font... Mm. Non ils font un petit bruit mais... Ah ils font... Hello Bonjour Bonjour incroyable Moi les Lego pirates du coup ils font... C'est ça ouais, le bruit d'un pirate pour toi <laughs> C'est nul... nul à chier. Pirate comme pirate. Mourir. Les chansons de pirates auraient pas la même gueule... Putain... <laughs> C'est bien ça je cherchais des sons d'ailleurs de pirates, voilà. fois, et j'ai fait oh non, <laughs> c'était l'horreur. Bah puis c'est que yar et des trucs. C'est que des trucs comme ça, mmh. juste ultra caricatural. Je cherchais juste une petite so une petite boucle de sonorité sympa où oui, gourdi un truc tout con. Tu sais, pas besoin de grand chose. Quel enfer. J'ai jamais rien trouvé. J'ai trouvé que des pirates. Tu sais font que, des que faux pirates. Yar. La des boîte. La tu peux fermer ta boîte. <laughs> De manière de tu fermes fermes ta boîte à camembert. Boîte. Tu peux fermer ta boîte à merde. Ferme non, donc uh, ta boîte On uh, uh, à... sépare et ferme, comme ça je peux empiler tout. Ouais, voilà, ouais, merci. Un fec. Ferme donc ta boîte à camembert. Euh, c'est quoi déjà Channel Fear comme genre de jeu horreur Ça s'appelle. Enfin, je sais pas, c'est dans le nom. Je crois. Non. Il y a une histoire de télé en plus. Oui. C'est dans le titre. Surtout qui qu se demande ce que J'avoue, quoi. Il avait fait des, environ... duplos. Oh, avais des duplos. T'avais des duplos j'ai eu des Duplo mais j'étais plus Playmobil et Action Man moi quand j'étais ah, petit. Ah ça c'est merde. Non, je, en réalité, je reste calme parce que sinon après c'est moi qui vais m'en prendre plein la gueule, c'est pour ça. Mais non, oh, ouais, j'ai rien Ils pris méchant. The... <laughs> Merci beaucoup Port pour des qui dit non, de la Playmobil. merde. Bla 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 bla. <laughs> pour pas qu'on entende ton message. Les Playmobil, c'était nul. Vous êtes tous les deux Playmobil euh, moi, je n'ai eu que des Playmobil. Putain, mais pas parce que je l'ai c'est juste parce que je connaissais les gens, pas les dégouts je sais pas si je peux rester là en fait ce soir mm. je pense que on est dans un, dans un climat dangereux en ce moment vous savez dimanche il peut se passer des catastrophes mais euh, là ce soir je le vois particulièrement je rappelle, ah, que, déjà passé la catastrophe. Je rappelle que Playmobil euh, est une marque soutenue par Zemo donc euh... <laughs> yes euh, très heureux t'es <laughs> pas gentil Bozette a dit quoi ou la c'est vrai fin du live bonne soirée Team Lego bah ouais on est tous Lego là ah, mais je suis d'accord que les Lego c'est mieux que les Playmobil je suis d'accord mais, euh, mais, mais après que... tu... c'est ton, ton enfance tu peux pas, pas la changer en fait ah c'est trop si. tard ah, ah, si. bah, ah, voulais, les petites bagnoles, les, bagnoles. Voir ce que ça les, on les, les Hot, Hot Wheels euh, qui était mort. Euh, non les majorettes non ah c'était bien ça oh, les micro-machines c'était ouais, tellement bien les micro-machines merci beaucoup Fmeg 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 moi les micro-machines alors micro-machines c'est micro-machines c'est tu vois tu vois les poly oui. Bah c'est ça pour euh, Garçon. Ok. okay. Mais des petites, des bah alors, petites fois voitures. aussi, j'aimais beaucoup les Polypockets. Oui, ah ouais, j'adorais euh... le concept. Non, mais si du coup, il y avait Mike Max. team, ce serait Team Kapla. Ah ouais. Les Kapla, mmh. c'est fun. Non, c'est pas fun. Pour ouais, tous les gens qui pensent que les Kapla, c'est fun sur le chat, juste partez en fait. Je crois que j'avais un Spirographe <laughs> aussi. Oh, spirographe, <laughs> ça c'est trop bien. Ouais, La Rosa, c'est tout là. Non, vrai, les Capla c'est pas mon truc. Mais j'avais pas la patience par contre. Moi, je pense que je les utilisais plutôt pour les jeter comme des Shurikens, mais c'est. Yes. <laughs> T'avais 13 ans quand même. Mais <laughs> spirographe Ah ouais, je faisais ça, hein. Non, t'es en train de m'inventer une vie ou tu réponds <laughs> vraiment mes questions <laughs> T'avais quel âge euh, avec le spirographe Spirographe, je sais pas, j'avais 9 ans. Ouais mais attends, sorti en... ça se sort tout le temps encore ce truc-là. Bah oui, tous les ans il y a des spirographes. Des nouveaux. On voit les mmh. mêmes trucs, c'était les trucs où tu utilisais, ça faisait... Et quand tu tournes le truc, <laughs> ça faisait un bruit des enfers. C'est quoi vos années de naissance si vous voulez le dire. 91. 97. Putain, c'est fou. 97. 8 ouais. ans de différence. C'est fou. Ouais. Ça Un me choque bébé. pas tant que ça, parce que ça fait que deux ans de différence avec mon frangin. Donc du coup, c'est beau. Bah, c'est pas grave. Hein. A... J'ai essayé de naître plus tôt, mais vraiment, j'ai pas pu. <laughs> C'était compliqué. En fait, j'ai accepté, accepté les gens qui étaient du coup nés avant 2000... Il y a un moment, j'ai accepté le jour où j'ai bossé dans, dans le bar avec euh, quelqu'un qui était né en 2000, qui était en extra, j'ai fait, ok. <laughs> là, je sais pas, il y a eu une, une acceptation de dire, ouais, si vous êtes pas né avant 2000, ça... me. Si t'es né en, après 2000, ouais, t'as 22 ans plus tard. Quoi, ouais. là, ça c'est chaud. Mmh. Vous vous né après Jurassic Park Yes. Bon, le chat veut pas se mettre à jour tout seul. En fait, il y a aussi un truc euh, avec, dans les bars, c'est la technique du... Quand tu gardes la date de naissance de quelqu'un pour savoir si euh, elle est majeure pour qu'on cons consomme de l'alcool et euh, à chaque fois on se faisait réflexion ouais quand elle est en 2004 tu peux ouais. ah. bah ouais, c'est sûr. Et en fait c'est ça tu regardes la date et puis et tu dis 2004 tu te sens vieux alors que tu as à peine 30 ans Putain, 2004 c'est l'année où je, je suis rentré au lycée du coup tu te dis ouais c'est chaud <laughs> Mais bon, c'est comme ça. Hein. Les gens ils ont le droit d'être jeunes. Je oui. Moi, les, les âges, ça me choque pas, mais c'est peut-être parce que je suis non, plus jeune. Non, mais non, mais non, en non, général, euh... je pensais plus ça. Hein. Voilà. Merci personne que je ne peux pas voir. Ah si, c'est bon. Kratobi, merci et beaucoup. Ça me choque pas vraiment parce que j'ai des potes qui sont vraiment plus jeunes que moi et ou des gens plus âgés en général. Euh... Ça change pas grand-chose. Hein. Quand la maturité est là, la maturité ouais. est là et est... Alors, tu vis pas les mêmes choses. Je mais suis, je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que il y a vraiment un avant et après 25 ans pour tout le monde. Non, mais c'est vrai, hein, oui, franchement, oui, là, moi, je... Je, totalement. je sens déconner. Et par contre, oui, je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui vont avoir une certaine maturité et ça, tu peux l'obtenir mmh. effectivement dès 20 ans, je trouve, tu peux l'obtenir. Oui. Par contre, je trouve que les gens avant 20 ans, moi, je le vois, ça, 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 ça se sent de ouf. Que ah ben. Ils sont vraiment. Oui, euh, tu le sens parce que je euh, suis dans le vécu et dans. Mais C'est ce ça, il y a des retours, ils sont vachement plus euh, à fleur de peau, mmh, euh, tu vrai sens vrai un vrai. côté un peu plus, voilà, un peu plus violent euh, dans, leur, dans leurs avis dans leur euh, position. Oui, complètement. Ah mais c'était très marrant d'essayer d'identifier justement si quelqu'un était majeur ou pas. Et mmh. c'est euh, la plupart du temps en fait, <coughs> on identifie euh, les gens qui n'étaient pas majeurs ou qui c'était leur première fois dans le bar quand ils arrivent ils font bonjour est-ce qu'on peut avoir une bière s'il vous plaît. Et là on dit montre ta carte avant tout. Et généralement ça marchait. Des bébés cadoms on peut le dire c'est vrai. Mmh. C'est des bébés cadums. Tous ceux qui ont avant 25 ans c'est des bébés bah bientôt je rejoins le, le, le clan des adultes mmh. <laughs> comme ça on va arrêter de dire que je suis trop jeune mais non ça va t'es de la même croco 97 aussi ça c'est un bébé en même Déjà temps ça se euh, temps ça sent je trouve ça sent non mais c'est vrai il y, y a un côté il euh, y a des gens qui vont faire plus mature mais vraiment après 25 ans t'as un côté où les gens deviennent plus enfin j'ai l'impression plus posés je sais pas je sais pas, j'ai cette impression-là. Peut-être que je, je ne suis pas... Euh... Je ne sais pas quand, moi, à quel moment j'ai considéré que j'étais adulte. C'est en quelle année que tu as eu le partenaire En 2013 Voilà, c'était à 9 ans. Le partenaire, euh, je m'en suis séparé en 2021. 8 ans de, de relations intenses avec ce partenaire. J'en ai fait des choses. Avant 25 ans, t'as un bébé, après 25 ans, t'as un boomer. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est exactement ça. Ah. Mon chat bug du cul. T'es adulte quand tu fais ta vaisselle et que t'es content de sortir une éponge neuve. Non, non. t'es adulte quand t'as un lave-vaisselle en fait. C'est ça où tu te trompes. Non, pour moi, tu te sens adulte quand tu commences à, à avoir une activité qui t'occupe dans ta vie et que tu maîtrises un petit peu, genre un boulot. Mmh. Euh, pour moi, ça rend adulte, tu vois le côté. Mais un truc que tu fais de ta vie en général. Alors, du coup, les étudiants qui ont le job étudiant Bah, pour moi, tu sais, moi, j'avais pas le feeling de me sentir adulte à ce moment-là. Mais après, j'imagine que si tu fais trois jobs pour bosser en même temps, tu dois sentir adulte très très vite. <laughs> je pense aussi, tu vois. Oui. Je suis d'accord ouais, avec toi, et... c'est une, euh, une bonne vision des choses, je suis d'accord. C'est le côté quand tes responsabilités te prennent un max de temps pour que tu puisses vivre, je pense que là, tu te sens adulte. Parce que moi, j'étais étudiante avec la bourse, donc autant dire que ça oh, facile, quoi. Euh, j'ai eu 29 ans il y a deux jours, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. 29 ans, ça va. Bah ça va <laughs> ah bah, J'ai déjà eu une cliente qui me disait « ah, Je me sens pas bien aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bah, pourquoi »« Pourquoi ah, Je viens d'avoir 25 ans, je le vis mal. » Ça, ça me tue. 25 ans, c'est bien. 26 ans, ça, par contre, ça... <laughs> 26 ans, tu perds tes, tes droits... Tes de... Non, tu... <laughs> tu perds tes dents Tu ah, perds tes de les... avantages. <laughs> tu perds tes avantages de jeune. Tu perds tes dents de fromage. Ouais. T'as perdu tes dents de fromage ou pas, ou encore T'as les dans de lait, après t'as les dans le de fromage. <laughs> L'idée me horrifie. Alors du non, coup les testicules de fromage, c'est quel âge Ah <laughs> oh, putain. Le gland de fromage <laughs> Ça va <laughs> Ah bah oui. Ah, oui Merci beaucoup Serge. J'en ai 48. Yes, bon après il y a des limites par contre 48, je pense là il va falloir commencer à penser à acheter un cercueil ou une urne quoi. Mais, euh, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui m'a dit ailleurs qu'il était content parce qu'il fêtait, il fêtait sa retraite. Donc ça m'a fait bizarre. À bah 48 ans, elle est encore loin de, de la retraite. Est-ce que tu veux que je parle Non, en vrai, En vrai, ça va. Ça fait trop, j'ai pas accès à ton historique. Euh, de message. Je vais aller dedans, ça va être tout de suite. Ah Maxime est euh, un euh, gros connard, ça va, ça va vite changer mon avis, mais. Couche, euh, oui. Merci, euh, Kayle. Putain, elle le dit bien. Incroyable à tous. Putain, elle l'a dit, je parfait Trop cool. Elle aurait pu dire, je lulu, tu sais, ou je t'ai Enfin, tu sais, comme elle fait tout. Elle l'a bien dit. Mais non, mais c'est une, une intelligence artificielle, elle est intelligente, elle sait. 34 ans, je viens de perdre mon gland de maro ouais. <laughs> <laughs> oh, non <laughs> le blanc de fromage blanc Putain, je m'imagine du coup un gland recouvert de marouille, marouille. Tu sais. mais il est constitué de maroilles c'est à un moment ouais. tu te pignoles et d'un coup tu fais et... <laughs> <Et> c'est <laughs> ton prépuce se transforme en maroilles en fait c'est ça la technique en fait pour, pour la circoncision il faut le savoir c est, c est et donc, il transforme il, il transforme truc le truc jusqu'à ce que ça devienne du maroilles de maroilles et puis après il s'en va tout seul comme quand tu pelles alors choisi. oui, c'est vrai qu'il y a l'odeur en plus les gens. Parce que moi j'ai pas, enfin j'ai pas donc l'odeur du marbre pour moi c'est conceptuel. Tu vois. Ça je sent sais très que ça mais je sais. Oui. Tu vois, je suis pas con. Mais, mais déjà tu pouvais t'arrêter au gland de fromage, c'est déjà une idée assez. Euh... Mais ça sent... tous les fromages sentent mauvais. Non. Tous les fromages sentent. Mais enfin euh, tout sent, non Enfin je veux dire voilà. un gland ça sent. J'en sais rien, ça sent. Oui, bah, oui, oui oui. Ça a une odeur. Oui. Les parties du corps humain sentent. Oui. Oui. Donc euh, une odeur de fromage, euh... ça suffit. Je pense qu'il y a des. Frottes. En fait, j'essaie, essayé de conceptualiser l'idée de, de, de l'odeur du gland plus. Ah, il maroie, a là. genre le combo. Il a une odeur de gland. Ah et bah de... oui. Il faut que ça sente le vieux gland. Vous euh... sentez ah, le gland, les gens. Il faut que ça sente le vieux gland moite, celui qui a traîné pendant 48 heures dans, un, dans de la transpiration là, celui qui, qui est bien attaqué là, avec un maroil bien chaud. Celui-là. Où... Mmh. J'ai un peu envie de mourir plus tu fais ta description là, <rire> vraiment. <rire> Et j'adore le marron. Là. Le gland de Marzu, c'est quel âge, putain oh Le gland de beurre de misse. <laughs> Ou alors la crème de marron. Ah, j'aime bien la crème de marron. très bon. Je sais pas, la crème de marron, il ça... y a un côté... Je sais pas, c'est tout de suite sexy, tu vois. Moi, là, j'imagine... Euh... Tout va bien. Tout va bien. La crème de marron, <laughs> ça va. <laughs> Fromage, moins. Fromage, en fait, il y a un côté... Salé gras qui... En fait, c'est le côté gras, je pense, qui me perturbe, tu vois. Ouais. Poisseux, un peu. Je sais pas, si... pas si... Ouais, si, c'est un peu poisseux, le marmolade. Il hein. mmh. y a ce côté un peu humide à chaque fois sur la croûte du dessus, là. Mmh. Un, un, un. Celui que tu veux même pas toucher, en fait, avec tes doigts. Oui, parce, parce que, que quand tu le sais chopes, que... tu sais que ça fait des taches sur tes doigts. Oui, des taches oranges, ouais. Yes. C'est les meilleurs quand ils sont comme ça. <laughs> On est d'accord c'est vrai que, le, encore une fois, pas pour citer bienvenue chez les Ch'tis, hein, mais le, le, le Marwal ça pue sa race. C'est vraiment une odeur horrible. Mais en termes de goût, c'est carrément plus léger que l'odeur que en fait. Bran qui dit les débuts de live de Globe de Plus, c'est toujours un plaisir. Je, je mmh. tiens à dire que je sais sur YouTube que vous regardez les débuts de live. J'ai posté d'ailleurs, parce que beaucoup de gens sont peints et m'ont envoyé des MP parce qu'il n'y avait pas le début de live de Z Corpse. Je il avait, il avait, on ah, avait eu un bug. Oui, et du coup, coup je l'ai reposté. Et il a pas mal de vues. Je il est dans la dispo, dans la description de corps Et d'ailleurs, celui d'en ce, ce, passant, regardez-le. Il, était cool, il était cool. Très il anti anti-facho et tout, c'était cool. <laughs> en vrai, les débuts de live sont généralement anti-facho. D'ailleurs, je le rappelle, si vous vous sentez insulté par une discussion de début de live parce qu'on parle de chasseurs, de fachos, de policiers, de violeurs, de harceleurs de sexiste, de raciste ou de quoi que ce soit généralement c'est parce qu'on vous insulte directement je vous, invite vous dans sentez pas insulté, on vous insulte hein, je vous bien. invite à cliquer sur la en fait vous allez tout en haut à droite de votre écran il y a une croix, cliquez dessus et ensuite vous allez dans votre bibliothèque et vous vous mettez dessus. à... La... <laughs> et vous prenez des bouquins les avec des bons auteurs les chasseurs de fassos <laughs> de filets Euh le Maroal le vieux lille. D'accord, le Maroal mmh. supérieur au vieux lille. Je suis. Alors. Attends, hum. quoi Mais t'as peut-être. Tu peut t'es trompé. Il y a des gens qui se trompent le, alors, dans les trucs supérieurs et oui. inférieurs. Et des ah. fois, ils mettent la flèche dans le mauvais sens. Tu préfères le Maroal ou le vieux lille Bah oui, c'est ça, parce que là, c'est qu la nuit, c'est ça. En gros, là où il y, y a une petite pointe, c'est plus petit. Et là où il y a un truc qui est ouvert, c'est plus grand. Faites un don de 1000 euros pour me faire pardonner. J'avoue. Si, fa si vous faites un don de 1000 euros, vous serez pardonné. Promis. Franchement promis. Vous irez pas en enfer, on vous le jure. Mais il n'y a pas d'enfer. Si, on l'a créé. Bah. Le nôtre T'as un autre enfer ben ouais. non, notre enfer, il est à. <laughs> non, alors, je pense que notre enfer, tu sais, tu fais un combo de tous les piles. dans le souterrain. En fait, dans notre enfer, c'est on continue de marcher dans le souterrain. Tu sais, ouais. le kilomètre 5 là, avec les affaires. Non, j'aime bien moi ça. Putain, mais, il a, mais je filles. sais, y a que moi qui aime bien. Mais euh, je l'aime bien. Moi, le si retour, il était horrible. Oui, mais bah, c'est dur. Enfin, c'est la difficulté. Non, l'ambiance trop bien. Je, je préfère, je préfère souffrir physiquement en sachant qu'on a fait des trucs bien, qu'on a encore des trucs à faire, que de souffrir ouais. physiquement alors qu'on a que c'est l'horreur. Mais je pense que pour Alexis, par exemple, l'enfer, c'est Cannes plus son premier tournage avec ah, ça, <laughs> son affection c'est ouais, pas... pas mal. C'est vrai que t'as toujours pas été dans le souterrain. Non. T'as encore. Encore, Le tu grand, fais... grand, 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 ouais, euh, ouais. 60 hectares. Tu bon as, kiffé, tu as kiffé, as kiffé 1000 euros de sub, sinon, bah non parce que 1000 euros ouais. de sub, ça me fera 400 balles. Vous <laughs> Je Je voulez pas balles, hein. 900 balles pour un bonnet Vous voulez cotiser 900 balles pour tu que préfères, Maxime tu... robinet porte un bonnet <laughs> Attends, en plus, tu qu'il y a des, tu sais ce que j'ai découvert C'est pas vrai. De... Tu dois faire un nombre d'heures en 15 jours, qui est assez élevé, hein, pour valider l'offre. Ah C'est-à-dire ouais que de toute façon, en plus... en fait, tu peux avoir les 250 subs dans les 15 jours, mais pas avoir l'offre parce que tu pas fait le nombre d'heures. Oh la vache. Genre, bande de bâtards. Ah ben à ce tarif-là, c'est En plus, moi j'aime l'argument de dire, ouais, mais de toute façon, vous n'êtes pas obligés. Je me demande s'il y a un seul streamer qui a été hype-envoyant. Mais évidemment oui. mais Sérieusement Mais oui Mais il y a plein de gens qui sont, la... sont pro-Macron et qui se disent, mais ça c'est bien ça, ça va incentiviser, incentiviser, incentiviser. C'est de l'anglais, je crois. Hein. Euh, ça va pousser des gens à, à travailler. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais c'est comme ça, euh, il, faut, il faut travailler plus pour gagner plus. Et j'ai fait, mais ça n'a pas de rapport, parce que ce n'est pas, pas jaugé à la masse de travail, connard. Et qui m'a dit, oui, mais moi, je suis salarié. Et quand mon patron, il me paye, machin, bah, du coup, euh, machin. Et ça fait genre « mais je ne suis pas salarié, connard, je suis indépendant. Tu confonds l'entrepreneuriat et le putain de salariat, bordel de merde. Ah mais, je veux dire par là que la réponse du public... Ok, mais il y a des streamers Merci qui sont prêts à faire ça. Mais il oui, y a des gens qui sont en mode excellent. J'ai trop hâte d'avoir mon bonnet. » Mais il y a des streamers qui vont le faire. Enfin, ils vont le faire pas parce que parce qu'il faut être clair. Rends-toi compte hein. que le palier il va jusqu'à 5500 subs en okay. 15 jours. 5500 500 subs, 22 000 euros. C'est énorme. Mmh. Et du coup tu te dis si ça va jusque là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus que ça en 15 jours. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des gens les cinq premiers paliers ils vont les faire. Comme ça. Ouais, ouais, Putain, on n'a pas entendu mon claquement de dos, attendez. Ça m'a perturbé tout je de faire. <laughs> ouais, c'est genre. Voilà. Ça n'existe pas. Je vois vos bêtises, le chat. Pardon, abonné. Moi, je les vois de loin. Tu les ah, vois T'arrives à te voir, toi Moi, quand mon oui. patron ah ouais, trop, des me trop, ça me des jeunes, <laughs> <t> <laughs> <laughs> Est-ce que tes temps... yeux arrivent à voir aussi loin, Zou En même temps, j'ai en... encore la. Je peux reconnaître que ces lumières sont beaucoup trop fortes. Donc, ah. ça veut dire que j'ai des yeux normaux. Donc, voilà. On, on reconnaît qu'elles sont trop fortes, et qu'on y <rire> <rire> est habitué. Tu verras quand la cataracte vient, finalement, on s'habitue C'est bien. Euh, masque que tu vois, ça va C'est comme les gens qui pensent qu'abaisser les cotisations de droits sociaux va vraiment faire que, que les patrons vont payer plus les gens, ou les engagés plus, ils vont juste payer moins de droits sociaux et basta. Il n'y a pas plus de co payer les différentes occasions. Mais mmh. c'est surtout genre... Là, a, attention, il y a des entreprises qui payent euh, de manière correcte, je ne dis pas le contraire, mais... Quand tu vois certaines entreprises qui payent genre vraiment au minimum pour faire un taf de merde qui est ultra dur mais qui en plus de ça leur rapporte clairement de la thune, bah ça fait chier la bite. Ouais. Collier réceptionné. Le chien est dans la boîte. À Zou, elle a encore ses yeux de lait. Non, putain, j'ai quitté. le secours. Cool. Tes yeux de lait, c'est immonde. Ça me fait penser au film Fire in the Sky où en gros c'est un mec qui se fait abducter par des aliens, et en fait il y a un moment, il il l'abduque, il, il donc abducter si vous connaissez pas le terme, c'est normal, parce que vous, avez, vous êtes un humain normal, mais euh, du coup abducter c'est quand tu te fais euh, enlever par des extraterrestres. et du coup il se fait abducter par des extraterrestres, c'est un peu euh, superfétateur de dire abducter par des extraterrestres, mais peu importe, il se fait abducter, et du coup il se réveille, c'est se la merde et tout, et après il chope, il l'allonge, et il, il lui met un truc dans la gorge et tout, enfin c'est horrible, et il lui fout un... Un liquide blanc dans l'œil, on dirait du lait, ouais. et ça me ça me dégoûte. Alors, moi, la scène qui m'a choqué avec les yeux, c'est Hostel. Ah ouais, bah, on a parlé de faire une Hostel l'autre fois, c'était en live. J'ai fait Ah, vous lui faites une Hostel bah, C'est dans le live le Grand Magasin qui sort euh, l'un. Euh, abducté par des migos ça marchait. C'est vrai, ils n'ont pas besoin d'être extraterrestres, ils peuvent aussi être dimensionnels, je pense. Du coup, t'as pas aimé cette scène du, du chalumeau c'est pas celle du chalumeau qui Ah, c'est celle où. C'est celle, où... celle où il coupe. Celle-là m'a dégoûté. Ça fait un petit. <smartement> Après, ouais. Ouais. <laughs> ah, celle-là m'a dégoûté. Yes. Mais oh. maintenant, quand je vois des scènes comme ça, où je vois une espèce de liquide dégueu, euh, je trouve ça. T... J'ai trouvé un compte sur Twitter qui est genre. Euh, qui fait que des gifs de monstres, de films d'horreur. Ah oui, c'est tenu par une illustratrice. Euh... C'est vrai Ouais, je crois. Et euh, j'ai vu plein de trucs. Bah, qui... euh, du coup, j'ai vu. ça. A... Je sais pas. Je Mais il y, y avait euh, le truc avec les fantômes chelous. Euh... Enfin, Pas le fantôme chelou, euh, le faux The Thing. Le faux The Thing De Globe and Cine, il y a trois semaines, je crois. Ah, Ah ouais, il était dedans. Ah, oui, tu parles de. Les... Oui, oui, de. Le des gif trucs au moment où il y a le. Le, le... le... Ouais, et où il y a le. Tu sais, le Ninja Joker. Le semaine... ouais, il y avait, ça, mais... y avait un gif oh, de ça, il y avait un gif de ça. Ça, il faut qu'il soit dans les putains de. Il y a trop de. de stuff, euh, le The stuff, c'est ça Ouais. Ah, il est trop bien ça. Il y a, y a plein de gifs comme ça, de moments horribles, de films un peu nanars, mm -hmm. mais qui ont des. Qui ont des propres effets, qui étaient genre, bah, pour l'époque, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais ah ouais, c'était trop fait. bien, quoi ça rend trop bien. Faut regarder les vidéos de boutons blancs qui se font éclater. Mmh. Ah, ah. Il y a plein de ça, il y a ça sur ouais. Twitter euh, Sur euh, TikTok Il y avait ça sur Insta Netflix. aussi. Mais pourquoi ils font ça Qui aime bien regarder ça Dans le chat. Pour qui c'est satisfaisant Mais oui, mais c'est satisfaisant de voir genre du pu qui sort d'une plaie. Ouais. Pour certains. En même temps, il y a des gens qui trouvent Eric sexy. Enfin, je veux dire, c'est peut-être ça en fait. Est-ce que vous êtes les gens Faudrait que j'appelle le mec de Adrien de Mire. Ah Adrien, euh... arrête Adrien. Il, 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 a... il adore Eric. Ah, Adrien, il veut lui en faire. Mais du coup, est-ce qu'il aime bien aussi là, les, les Il va réussir à, le... à distance quoi. Super c'est. On fait plus le truc avec le liquide et les yeux, c'est barbare. Maintenant, c'est une sorte de pâte granuleuse. Euh, je veux dire, je suis un humain, j'aime mes activités humaines comme marcher, massacrer mes semblables et expulser du CO2. <rire> <rire> Tain, le troll rift de ban, c'était un petit gris, ça me fait trop peur. Même le nom pu est, ré est répugnant. Mais c'est parce qu'on l'associe, en vrai, c'est juste trois lettres. Hein. Ça dure de dire que pu est répugnant. Genre quand tu dis ah, il y en a plus. Ou que tu dis ah, il y en a plus. Ah, pas, tu penses pas tout de suite au pu, tu vois. Ou tu me comme, comme bouillasse et bouillabaisse. La bouillasse ouais. C'est rigolo la bouillasse Bouillasse ça me donne un peu faim. Bouillasse ça donne un peu faim. Ça fait un côté. On soupe se fait une petite bouillasse ce soir Ouais, il y a un côté genre ouais. c'est une soupe avec de la merde dedans, je sais pas. Ouais. Moi je pensais bout de à viande. des flaques de boue. Ah oui. Soupe ouais, dedans, c'est rigolo. T'as déjà mangé de la boue Non. Mais non plus. peut-être. Enfin, quand t'es enfant, tu. Oui, bien sûr, je ne sais pas. J'ai déjà mangé de la boue, c'est sûr. Ah, ça alors Bah, vélo. Ah ouais, ouais. t'es tombé dans le truc. Bah, c'est quoi oui, ta ouais. pire chute à vélo Oh, bah, c'est. Euh, J'en ai fait moult. Bah, j'ai fait pas mal de. Celle que tu retiens. Celles, euh... Pas forcément la plus violente, mais celle que tu retiens qui te dit. Celle-là, celle-là, j'oublie pas, tu vois. Euh, j'ai tenté. Un... On faisait beaucoup de VTT à l'époque avec les copains en forêt. Et, euh, et euh, donc, on, on, on roulait bien, bien vite. Et je me suis fait un beau, euh, beau soleil au-dessus du. Euh, en tapant dans une pierre, mais un, un, un truc à euh, même pas un, un bon 15-20 km/h, quoi. Ouais. Donc euh, celle-là m'a fait très très peur. Je me suis pas fait mal, mais elle m'a fait très très peur. Je, ouais. je me suis dit vraiment, je, je me suis, dit putain, je me suis pété un truc, quoi. Mais ouais. En fait, non. Dans le même genre, moi, j'ai pas fait vraiment parce que le vélo de base, ça me fait peur, donc j'en fais pas. Ouais, ouais. Mais, mais euh, autre chose dans le même genre. Du coup, et moi, j'ai fait plutôt des chutes à cheval, et il y en a une, c'était un combo. Genre euh, c'est genre balade à cheval dans la forêt mmh. tu commences à avoir un galop parce que la route est claire et que tu peux le faire et euh, là t'as genre une guêpe qui se prend ou une abeille ou je sais pas quoi qui se prend dans le creux de, du truc de la bombe là près de mon oreille donc je la sens dans mon oreille sachant que c'est un truc que je déteste les bruits de d'insectes ouais. et j'essaie de la dégager et en essayant de la dégager c'est juste genre un combo de je glisse avec la selle et je me retrouve sur le côté du cheval et là après genre juste je me dis ben bah, juste je vais me prendre un arbre donc j'ai lâché et je me retrouve à rouler un peu sous les jambes du cheval et puis un peu sous derrière et heureusement j'ai été rien. piétiné par rien mais euh, putain c'était pu c'était ouais. le même truc ouais c'est le côté genre j'aurais pu genre me faire défoncer par le cheval juste après mais j'ai eu beaucoup de chance Moi je faisais euh, le tour du lac des Vieilles Forges euh, que j'aime beaucoup euh, dans les Ardennes et en gros il y a un moment où il y a le virage il est à angle droit sauf que il descend vraiment fort tu vois Du coup je le prends en fait, je monte sur leur bord et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'arrière de mon vélo, euh, enfin, l'avant de mon vélo plutôt, est vraiment plus parti en avant que l'arrière et du coup, ça m'a éjecté de ouf, tu vois, dans le virage. Ça m'a éjecté et je me suis ramassé et là, au moment où je suis tombé, j'ai commencé à avoir mal un peu partout. C'était des orties et des ronces. Mmh. et j'étais en short, euh, t-shirt, ah, tu ah, vois. Et dort t'es là et tu te dis, si je me relève, je vais avoir plus mal. Hein. Ouais, je <laughs> je rester rester ma... Mais ma si je reste là, c'est pire. <laughs> Et c'est les orties <laughs> qui te convaincent ouais. de, de bouger. Parce que la, les ronces, tu peux gérer, mm -hmm. pas les orties. Parce qu'en fait, fait c'est de pire en pire. C'est juste de pire en oui. pire. Donc, euh, et du coup, ils m'ont aidé à me ressortir en me tirant par le t-shirt et tout. Oh là, putain. Trop chiant. Non, pas ma, mais, euh, ma plus grosse chute, ça n'a pas été à vélo. Ça a été en pocket bike. Oh, Qu'est-ce que le pocket bike Eh bien, c'était des toutes petites motos où tu es très, très ridicule dessus, mais c'était très marrant. C'était. Euh, c'est Probalion, je crois. Probalion période. Probation période qui dit que euh, Déjà, il a été piétiné. piétiné. Une <laughs> une... Mais après, une période, en fait, euh, ta vie tu tiens pas. Enfin, t'as les yeux à moitié crevés, as les... <laughs> tu te fais éclater par un cheval. Je veux dire, peut-être remet en question ta, ta manière de vivre, non sans, sans jugement aucun. <laughs> je vais remettre mon caméra un peu mieux. Mon caméra. Euh, redis ton truc de pocket bike. Et donc, je, bah, euh, donc c'est des, des petites motos avec des moteurs euh, typiquement des petits moteurs de tondeuse et euh, et euh, qui peuvent être des bécanes qui bah, c'est très t'es tout petit ça fait vraiment la, la taille de la moto fait ouais euh, facilement ça c'est des trucs qui font un, pas plus d'un mètre d'un mètre de long t'es à 30-40 cm du sol enfin c'est des kartings mais en ah, version ça. moto c'était très très marrant de rouler avec ça l'idée m'éclate moi ouais, ouais. et en fait tu roules donc, sur, sur des tout petits circuits t'as des sensations de circuit qui sont bah, des sensations de pilotage sur un, un engin qui est un peu étrange euh, mais mé de mécanique et tout et donc on roulait avec des copains et, et, euh, et mon père notamment et donc forcément, c'est des petits trucs qui peuvent monter jusqu'à 30, 40, 50 km/h facilement. Bah ouais. Et euh, le truc, c'est que bah, t'as les chutes qui vont derrière. J'ai pris une sacrée chute et en fait, je j'ai percuté mon pote qui était devant, parce qu'il a freiné plus fort que moi. J'ai freiné trop tard, donc je l'ai percuté. Et en fait, donc j'étais plus ou moins éjecté et je suis retombé le cul sur le calpier de de la de, de la moto d'en face en fait. Hop. Et, euh, autant, j'ai eu l'impression que, que je m'étais déchiré le cul mais ouais. Déchiré. La douleur. Et c'était pas très, très loin. Et en fait, ce qui me fait surtout plus peur, c'était pas forcément la douleur. La douleur était plus au niveau du, d'une du, fesse. Mais en gros, quand c'est au niveau d'une fesse et que c'est proche, je me suis, je me suis, je me suis percé une couille. Bon, j'étais persuadé que je m'étais <laughs> percé une couille. Le terme percé une couille. Bien. Surtout que t'avais ah. cette réaction qui est beaucoup trop précise. Ah ouais. Que... Mais, non, tu, mais tu, tu bah, perces ta couille et c est, c est, tout le <laughs> ça. Mais la douleur ah, la couille, et tout, c'est vraiment... fini. une hein. bah, grosse chute. <laughs> faut laisser faire ta couille. Ouais, oui. Bah si ça avait coulé, je me suis dit, bon tant pis, va, je vais prendre un bol, je vais en faire du fromage. <laughs> tu laisses... <laughs> oh non. <laughs> <Chut. rire> Putain. le moteur, hop là, ça repart. Il faut une rustine à couille. J'ai connu <laughs> plusieurs personnes qui ont failli mourir en VTT, une éventration et d'autres... une oh. Éventration, moi, c'est quelqu'un qui m'a raconté qu'il avait sauté dans une piscine, il a fait un plat tellement fort qu'il s'est éventré. Alors, je précise que l'éventration, qu'on soit bien clair, parce que beaucoup de gens confondent euh, le, le fait d'avoir les tripes qui sortent à le fait de percer euh, le terme exact. C'est peut-être pas éventration du coup. Mais en gros, il y a un sac qui tient vos viscères. Oh. C'est l'éviscération. Voilà, c'est ça le terme. Oui, éviscéré, Et oui. en gros, il s'est éviscéré. C'est-à-dire qu'il a percé la, 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 la poche des viscères. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, ça fait une sorte d'hernie euh, gigantesque sur son ventre qui ne fait qu'augmenter. Et donc, du coup, il avait une plaque. Je crois qu'ils te mettent une plaque en titane au milieu du bide. Mais sauf que bah, t'as une plaque en titane, ça se voit, tu vois. Oui. Oh. Euh, ça, ça me dégoûte. Ça, fait, mais après, t'as des abdos euh, en béton. En titane, du coup. Et après, tu fais comme qui casse. J'ai ça. Crash test. Il fait J'ai ça <laughs> Tu t'appelles crash test, évidemment que t'as ça. Oui, forcément. Mais. Euh... Je sais que moi, les, les vélos et les motos, j'avais déjà assisté genre, à un, un tout petit accident quand j'étais petite. Mais moi, j'avais juste retenu un truc, genre, les deux roues, c'est dangereux. Ça fait peur. Ouais. Et je recommence à faire un peu de vélo parce que c'est quand même pratique. Mais Ouais, c'est cool. Bah, mais faut, putain, faut... Euh, pas Il faut faire très attention parce que c'est vrai que le vélo, la moto, tout ça, c'est des véhicules extrêmement. Enfin, le conducteur est extrêmement fragile. Enfin, le pilote, quoi, je sais pas comment on dit ça. Le rider ouais, euh, oui, est... est extrêmement fragile et les gens se rendent pas compte à quel point. Parce ouais. que je pense que vous vous rendez pas compte à quel point à 20 km/h, c'est déjà extrêmement rapide pour un corps humain qui est lancé dans le vide. Mm -hmm. euh, et Parce que moi, c'est vrai que. Bah même quand je fais du vélo aussi, euh, du vélo, du, putain, du ski, euh, c'est pareil, arrive bah, tu arrives vite à 60, ouais. 70, et en fait, tu te dis si là je m'arrête net, genre je suis éclaté quoi. C'est fini. Avec, avec la gravité, enfin la force, de, ah bah, euh, la force le, hein. tu, tu te fais éclater quoi. Mm. Les gens sont fragiles en fait, bah, vous êtes tous des fragiles. Et surtout, genre, dans la, <laughs> le vélo et la moto, pour moi, ça m'a ça toujours paru complètement illogique d'en faire. Pour la simple bonne raison que c'est un truc qui veut tomber en permanence son objectif au vélo c'est de tomber tu vois il ya ce côté j'adore le concept ça se tient mais oui. tu peux dire ça de beaucoup de choses quoi. ouais mais... mais je comprends hein. tu vois ce côté où il faut maintenir l'équilibre, sinon tu tombes je trouve ça hyper stressant ça s'appelle la vie hein. oui. <laughs> <C 'est stressant, rire> en vélo je me suis incrusté des graviers dans la main moi j'en ai dans j'en oh, avais oui. j'en ai retiré il à a Bon, en vrai, si, en fait, ça fait méga longtemps, ça fait 15 ans. Mais bon, j'en ai retiré il n'y a pas si longtemps que ça, lol. Je... Euh, de, mon, de mon genou, euh, j'avais des, des résidus de merde oh, de euh, gravier, quoi. Et je me dis, mais comment ça fait pour ne pas s'infecter Mais je crois que j'ai pareil avec une écharpe dans le pied que je n'ai jamais pu retirer. Yes. Et juste, j'ai un tout petit truc, un tout petit bout de bois. Alexis, il avait ça au pied, mais je m'en suis chargé. <laughs> ça dépend aussi de la profondeur, en fait, jusqu'à où dans, dans l'épiderme en général tu Tant que ah, tu ça vas pas. Ça par sortir dans le. Mmh. Quand tu vas pas en dessous, au niveau du corps gras, normalement, ouais. tu as peu de risque d'infection. J'ai une plaque de catwalk qui est tombée pendant que j'étais dessus. C'est quoi une plaque de catwalk J'ai manqué de me faire emballer sur un stock de tiges filetées en contrebas retenues par le bout des doigts sur des trous du grillage avec oh. un godet de fonte qui me poussait sur le casque. Plus jamais je bosse dans une fonderie. Attendez, je vais retirer un truc sur le son. Mais continuez à nous raconter vos expériences abominables. Des, des expériences de chute, là. Le... Qu'est-ce que j'ai vu? Ok, j'ai vu pas mal aussi de. Quand de... ouais. ah, Tu fais du hockey sur glace, t'as quand même pas mal de blessures aussi. Ah non, ah, si, ma pire. Ah oh, bah non, je sais, moi. Ce n'est pas moi qui l'ai vécu, mais juste de l'imaginer, mais ça, voilà. c'est une des pires histoires. Je pense que le son est meilleur. Je, on rentre de soirée avec des copains, donc il est tard, il est au moins 4-5 heures du matin. Ouais. On est, euh, on est plein comme des barriques. on rentre à pied, et on descend en fait une rue, et il y a un moment, quelqu'un dans la rue nous alpague. Et euh, il parlait très mal français. et Il nous dit euh, aidez-moi et, et on se dit bon bah, c'est un, un, un autre type bourré euh, qui, ouais. qui est dans la rue et puis on n'y fait pas attention en fait on continue notre chemin. Et en fait je tourne la tête et je me rends compte que cette personne là en fait elle est au niveau d'une porte d'un immeuble et la main au, au niveau de la porte et je me mets à regarder un peu plus un peu plus en détail parce qu'il avait l'air ouais. vraiment en fait un peu paniqué cet homme là. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que, vous voyez les portes d'immeubles, typiquement les des immeubles parisiens ou les immeubles de grande ville, où il y a des très grandes portes, très lourdes, mmh. euh, fermées euh, très magnétiquement. Très euh, la personne s'était coincée les ah. doigts, pas dans le battant central, mais dans le battant euh, extérieur. Ah, quelle horreur. Là où il y a encore moins de place et où ça fait levier, vous savez oh, putain. Et euh, donc, en gros, c'est à partir du moment où j'ai vu ses doigts qui étaient littéralement... Éclatés à l'intérieur euh, Non, qui étaient en fait dans une... C'est comme s'il si était glitché, le mec. <laughs> tu sais Ouais, il n'y a, a que la peau, quoi. C'est-à-dire genre... que sa main était coincée ouais, et sa main était dans un endroit où, où, où c'est physiquement pas possible. Moi, le, que le fait qu'il il... dise juste... -moi, et alors, là, <laughs> parce que quand t'es c'est possible là, que tu ne sentes pas forcément la douleur. Eh hein. bien, il ne ressentait justement pas la douleur parce que... Enfin s'il ressentait une certaine... en partie la douleur Mais il était quand même lui aussi bien intoxiqué ouais. euh, Nous on l'était à partir du moment où on s'est rendu compte de ça On ne l'était plus du tout hein. euh, On appelait les pompiers et compagnie forcément Je ne vous raconte pas la galère que ça a été oh, euh... C'est vraiment le truc de quand t'as tes doigts Coincés dans un truc comme ça Moi ce qui me terrifie c'est aussi l'idée de le retirer oh En plus il à deux doigts de s'en tirer hein. Ouais J'adore <laughs> <Non, en> fait... <laughs> le fait que t'as l'air <laughs> saoulé Genre je t'ai offensé Tu vois ce que je veux dire <laughs> Genre ça m'a vraiment fait <laughs> non, pas encore, Maxime, non! Mais ça veut. J'ai le droit à toutes les blagues, mais pas ça! Je pense à un pas truc sérieux là. et tout d'un coup tu oh, fais une blague et je suis en mode genre. Ah. Merci, non, <laughs> du coup, je m'imagine. Des nipples coincés dans le, dans le même. Ah. Euh, au... Attends, on va avoir un autre son qui répond à ça. Ah euh, non, pas terrible. Pas Merci, Madaz. <laughs> Euh, J'ai chuté d'un ravin d'une dizaine te de mètres au ski, gros, gros roulé boulet à l'atterrissage. Je me suis coupé la lèvre avec mon ski, bonjour, mais c'est tout. Bah ça va en vrai. En vrai, ça va. Hein. Je joue grosse gamelle moto, mani court au Dunlop <laughs> Day, au, euh, au pélo. Un, un pélo, je sais pas, m'a tapé la roue avant en entrée de courbe. Au bout de la ligne droite, je chute à 280 km/h. Bah, c'est long avant de s'arrêter, putain, c'est long. Tu dois te dire je vais mourir, 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 Ça me fait un peu penser à un truc de... On a tous fait ça dans les chutes, dans les pentes d'herbe, de faire des roulés boulets, Et c'est tellement dangereux. Mais au début tu te dis c'est fun, ça va vite quand même. ça va. Moi c'était justement à la montagne où en gros il y avait une descente de luge et j'avais pas besoin de luge. Et j'y suis allé. Et en fait tu le fais et au bout d'un moment tu te rends compte que tu ne contrôles pas du tout. Et tu commences à devenir une pierre Et tes bras. Qui commence à, à. Où tu fais. Non, tu reviens là. Et, ouais. et, et tu prends de la vitesse. Et en fait, ça s'arrête. Et tu fais genre. C'était trop bien, je recommence. Et je l'ai refait, genre, je sais pas combien de temps, Et en vrai, je pense que j'aurais pu. Enfin, bah. je pense que tu peux te faire très mal. En fait, ça dépend, je pense vraiment la longueur du mmh. truc et tout. Mais je pense que juste, tu prends un faux mouvement, tu te pètes un truc. Ah, c'est pratiquement cool. sûr. J'ai eu mon père qui s'est refermé la porte de la voiture sur son doigt et du coup il était presque sanctionné, mais genre vraiment il y avait presque plus rien qui oh. le retenait. Et genre, c'est juste, non, je peux plus voir Pourquoi ça. Pourquoi on a choisi ce sujet de conversation bah, J'avoue, j'avoue, j'avoue. Je pense euh, qu'à ce stade, tu ressens plus la douleur, tu hais la douleur. Ouais. <laughs> ouais. je sais pas, la plus grande douleur que j'ai jamais eue. La plus grande douleur que j'ai jamais eue, si, c'est euh, en gros, je venais de me faire resserrer l'appareil dentaire ouais. et toutes mes dents ont décidé de devenir juste des nerfs à vif. Ah. Ouais. Et en envie. gros je ne pouvais pas respirer sans pleurer. C'est-à-dire, oh, mes yeux pleuraient. Valeur. Tu sais, comme quand t'as super, super mal, une douleur très vive, Mais ça faisait ça quand je respirais. Et du coup, au bout d'un moment, heureusement, mon père est pharmacien et a fait, ben bah, là, le problème c'est qu'on ne peut pas t'emmener aux urgences pour ça. Mmh. Mais du coup, bah, il m'a donné de la morphine. Ce qui m'a permis de dormir, alors une toute petite dose, oui, bah, mais, oui. mais du coup mais ça m'a permis de dormir. Le, même, le lendemain, ils, a, ils ont retiré l'appareil dentaire, j'ai plus d'appareil dentaire. Et le mec, elle dit Oui, des fois ça peut faire ça. <laughs> Genre, what the fuck <laughs> C'était quoi C'était la pire chose que j'avais vécue. Et c'est ouais, mon 10 sur 10, quoi. C'est le, ouais. je voulais mourir. je, je pensais que Je crois que j'en ai pas, moi. C'est trop bien, bah, je alors, en vrai, tant, fait mal. <laughs> ouais, ouais. tant mieux. C'est vraiment tant mieux. Moi, euh, j'en ai eu plusieurs, ils sont toutes, elles sont toutes à 10 sur 10, mais ça a été toutes des douleurs différentes. Mais tout au même niveau. Ouais. Euh, déboîter le genou. Ouais. Donc, euh, que tu dois remboîter toi-même Ouais. Mmh. Clic. Donc, euh, ah, c'est ça les Ouais. Plop <laughs> non, Mais littéralement, je me souviens aussi que quelqu'un, je sais plus si c'était l'épaule ou un truc du bras, ouais. qui était déboîté. Et j'ai vu, genre, ils, ils ont pris ça très très bien, mes potes. Et genre, ils sont dit, bah attends, on va t'aider, on va te remettre ça et tout. Et je t'en mets... Bah en fait, quand tu parc, quelque chose euh, vous... déboîter c'est les trois premières fois qui sont les plus difficiles. Et après, ça... Va. Parce qu'en fait, c'est plus psychologique que réellement douloureux. Attends, il De le réemboîter, j'entends pas de déboîter. Déboîter, ça fait Mais parce que tu tires sur les nerfs, littéralement, c'est horrible. Ma luxation de la mâchoire aussi. Ah, c'est ça. horrible. Ça, c'est pas terrible du tout. Du coup, lui, il peut pas avaler le micro. Non. Je ne peux réellement pas. Non, mais le fait pas surtout. Ah là Ah non, je le ferai pas parce que je suis maintenant physiquement. Je me bloque. Enfin, il y a un côté psychologique. Je ne peux plus ouvrir la. En grand la bouche, parce que ça me fait stresser. Juste là d'en parler, mmh. ça me fait stresser de m'imaginer d'ouvrir en grand la Faire bouche. ça là. Ouais, impossible. <laughs> ça, je ne peux pas. De m'être fait à moitié péter le nez, ok, ça, ça m'avait fait bien mal aussi. Mais je viens, je viens de me, me rappeler de ma pire douleur, ça a été quand j'étais malade et je me suis fait tatouer l'intérieur du bras là. Et quand j'étais euh, malade, j'avais la peau très sensible. C'est parce que quand je suis malade, j'ai la peau qui est très sensible. D'accord. Et donc, je me suis fait tatouer mmh. pendant 4 heures. Euh, une bonne partie du bras, une zone qui arrêter. est bien. L'enfer. Euh, arrêtez. C'était là, c'était le mais arrêtez. Ouais. arrêtez jamais, mais arrêtez. Bah, c'est un ouais. petit peu l'idée, c'est tu te dis, bah t'es obligé de serrer les dents et euh, ouais. de passer à travers. Et Quel enfer. Ça, en plus, quand tu te fais tatouer, vraiment, genre, si Alors, moi, c'est ce qu'on m'a dit, genre, si tu manges pas bien, si t'es pas reposé, si tout, la, la sensibilité, elle est dix fois pire, quoi. Donc, euh, bah puis euh, je pense que c'est un truc où c'est euh... Enfin, c'est alors toute, compta, toute comparaison gardée, hein. mais ça me fait penser un peu comme quand tu fais du sport ou des trucs comme ça mmh. et que t'es en mode là, je suis à mon maximum. Non, non, il <laughs> y a pire après, ouais. et du coup, c'est ce truc là de bah oui, mais ça va pas s'arrêter. Enfin, tu peux arrêter à tout moment. Le seul truc qui te tient, c'est ton mental, et du coup, c'est genre horrible parce que c'est pas une douleur. Infernal, ouais. mais c'est largement suffisant pour être horrible. Et du coup, c'est sur la longueur et c'est vraiment le mental. Et là, je trouve c'est les pires douleurs. C'est vraiment euh, bah, ma douleur dans le dos là que j'ai. Alors ça fait pas mal de temps que je l'ai pu et je suis bien content. Ah, euh, mais du coup, faut savoir qu'elle est pas liée aux muscles et tout. C'est vraiment plus un truc de nerf. Et en fait, c'est plus. Euh, ils m'ont dit, bah, c'est plus une question de faux mouvement sur la durée. Et du coup, ils m'ont dit, bah, si vous le faites, ça arrivera. Et puis bah, c'est tout, euh, voilà. Mmh. Mais sauf qu'en fait, la douleur est pas haute. Hein est vraiment pas est autant sauf que ça arrête jamais et du coup c'est genre au bout d'un moment tu ne penses plus qu'à ça et plus tu y penses plus t'as mal en fait horrible je déteste ça ouais, bah, mmh. pas boire d'alcool c'est une logique aussi bah, forcément avant hein. mais euh, ouais non en gros c'est le euh, c'est une drôle de sensation parce que tu souffres vraiment c'est vraiment très bon, en tout cas les, certaines zones et les dernières sessions elles ont été oh, ouais il fallait euh, je donnais tout dans le mental pour et, ouais. Le truc là-dedans en plus, c'est que Merci. tu peux pas vraiment réagir naturellement, vu que si tu bouges ton bras. C'est ça. Et plus tu bloques, plus tu bouges. <laughs> c'est vraiment genre... Oui, euh... ça peut niquer ton cou. Merci beaucoup, euh, avec moi. La montagne est belle. C'est chaud. Bah Mais du coup. Je euh... pense que les fois où je me suis le fait le plus mal dans ma vie, j'étais enfant, du coup, j'ai pas vraiment de, de critères. C'est-à-dire, je me suis pété le nez quand j'étais enfant. <laughs> Tu T'es pété le nez, ça ouais, ça bien suis... Bah J'ai le nez tordu, mais sinon, enfin, pété le nez. Ouais, non, je ne me suis pas va. pété le nez, je me suis juste éclaté la gueule. D'accord, parce mais que casser... tu t'es pas cassé le nez Non, quand je dis pété le nez, c'est parce que je, je parle avec des extrêmes toujours. Mais... Ah ouais, okay. <laughs> je me suis, j'ai littéralement pu le nez, euh, je me suis crevé les yeux. Euh, non, mais je suis mort fait trois un... fois. En fait. Là, elle a l'impression de fondre avec la lumière. C'est vrai, elle l'a dit. J'ai très très mal aux yeux actuellement. T'as très mal aux yeux C'est vrai C'est quel début une super astuce, c'est tu vois la lampe verte là, tu la fixes pendant 5 <laughs> bonnes non, minutes. Parce que dès que je la croise, après ton visage n'existe plus. Pour moi, c'est que des pointillés. En, en fait, tu sais, tu sais pourquoi tu t'as mal aux yeux Parce que tu es attiré par la lumière. Ah, T'es putain de mouche. T'es l'insecte. <laughs> en fait, une fois que t'as le mental, tu regardes plus les lumières. Tu sais que tu regardes pas autre chose. que ça fait 20 minutes que t'attends une occasion pour m'insulter. <laughs> mais putain de mouche, c'est pas une insulte. Non, mais ça sonnait comme tel. <laughs> Mais une mouche c'est bien. Ouais. C'est un bon film. C'est mieux qu'un moustique déjà. C'est vrai. franchement les mouches moi ça me dérange pas plus. Moi, ouais, bah, je suis juste inutile quoi, chiant toi. Mais c'est pas inutile, c'est ultra utile. Comment on se débarrasse des cadavres <laughs> Comment on fait pour savoir euh, hein, quand on a plus de porc parce qu'on a mangé les porcs pour se débarrasser des cadavres Et c'est gentille petite surprise quand t'arrives arrives et que tu fais Oh ce caca il est tout noir. Ah non, il est marron mais il est plein de mouches." <laughs> tu sais, elles s'envolent toutes d'un coup, c'est une sorte de feu d'artifice du caca. <laughs> Ah, vous êtes des putains de bousiers. Non, en plus moi. Ah, ouais. oh, bousier, c'est trop bousier. bien. C'est cool, un peu stylé, les bousiers. Pas ah. Ah. Il y en a dans Elden Ring plein. Ouais. Trop Il y, bien. y a même des casques bousiers qui sont carabés bousiers chelous, là, qui sont cool. Ah, tu parles des Mais Parce qu'un bousier et un scarabé, c'est pas la même chose. Ouais, je sais, mais ils sont, ils sont cool. Mais c'est vrai qu'ils sont très cool. Je rêve d'un jour où j'arrive à du le art de mon pseudo. <laughs> T'as Yakimura, tu veux que je t'appelle Yakimura tout court Tu sais que je vais l'oublier immédiatement, en fait. Non, dans un café. Mais je t'aime bien quand même. Ça Maxime rejouer à -ring. Mais je peux pas. J'ai pas le temps du tout. Cette semaine, il y a un moment où je me suis dit Putain, mais en fait, j'ai trop le temps, je peux le faire. Mais en fait, j'étais en train de faire un encodage. Du coup, je pouvais pas parce que mon PC, si je fais un encodage et que je joue à un jeu et qu'il y a un plantage, bah, ça baisse l'encodage. Ça, c'est à cause de vous, les tipeurs. C'est à cause de l'étau. <laughs> j'ai touché une seule fois cette semaine. Quand tu vis à la campagne, les mouches, c'est juste infernal. Ouais, non, c'est d'accord. D'accord, ok. Oui, ok, ça mange le gaga, merci. Ce qui est est terrible là. aussi, c'est dans les, mouches, les restos le ou type de... Les bars où, les... où t'as... Enfin, dans, le... dans des ouais. restos où t'as un petit peu de bouffe qui peut traîner, genre typiquement dans des vieilles bâtisses ou des trucs comme ça, tout de suite, t'as des mini-mouches qui viennent. Oui. Et... Les et les, les... ouais. Alors, il y a les fly... Euh... Enfin, les fruit fly, donc les mouches, les mouches de fruits, là. Celles oranges, tu vois ce que je veux ah, dire ouais. Les toutes petites oranges, là. Mm. Et c'est insupportable, parce que dans mon ancien appart, la cuisine étant plein soleil, en été, si t'avais des fruits, il y avait des fruitflies. C'était obligé. Et en vrai, c'est trop relou parce que ça fait trop genre. Bah oui, mais je veux juste des fruits. Je veux pas les 200 mousses qui vont avec. Tu vois bah, il <laughs> y en avait pas 200. Il y en a genre une. Mais elle est tout le temps là. Tu sais <laughs> Ça vit une journée, Et mais fait, elle est tout le temps là. Tu t'aimerais pouvoir communiquer avec certains insectes pour leur expliquer que ce qu'ils font ne sert à rien. Mais euh, parce que leur job, c'est de se débarrasser des trucs genre des déchets. Mais bah, leur job ne sert pas à rien en fait. Bah si, si tu veux manger les fruits, ça ne à rien. Bah c'est des déchets. Hein. faut gérer. C'est pas à toi de décider hein. T'imagines elle, elle, Là, je précise tous les insectes du chat. Euh, <laughs> on vous respecte. N'écoutez pas ce que dit euh, Zou, qui est une euh, anti-insecte un basée. Euh, je suis sincèrement désolé. <laughs> euh, à tous les insectes du chat, bien sûr. Euh, notamment. Qu'est-ce que euh... tu vas dire pour les cousins Mais j'aime bien les cousins, je trouve ça trop bien. Oui, mais c'est con. Oui, ben, excuse-moi, bah bah, il voilà. y a plein d'humains qui sont cons et, et je, je veux pas qu'ils meurent pour autant. Je dis pas qui meurt, mais juste, je les aime pas. Si jamais Maxime voit un insecte avec des très longues jambes... C'est <laughs> pas un insecte. C'est vrai <laughs> Eh oui. Ah. J'ai pas de problème avec... C'est pas une C'est pas insecte. un insecte, le cousin Ah, le cousin, aussi c'est un insecte. Et, la, et euh, le daddy long legs Non plus. C'est pas un insecte. The daddy long legs La faucheuse Ouais. Alors, les faucheuses, donc, euh, ne sont pas des araignées, mais ne sont pas des insectes non plus. Oui, mais c'est pas une, une famille d'insectes Genre... Non, non, les insectes, c'est six pattes et des Pataclap. ailes. Pataclap. Pataclap. Je suis Merci beaucoup, Leto. Le les mêmes euh, euh, bestioles. Non, alors pas du tout, en vrai, que dans le cycle de l'évolution, pas du tout. Je, je, sans vouloir être relou, hein, mais vraiment pas du tout. Les, les araignées terre, sont beaucoup de... plus proches des, des crustacés, d'ailleurs. Je crois. Con Confirmez-moi sur le truc. Oui, mais bon. Hein Daddy voilà. de l'anglais c'est des araignées, non. Alors non, en, en gros, les gens, euh, il y a les... Euh, quand... Non, c'est des opilions, arachnides, ça tout à fait. Le non. Ok oui. <rire> <rire> Merde, j'ai levé la tête. <laughs> <Oui, viens. rire> J'ai juste vu un Maxime qui se lançait sur moi en disant Ok, j'ai eu peur. Allez ça veut dire merci beaucoup, Escape RPG. Mais tous les insectes n'ont pas d'ailes Si, c'est pas parce que. Genre, par exemple, les fourmis ont des ailes. C'est pas parce qu'elles n'ont pas d'ailes tout au long de leur vie ou parce que certaines classes de fourmis n'ont pas d'ailes qu'elles n'ont pas d'ailes. Elles ont des ailes atrophiées quand elles sont toutes petites, je crois. Mais ouais. Tu vas sucer fort. Et du coup, les faucheux. Beaucoup de gens confondent les faucheux et les araignées boxeuses. Je crois que ça s'appelle, qui sont des fa quelque chose. Je sais plus c'est quoi le nom. Et en gros, une fauche un faucheux c'est une petite boule son corps, euh, alors qu'une araignée c'est trois boules, c'est mmh. un, un cul, un abdomen et une tête. Oui. Euh, donc euh, en gros c'est ça qui me fait peur. Mais par exemple les, enfin les araignées boxeuses qui sont donc euh, bah, comme un faucheux mais avec euh, trois parties etc me font pas trop peur. Donc mmh. ça j'ai même réussi à en mettre une dans ma bouche devant euh, de pendant un tournage pour les choquer. Et ils ont vraiment fait what the fuck, c'est <laughs> trop bien. Ça, ça, a vraiment fait. Haha, il a peur des araignées. What, what, what the fuck. <rire> <rire> ah ouais, ça, le, vous, auriez, vous auriez vu, vous vu notre réaction. Ah, C'était, j'ai l'impression que j'ai brisé leur monde. Et tu vois ce que j'ai eu en réaction de temps, ça C'était genre, mais il peut pas. Enfin, ils ont vu <laughs> l'araignée et ils ont cru que ma réaction, ça serait d'avoir peur ou de la tuer. Parce que mangé. tu dis, ces genre de truc où tu dirais, t'es pas capable de faire ça et la euh, personne, elle, elle va peut-être le faire. Mais toi, non, tu l'as fait tout seul. Hey. <laughs> ça On ne lui a même pas soumis ça l'autorité. J'ai ressenti un moment, une expérience hors de moi où je voyais le... notre visage à nous. Oui, c'était trop bien. En vrai, oh, c'était très bon. Non, drôle. les araignées ont deux parties, c'est les insectes qui en ont trois. Bah, voilà. Mais ah, qu'on soit bien d'accord, je me cite pas professionnel des insectes. Hein. Ou des araignées d'ailleurs. Ou de toutes les petites dates. Ant moi, j'aime beaucoup par antimologue, contre. Antimologue, je me semble d'ailleurs. Antimologue Pour les insectes, ouais. Insectologue du cul. Oui. C'est le terme scientifique. Il me semble que c'est ça. Non, mais j'aime bien. Entomologiste. Ouais, fond. moi je dirais aussi entomologue, ouais. Anto, ouais. Voilà. Entomologue. Entomologue, très... ouais, c'est plus. Euh... <laughs> non, je vais pas faire. C'est euh, un. C'est une, une, une sous-branche de l'antifascisme. A une novitium dominance. Euh, L'antimole, c'est peut-être aussi un truc euh, lié euh, à la demi-mole. <laughs> L'antimole mm -hmm. Yes. C'est une petite cachette bleue, là Ouais. <laughs> c'est sont... un super nom, tu vois. Euh, je elle les putains de mologue. <laughs> logiste. hologue ou logiste. Mais je crois que les deux sont valides en France. Je crois que tu peux dire archéologue ou archéologiste. Je crois que tu peux. Confirmez-moi que j'ai tort. Ça, <laughs> mais c'est vrai, vrai c'est intéressant. Euh... Vous avez perdu votre mode de lait. D'ailleurs, chez les crustacés, il existe un concept qui s'appelle la carcinisation qui amène un grand groupe d'entre eux non apparentés à évoluer vers ce qui ressemble à des crabes. Tout à fait. Ouais. Genre, c'est un peu la forme euh, finale. Quoi, ah, je trouve ça trop bien. Tout à fait. Il y a plein d'espèces non liées qui sont orientées vers la forme d'un crabe. Et du coup, euh, peut-être qu'un jour, nous serons des crabes. T'aimerais bien d'un crabe Mais... T'aimes bien les crabes c'est rigolo les crabes. Ah j'adore les crabes. Ça marche quand même. C'est très marche. bon. Sauf ça dans va. Dark Souls et dans Elden Ring. Mes ouais. ils sont plus fous J'aimerais bien qu'on qu évolue moi, comme, comme les... <rire> Des... <rire> <Ouais>. <rire> comme les sorciers, euh, sorciers scalopendres là. Ah. T'as un petit scalopendre, t'aimerais bien ta scalopendre Ah c'est plein de pattes, et... c'est a l'air pratique. Est-ce Est que j'appelle Cécile pour lui demander son avis <laughs> Ah non. D'ailleurs ouais. je pense que... Je... je sais pas si ces insectes, enfin ces monstres là dans Elden Ring lui feraient vraiment peur font pas scolopande pur et dur, un peu quand même. Alors, c'est dans ce c'était c'est le toutes suite, les formes de scolopande. Non, parce que justement en fait, elle aime pas la plupart des formes de scolopande, mais c'est surtout ceux où il y a un côté pattes innombrable mmh. Tu mmh. vois, genre les putain, c'est quoi le nom déjà Les gens, j'ai perdu le nom. Mais c'est tu sais, ceux qui a euh, en ceux France qui avec ont des, des trucs très très longs. Ouais, qui font des très grandes pattes comme ouais. ça wow, et euh, ça bon. elle aime vraiment. Merci beaucoup euh, à Penatos. C'est vrai, quasiment immondissent Euh Myriapod, merci beaucoup. Les Myriapod, ça, elle aime pas. Et c'est ceux où il y a les, alors, les réelles mille pattes, ceux qui sont, vous savez, noirs avec une grosse carapace. Moi, je les trouve trop cool. et Ils, ils ont plein de toutes petites pattes. Ils ont tout plein de petites ah oui. pattes blanches. Et voilà, et tu peux les mettre dans ta main. Dans le sud, ils étaient, <laughs> ils étaient énormes. Dans le sud, il y en avait dans la piscine, tu te rappelles et Oui, ceux qu'il y dans la piscine, ouais. pas ils étaient fat. Et j'aimais trop les prendre et les mettre dans ta main et tout. Et pendant une fraction. Moi, un truc que je faisais quand j'étais petit, et j'ai arrêté, c'était quand j'étais petit, je prenais des. Comment je prenais des d'insectes genre tu des bousiers, des machins et je les mettais dans mes mains et je fermais mes mains comme ça mais pas fort hein, juste doucement tu vois et tu sens leurs pattes gratter sur la mmh. peau et à chaque fois il y a un moment où dans ma tête ça faisait peut-être qu'il y avait une araignée dans le <rire> <rire> et du coup ça... <laughs> et c'est trop bizarre ça m'est arrivé genre des centaines de fois tu vois tu mets <laughs> tu ça. vois s'il n'y a pas un peu de réaction primaire tu sais ah et mais les est ça, mais primaire est ça, ouais. de dire attends mais tu les un ça, truc entre les mains ta peau et tu sais, ils veulent ils veulent ça ils me veulent fait pareil défoncer. avec les cousins parce que oui les cousins c'est absolument pas dangereux tu les prends en pleine main c'est ouais, ok ils mais ils il y a, y a quand même chaud. un moment où ils bougent dans tes mains yeah. et t'es en tu mode genre tu projettes le truc euh, dangereux s'il t... Je... arrive à rentrer. la fois où j'ai une fois j'ai posé mon doigt il y avait un gros scarabée j'adore ça et j'avais posé mon doigt devant pour faire obstacle pour voir comment il allait réagir ouais. ça allait monter sur mon doigt et en fait non il, passe en il a il essaie de pousser oui ouais. et là j'ai fait et, et la, et la force que ça super fort ça, ça dépend lesquels, mais les lucanes et tout ça ouais. c'est super fort mais et moi ce qui est... m'avait étonné c'est que j'avais fait ça avec une coccinelle et je m'attendais à rien sentir du tout qu'elle bouge ou quelque chose mais non elle m'a poussé et je pouvais sentir qu'elle essayait de pousser coccinelle ce qu'on appelle euh, les tigres, tigres du de l'espace euh, ouais. tigres de non, des, des tigres insectes, en fait. Ouais. Ça c'est vraiment parmi les plus gros tueurs de masse. Euh, comme les libellules aussi. Ah euh... les libellules, t'as déjà vu les larves de libellules Non. En fait les larves de libellules, j'adore tout ce qu'est euh, euh, animaux, des petites mares et des flaques dans les forêts. C'est vraiment un truc qui me passionne. Mm. Alors, en gros les larves de libellules, c'est les pires. et En gros elles ont une bouche rétractile, comme dans Alien. Elles font ça. fait <laughs> ah, yeah, 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 yeah. comme un bras, elles font ça, elles chopent des trucs. Et je les ai déjà vu chasser. Euh, et c'est vraiment un truc de ouf. C'est trop bizarre que cette passion-là, c'est vrai que j'en parle jamais, mais, mais c'est vraiment un truc... T'adorerais <laughs> du coup toi, les, euh, je Je suis je suis passionné par ouais. une chaîne YouTube temps-ci qui s'appelle JarTopia et c'est un truc en fait où c'est ah, une des... personne je... qui fait des jarres avec des microbiotes et j'aimerais <laughs> trop en faire parce ouais. que ça a l'air incroyable il fait ça avec euh, voilà comme tu dis des trucs de rivière ah, avec ouais, euh, bien, des trucs de début de, d'eau de mer là et c'est trop trop cool si tu et vois oui. les micros et oui c'est inspiré celle qui vient je crois que c'est ça qui a inspiré les enfin euh, les xenomorphs euh, du coup c'est vrai ces larmes, que quand, là, là. quand tu regardes dans le, les micro environnements et les micro bestioles leur enfin leur gueule leur les détails, tu as une, une dose infinie d'inspiration. Quand ça. tu vois les, les, les de nausicaa, tu as complètement ce côté euh, micro-feature. Euh, Et tu as les NEP qui sont super intéressantes, qui respirent par le cul. En fait, elles, ça fait comme un petit scorpion. Elles ont des, des pattes comme ça. En fait, elles, elles nagent, elles chopent les trucs avec leurs pattes. Et en gros, elles ont une pointe au niveau du cul. Et en fait, elles respirent par ça. Mais par contre, les nep ont, euh, elles peuvent atteindre une taille comme ça. Et c'est ce qu'on appelle les scorpions d'eau des fois. Et tu as oh. les didyk qui sont des scarabées d'eau et qui nagent vraiment avec des petites pattes à l'arrière, pattes plumées un petit peu. Mais c'est vraiment super intéressant. J'adore ouais. ça. triton comme, et tout ça. Comme moi après avoir mangé indien, bah comme nous du coup. C'est vrai qu'on a mangé indien. Est -ce Demain Est-ce que c'était bon Oui. C'était pas incroyable. Mal... Non, c'était pas incroyable. Mais c'était. Vous bon. bon, c'était plus que correct. Euh, vous avez fait un peu ça avec Eric dans la cave. Quand on l'a mis dans la cave pour qu'il fasse son propre euh, microbiote. Oui, mais lui, on l'utilise pour créer des. En fait, on a un client qu'on va appeler. Euh, je ne peux pas vous dire son nom, mais bon, On va l'appeler euh, le parapluie, euh, qui, effectivement. A, a, en fait, on lui vend les microbiotes qu'on crée à partir de. Des, des souches. Rig... Bah, souches qu'on. En ouais. fait, on donne des lettres un peu à Voilà. En fait, on a vachement écumé tout le début. Là, on est vraiment sur euh, les T, mmh. euh, notamment, beaucoup. Euh, et, et du coup, ouais, voilà. C'est ça le truc. On essaie de faire ça. Mmh. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que bah, c'est une partie de nos revenus, effectivement. Là, là on a vendu une souche d'ailleurs, euh, parce qu'en fait, il avait des sortes de, de trucs dans le bide euh, et on les, on les a adore. développés. Et mais en fait, on les a envoyés en Espagne, euh, là, euh, et ça prend bien. Ça prend bien. Euh. Il, il nous appelle. Euh, ah, c'est le truc de nombril qu'on a chopé Yes, c'est le ah truc, ouais. là. Il nous appelle euh, les, comment les rigolos, Las Plagas, il nous dit. Ça, j'aime bien. Et euh, voilà. Non, ils sont très sympathiques, hein, ces, petits, euh, ces, petits, ces petits gens. Il y a quelques petites ré réactions cutanées, mais ça va. Ouais, mais ça va en vrai. On a juste l'impression que la peau colle un peu et qu'elle est un peu sèche. C'est quoi le plus gros insecte que vous avez vu pendant un tournage de que... Globetopus J'ai touché, touché le. Ah, c'est vraiment Vraiment peau dégueulasse Alors, sèche. Je ne pense pas qu'on ait vu particulièrement de gros insectes pendant un tournage de Globetopus. La plus grosse créature qu'on ait vu pendant un Globetopus. C'est vrai que le résultat est, est... très bizarre. On a, vu, on a vu un crapaud qui était fat. On a ah. vu, bah on a vu des sangliers qui étaient énormes, on a vu des très gros insectes. J'ai vu une biche oh oui, qui si. était plutôt fat J'ai vu... ça le, bazar. Ah, le, le crapaud était vraiment comme Il était gigantesque. Il faisait un bon kilo, je ah, pense. Il est sur TikTok si vous voulez le voir. Euh, et ce euh... truc il a un compte TikTok. <rire> 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 euh, je je, vrai je vrai. crois peu. pas qu'on ait vu de trucs. Euh... Tout, 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 tout. On a vu un Eric. En plus avec vos avec vos lumières vous devriez en attirer pas mal non Alors une fois on a annihilé entièrement un nid de guêpes. Euh, en gros on faisait le tournage euh, du seuil de l'étrange pendant le pilote et en gros il y avait des guêpes dans le grenier où on était ce qui était un très gros problème puisqu'on était enfermé avec. Mmh. Et donc du coup on a activé ce qu'on appelle une blonde donc qui est une très grosse lampe euh, de 2000 watts. Euh, par contre c'est de l'halogène, donc c'est 2000 watts réels. à l'heure actuelle, ce qu'on a là, les éclairages sont LED. Donc euh, par exemple, si on vous dit 200 watts en LED, c'est équivalent à du 2000 watts euh, plus ou moins, on va dire. Et donc là, en gros, elle chauffait extrêmement. Et en fait, les guêpes, ça les réveillait la nuit. Et elles yeah, venaient, et elles faisaient toucher le métal, le métal qui était limite en fusion. Hein, et elle crevait instantanément. Et donc du coup, on a fait, hmm, on a mis devant l'a mis devant la ruche. Et du coup, ça a tué absolument. Toutes les guêpes. À la fin, on a pris la ruche ah. à la main et on a fini la ruche, euh, etc. Je précise que euh, de toute façon, on aurait dû faire venir un professionnel pour le faire dégager. Donc, ça nous a fait gagner énormément de temps, mm. d'argent, et voilà. Euh, et nique les guêpes. Bon, en vrai, faites. Enfin, je les aurais pas tués si c'était pas gênant. Si vous ne et... pas et que ça, ah, ça, jamais ça fait jamais ça. Par pas, contre, hein. faites jamais ça. Nous, on l'a fait parce qu'en fait, on a vu que ça, ça faisait marchait inconscient et que on s'était dit, bah, soit on arrête de tourner, on est baisé soit on fait ça et on, on meurt. Mm. On choisit toujours de mourir. C'est comme avec les frelons c'est vaut mieux faire appel à des pros de toute façon. Et vous vous y connaissez pas, ça se trouve c'est pas un frelon nuisible, ça dépend. Alors là c'était des, pour le coup c'était des guêpes, euh, tout ce qui est le plus basique. Ouais, et c'était pas des charpentières, c'était, euh, bah, de lieu. toute façon il aurait fallu faire intervenir quelqu'un. Et mmh. le problème c'est que euh, bah, c'est long et c'était pas, on n'avait pas le temps. Mmh. Donc voilà. Euh, le mec nous explique au KLM avoir génocidé tout un peu pour un tournage au K Disney. <laughs> yes. Euh... J'ai trouvé le compte de Grenouille. Merde, il un truc garnouille, trop bien. Euh, Faites pas comme le père d'un ami, essayez pas de les enfumer avec barbecue et n'essayez pas d'enlever la ruche à la main après ça. minutes. Alors, je précise que nous, il s'est passé des heures hein, où on a laissé les trucs, parce qu'en fait, c'était tellement un problème. En fait, il y avait régulièrement des guêpes. Et du coup, le truc, c'est que t'es en pleine nuit, dans un grenier super occupé, à tourner un truc où euh, chaque mouvement compte. Et du coup, t'es en mode... Yes, bah en fait on va crever en fait. <laughs> enfin genre il y en avait une, deux, trois, quatre... Au bout d'un moment c'est plus possible. Mmh. Du coup on a fait ça, on est sorti pour finir le tournage. Bah vous savez le plan où Eric regarde vers une grange. On a tourné ce plan là. Et du coup on est parti pendant une heure ou deux et quand on est revenu il y avait genre littéralement des guêpes qui fumaient sur la lampe. <laughs> C'était assez cool. Parce que j'aime pas les guêpes. Mais ah euh... ouais je suis d'accord, hein. ça fait partie des insectes les les pire. Je pense que cafards. A... Les cafards, ai l'enfer. Alors moi je trouve ça cute les blattes et tout ça. Mais ouais. Mm -hmm. adorable. Je trouve ça vraiment adorable. Mm -hmm. Mais littéralement adorable. grosses comme oh ça, oh trop cute. Trop Alors bien. quand on a une ou deux, oui, quand elles sont Mais hein, quand elles sont chez toi, ça fait centaines chier, centaines hein. Mais c'est comme les papillons, tu vois, genre t'as une centaine de papillons chez toi, même si tu les détestes pas. Euh... Un navigue avec nous sur les papillons. D'accord, tu fais des bêtises en ouais. fait. On avait dit qu'il fallait pas toucher le micro. Zouf et des bêtises. Quelqu'un peut voilà. mettre sur le chat le truc que personne ne dit à Max Kim, c'est qu'une game qui crame dans une halogène, ce sont des sacs à poison crame aussi et ça pue sa mère. Alors, <laughs> j'avoue que je ne me rappelle pas ce qu'on pensait. Oui, C'était avec Victor et Eric. De vous je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils, ils m'ont dit que ça sentait le brûlé. Maintenant je sais euh, pas si J'entends plus que d'une oreille. Bah oui. Dommage. <rire> hein. <rire> Et voilà, oh, je abidou... te plus à rien. Les... Insupportable. Bidouiller les trucs là. Et ça traîne. Euh... Bah ça traîne, ça traîne. traîne c'est le principe. Hein. C'est le, le but. C'est chiant Ah bah alors c'est que le début. C'est hein. ça, ça, ça fait chier. <laughs> tu sais, il y a des tournages après, c'est pire. C'est vrai, mais je n'arrêterai pas de me plaindre pour <rire> ça. <rire> en vrai, depuis qu'elle est qu arrivée, elle n'arrête pas de se plaindre. Ouais. Ouais. Je crois que ce test c est va être non spéciale. concluant. Chou Chaud, chaud, chaud. chaud. J'ai une haine assez prononcée des guêpes depuis que deux de ces saloperies m'ont piqué dans la paupière. Aucun oui. accord n'a été signé depuis là. Moi, <laughs> 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 ils m'ont piqué une fois derrière le genou. Ça m'a fait mal. Et une fois, euh, avec ma copine, enfin euh, mon ex, euh, on marchait, et du coup, je la prends par l'épaule, et au moment où je mets ma main sur son épaule, elle fait Ah Et du coup, je fais Merde, qu'est-ce que j'ai fait T'as un coup de soleil ou je sais pas Et elle fait Non, je sais pas, ça m'a fait vachement mal. Du coup, j'ai remis ma main, et là, ça m'a fait super mal au doigt. Je fais Mais putain, mais ouais, tu dois avoir une épingle ou un truc et tout. Et je remets ma main, et ça me re... fait Putain, mais qu'est-ce que t'as et tout Et je regarde, et là, je sens la guêpe qui chope mon doigt. Tu vois, je soulève, je la vois, et elle fait. <laughs> genre... <Voilà. coughs> elle le fait genre deux, trois fois, tu vois, et je la vois vraiment sortir son arbre, la replanter et tout. J'étais en mode, mais. Et je l'ai écrasé dans mes doigts. Et en fait, ah, le sérieux. bruit que t'as fait, j'ai l'impression que c'était. C'était ça. Voilà. Et en vrai. Il faut savoir qu'elles peuvent piquer plein de fois de suite, mais en vrai la pire piqûre c'est la première -ce et les que... autres elles sont beaucoup plus light et en vrai c'est pour ça et du coup c'était trop genre what mais c'est un peu un vrai enfin mais je me en rappelle c'était genre <laughs> trop bizarre hein. j'imagine du coup Maxime déguisé des... <laughs> des... en, <laughs> en, en gag <rire> 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 Alors... Bah c'est comme ça qu'on fait, qu fait l'amour. Oui. <laughs> Allez, je suis une grosse guêpe. Toi, t'es le projecteur. <laughs> les moments où Maxime et Eric pètent des câbles comme ça <laughs> tous les deux, c'est. Bon. Tu regardes, tu fais. Oui. <laughs> les guêpes, le frelon, ça va encore parce que je les entends. Mais les temps. Ah les temps, ah, c'est les bas... temps. Oh, Les temps. J'ai alors... déjà été poursuivi par un est -ce temps. Est-ce que ça vous fait mais... mal quand ils vous piquent euh, J'ai. Oui, j'ai déjà été piqué une fois. Ça ne me fait pas mal. Moi, J'ai une réaction été... allergique, enfin légèrement vous allergique. Un placard comme ça. Ouais, sur ça le... me fait. Mais alors une fois, je me suis fait piquer tous les bras, mec. J'avais l'impression d'être à la salle pendant, d à la salle pendant. J'étais en mode. <rire> <rire> Et en vrai, ça faisait genre mon bras avait triplé de volume. Ça faisait vraiment une. Bah, tu vois ça bah, Le triple. Tu vois sais ce que je veux dire En plus c c trop... Tu touches, c'est tout dur. Ouais ouais, musc, c'est du vrai muscle. Ouais, mmh trop <laughs> bien épousseté. <laughs> du coup, ouais, j'ai jamais grand. été piqué, mordu, je crois plutôt pour un temps d'ailleurs. Non, c'est piqué. Euh, ou... Oui, c'est mordu parce oui. qu'il pique pas. c'est Genre, il a vraiment une, une putain de seringue, euh... c'est sa langue dégueulasse qui vient, et qui s'enfonce. Mais c'est des horreurs et j'avais une pote qui arrêtait pas de se faire harceler par ces bestioles. Moi, je me suis juste poursuivre par un temps. <laughs> J'imagine juste le temps qui arrive. Eh mademoiselle, j'avais putain de merde, non pas le temps. Mais l'horreur parce qu'il te regarde et il te suit c'est genre une horreur je te alors, dis ça. Mais tu as mis une patate comme ça ce qui me fait penser que mon père aime beaucoup quand on est au barbecue quand il y a des guêpes. Il de leur donner lui, des patates. <laughs> ce qu'il Il <laughs> leur des droites. Donc il faut savoir que mon père est très musclé. Il a une grande grosse barre. Enfin ça, un... Je l'ai vu. C'est le Père Noël basiquement. Voilà. Mais euh, vous, En fait. Tu pense que le Père Noël n'est pas musclé Si. Voilà. Alors, en fait vous voyez Tortue génial euh, quand il est voilà c'est mon père. Alors, quand quand il est énervé. Que tout le monde, ouais, parce que tout le monde voit Tortue Génial, mec. En train de, oui. oui Torsu Génial quand il me très scène du nez devant Bulma donc, qui fait vous... une mineure. Voilà. Oh putain, c'est vrai en plus. Ouais. Et qu'il a quel âge Torsu Génial 150 ans, ans en tout cas, Je sais ça. pas, peu importe est quel âge importe il a en fait. Est... <laughs> ça change <tranche> pas le. <laughs> c'est grave. C'est pire en pire. Mais euh, donc voilà, c'est très drôle de voir mon père, ce personnage atypique, essayer de s'énerver à mettre des patates à des guêpes. Voilà, t'as pas envie d'être à la place de la guêpe. Alors la méduse, t'as un médule sur l'œil. Oui, moi j'ai eu euh, méduse derrière le genou pendant que je neigeais à genre un kilomètre de la plage et j'étais en mode. Oh, j'ai peut-être mourir. Ça. Bah non. <laughs> je, je, alors je, je nage. Enfin, mm -hmm. j'ai vraiment aucun problème avec la natation et tout. Je, je suis vraiment à l'aise dans l'eau. Ouais. Donc ça m'a pas fait peur. Mais c'est juste, tu replies ta jambe et tu rentres et ça fait genre putain, c'est chiant. <laughs> et c'était, ça m'a pas fait peur. Comme une crampe en fait. Ouais, hein, c'est exactement pareil. C'est juste, tu sais que ça va être chiant. Mais par contre, je pense que vraiment. Euh, Quelqu'un qui sait pas très bien nager peut ouais. vite paniquer. et faut voilà. Mais moi, ça allait, j'avais pas peur de mourir, j'étais pas inquiet. Mais je... tu vois, j'aurais eu l'autre jambe, là, ça aurait changé la donne parce que c'est genre, ouais, mais j'ai plus que mes bras pour me bah, ramener. C'est ça. Pareil. Moi, je pense que ce qui me. Enfin, j'ai jamais été piqué par une méduse, mais moi, ce qui me fait le plus peur dans l'idée, c'est de te faire piquer par une méduse, puis deux, puis trois. Et tu sais pas si t'en as autour de toi, tu Moi, c'est plus ça. <laughs> c'est sûr. Je sais pas si on voit bien que c'est. Que c'est moi. Putain. J'ai déjà esquivé une méduse en faisant la torpille. En faisant la torpille Je nageais correctement, j'étais peinard. Je profitais de mon moment, on me disait Ah, attention, il y a des méduses, j'en ai eu pourvu. Et quand tu nages, à un moment, je vais un petit peu sous l'eau et qu'est-ce que je vois arriver devant moi Cette petite merde. Coucou C'est beau En plus, elle était trop belle Elle était Elle magnifique Et là, j'ai fait. J'ai fait la torpille, j'ai esquivé comme ça Pivot rotatif mais c'est comme dans ah, Elden Ring! Elles, elles sont trop cute, je suis triste de vouloir me battre avec des. Elles sont trop cute jusqu'à ce qu'elles te chutent à la gueule! Hein. Faut pas les attaquer en fait! Bah non, pas mais pas attaquer, non, mais je les ai pas attaqués! Bah a qui rouges, elles sont vénères! Les rouges, elles sont déjà vénères! Oui. C'est comme Mascox ça il est vénère! <laughs> 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 ça marche vraiment! Faire un tant pis, c'est quand tu dégages du cassoulet du midi sous l'eau! Vous, oh. <laughs> Vous avez déjà chié dans l'eau? Vous avez déjà chié dans l'eau? Une fois, c'était le même séjour! J'étais. Euh, que la méduse. On nageait super loin et en fait j'étais en mode bah ouais, mais j'ai pas envie de revenir pour aller me sécher, pour aller chier, tu vois. Du coup j'étais tellement loin, j'ai fait. J'ai baissé mon slip et j'ai chié dans, dans la mer. Putain. Ouais. C'était très agréable. ça va, c'est pas le pire que de chier à euh, rouille. À ah, rouille Tu crois que c'est rouille le pire pour moi Rouille, c'était pas rouille, c'était Fallout. Euh... Ah oui, je suis la ça, dernière ouais. fois. Fallout, Fallout c'était le pire parce que j'avais gastro. <laughs> c'était pire. Non, le pire, c'était pour enquête troublante dans un oh. souterrain à 30 mètres sous terre Et avec juste deux feuilles A4 comme PQ. Qui était ton scénario. Qui était 100, 120 grammes, je crois. Ah, en plus, du bien épais. Du bien. Ouais, C'est ce bah, parfait. Je te le dis, c'était ah, parfait. D'accord. Je te demande, où est le mal Monsieur Merci, Nazover 4. Monsieur Muskim, il va falloir évoquer toi et moi une rencontre aquatique. Je comprends mieux. Attends, monsieur Muskim, il va falloir évoquer toi et moi une rencontre aquatique. Quoi Je compatis, moi aussi quand j'écris ça veut rien dire. Ah, Elle, elle, ou elle, ou elle oublie tout le temps le <laughs> mot. Oui. C'est genre... Ah Je... <laughs> yes. Et le, le petit verbe bouille, et, et le derrière. Ou le pas. Quand elle nous le pas, c'est trop bien. Ça genre. Je le tue. Je l'ai vu. Je regarde en rentrant. <laughs> ok. Coucou Mraou. Comment ça, ça va Vous arrivez à tenir avec tous les projets que vous faites Yes. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. 38. Il y a le seul étrange, enquête troublante, sombre machination, les lives, les livres. L... Science bon, voilà. c est déjà... La science <laughs> Merci beaucoup ça, est mais, un mais, vrai projet. Un très gros la projet. science, c'est notre prochain projet. On essaye de changer la science. En du... fait, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit un peu plus laxe. <laughs> euh... Oui, qu'on puisse plus donner notre avis. Ben, c'est ça parce que souvent, en fait, ouais. on donne notre avis et les gens, c'est ce qu'ils redient, c'est oui, mais non, en fait, ça, c'est des conneries, Maxime, arrête. C'est du... Conspirationnisme! Non, ouais, c'est on... juste mon avis en fait. Et mon avis, ça peut être la science si on change la science. On pense aussi qu'il faut euh, inclure les histoires d'un pote d'une ancienne copine. Ah, c'est hyper important. c'est bien ça. Parce que en gros, quand t'entends cette histoire-là. Toi, t'as dû en avoir tellement. Ah, <laughs> ça doit être horrible. Ah, bah... C'est horrible quand t'as quelqu'un qui te dit un truc et t'es obligé d'écouter parce que bah, t'es obligé, oui. mais que c'est de la merde. Le... J... Mes moments préférés. <laughs> Où elle dit. Ouais. Ouais. Je sais, ouais. <laughs> Mes moments préférés, c'est quand des clients parlent de bière, euh, en pensant connaître le monde ah, de la bière, ouais. et qu'ils euh, font face à un caviste, et qu'ils euh, euh, qu disent ça, et t'es en mode oui, d'accord. <laughs> non, les non mais là, la une c'est vachement bien quand même, c'est quand même le meilleur euh, truc euh, à boire en été. <laughs> J'ai <laughs> du mal à identifier, mais il est vrai qu'il était assez grand, et en toi dans d'un nuage de monster. Ah, tu parles. Tu... J'ai rencontré un caca, c'était peut-être le tien, euh, 2000... Euh... Attends, parce que je devais être au lycée, c'était dans le sud, mais c'était avant. Quoi. Je, dirais, je dirais que ça devait être 2007. Et c'était sur la plage de Antibes, ou Julien les pins je ne sais plus, l'un des deux. Et du coup, euh, mais c'était très loin, hein, les gens. La crotte, elle, elle allait vers l'extérieur, elle n'allait pas vers l'intérieur, tu vois elle pas vers la plage bah elle, elle a mené sa petite vite si hein. elle était de l'autre côté du monde hein, elle est serait... ressortie elle fait merci papa elle est partie comme ça elle nage enfin, un indien le... c'est une petite crotte l'idée me dégoûte <laughs> non elle, elle fait oh <laughs> non comme, un, comme une sorte de petit asticot bizarre on aurait pas pu rester sur les jellyfish c'était très bien les jellyfish mmh. c'est le café hello <laughs> tout à fait. C'est des... ouais. crois que Les profondeurs, ça me fait vraiment peur parce que ça accumule tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire. C'est genre. <laughs> non, les pression. profondeurs, il fait genre Le hyper noir. sombre et t'as des créatures gigantesques que tu connais pas. Tu mm -hmm. vois ce genre de truc Par contre, pour voir des méduses des abysses, ça doit être incroyable. Ça, je pense que c'est pas les gros trucs qui me font peur, c'est les milliards de petits que tu ne vois pas. Bon, mm. ça. Je sais pas. Moi, les abysses ça me fait peur, mais c'est tellement plus loin que ce qui mmh. me fait déjà peur, genre les requins et les trucs. Comme wow, ça. Mais en fait, mais les requins, j'essaye d'apprendre le ouais, fait que c'est pas si violent, tu vois. J'essaye de l'apprendre, mais je pense que j'en toujours peur. Mais Merci après, beaucoup, euh, Solène Kim. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a des animaux qui font peur. Après, il faut savoir pourquoi on en a peur, tu vois. Parce que, par exemple, avoir peur d'un requin, je trouve que c'est assez logique, tu vois. Mmh. Il faut juste avoir la réaction mesurée avec ça. Quand tu n'as pas de connaissance sur l'animal, tu fais pas nymphe. C'est comme avoir peur des ours en soi. C'est genre, c'est un ouais, non, sauvage. Ça, Oui, c'est normal d'avoir peur d'un Maintenant, il faut avoir peur pour arcan. les bonnes raisons. Quoi. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est ça que j'essaie de, de m'éduquer. C'est d'essayer de. Tu vois, as avoir peur d'un tigre, oui, parce qu'il ouais. va te tuer. Enfin, genre, c'est son. Non, il va jouer avec toi. Oui, mais il va te tuer. Oui. Il va te tuer. Mais, euh, <laughs> mais alors qu'un requin, c'est pas vrai. Il va pas avoir C'est pas son attitude de base. Il va pas Il y en a certains, hein, le requin bulldog, qui va être plus agressif, tu vois. Mais en vrai, un requin blanc, par exemple, c'est relativement passif. Faut voir ça comme une sorte de, de vache avec un compresseur à la place de la bouche, quoi. Mais euh, mais mais voilà, quoi. Ouais, c'est un peu comme des... les crocodiles, hein. Les crocos, ouais, c'est vachement pas. Enfin, certains sont un peu agressifs, mais en vrai, la plupart des crocos sont oh. passifs. Les alligators, ça. Quand on, euh, quand je regardais des vidéos de crocos justement. Ouais. Quand on préparait le personnel. Alors quand tu dis ça, tu comprends que pour moi, te regarder des vidéos de Crocodile Rose me <laughs> oui, bah, oui, forcément. Du bah, vidéo de crocos qui. Décris-moi euh... le croco. Sa position. <laughs> en disant <cro> <laughs> cro le enfin cro croco était. Croco était allongé dans un. <rire> <rire> Il y avait sur des vêtements. Il y avait des vêtements. Non. <laughs> continue oui, t'inquiète t'inquiète que je continue et euh, donc il est, dans, il est dans une rivière qui est peu profonde <laughs> il y a juste sa tête qui dépasse tu l'avoues ou pas oui mais surtout que, je, je vais te raconter la vidéo et ah, tu vas te dire Ouf. et en fait il y a un, un troupeau de zèbres qui traverse <laughs> la rivière d'accord donc des enfants surdoués des zèbres mais continue ok je continue ça va être horrible. Et euh, donc en gros, euh, et puis tu te rends compte que le croco avance tout doucement, il y a des zèbres qui passent <rire> littéralement... <rire> Putain, <rire> attendez, c'est ce que le début C'est pas, enfin, c'est que le début <laughs> Et donc, euh, donc t'as certains zèbres qui passent au-dessus du croco. Deux crocos. Deux crocos. Il y en a d'autres. <laughs> il y en a plusieurs avec des crocos, c'est ça qui est cool. Mais il si, y, y en a qu'un seul qu'on voit. Ouais, mais c'est tous crocos. Ouais. Ça, et, et à un moment en fait, il y en a un qui marche sur la tête de, de croco. Putain. Et sauf que bah, du coup Croco elle, là le chope. Ah, ah merde. Donc chope le zèbre au visage, enfin au museau. Wow. Et euh, en gros, donc il bah, forcément avec la puissance de sa mâchoire. Bah, Croco a une sacrée mâchoire. Sacrée puissance de mâchoire. <laughs> il, donc, du coup la vidéo devient grave parce que ça lui arrache toute une partie. Donc tu vois son squelette ouais. au-dessus du truc. Trop. C'est genre, la vidéo est folle. Mais ouais. c'est genre, graphiquement c'est genre... Et, euh, et et puis bah et après, il le noie et, et puis euh, Zeb en fait il essaie de, de s'échapper donc il a la gueule ah, à moitié déchiquetée à moitié déchiquetée ouais. tu vois son, son littéralement bah, son crâne en dessous ouais. et du coup ça, ce Zeb se transforme en une espèce de monstre mmh, euh, et ouais, c'est pas c'est trop cool, quand tu dis ça ça fait trop genre ta vidéo c'était nain fait vraiment sais et là il attaque le, la caméra et je pense c'était une vraie vidéo hein, mec <laughs> <laughs> j'ai vu ça coup, sur insolite.tv. Euh, <laughs> du coup, j'ai tout vu avec le, le, le vrai Croco. Oui, Désolé, vrai, je vais pas pouvoir vraiment. vous illustrer ça. J'ai trop peu d'images de Croco. Osrine, c'est faux. Tu vas sur Sombre Machination ah, et tu as, as littéralement deux saisons avec plein d'images de Croco. Franchement, je trouve ça bas de ta part, Osrine. <laughs> je pense que tu peux avoir une image de Croco. Je, je demande officiellement, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Croco, Crocodile Rose, le vrai, donne au moins des photos à. Envoie la photo, la fameuse photo, tu sais laquelle Celle qu'il avait envoyée sur le Discord, tu sais, quand j'avais dit, il me faut des photos de vous, torse nu, je sais plus c'était quoi. Je me souviens pas de ça, moi. moi je m'en rends pas. Si, on parlait de toi en plus, on disait, ben, il faut. C'était par rapport à toi en plus, c'était littéralement par rapport à toi. C'était quand on disait, ouais, il fout, change le fond d'écran de Mascox, mais mets une photo de toi, ça lui fera plaisir et tout, tu te rappelles de ça Et que je lui avais dit, il m'avait mis la photo, tu te rappelles Je me souviens pas de ça. Ah, mais, mais si je t'ai eu au téléphone juste après Avant. en plus. J'étais non sub. Merci, Merci beaucoup Noirfléo. Je jure que je m'en souviens pas. Merci beaucoup euh, Noirfléo. J'ai dû occulter ça de ma mémoire. Mais du coup voilà, euh, Crocodile Rose envoie s'il te plaît des photos pour que Osrine puisse euh, travailler, tout simplement, oui, voilà. illustrer euh, la illustrer, vidéo. Illustrer voilà. Si tu le souhaites, hein, bien évidemment ce n'est pas une obligation. Euh, mais tu sais très bien que si tu le fais pas, bon, voilà, il y aura peut-être des conséquences euh, sur tes proches. Enfin euh, voilà. Fais-le fais parce que c'est les, les conséquences du coup euh, La psychologie inversée Genre maintenant il était obligé de m'en donner <laughs> C'est trop bien euh, Il faut qu'on fasse la partie de jeu de rôle à un moment Je sais que Voilà parce que Zou elle a fait non mais c'est possible De pas le faire en fait J'aimerais vachement mieux qu'on joue ouais. au Monopoly euh, un, Ou un autre ou jeu, un dans jeu dans le genre, genre, genre Peut-être ouais. la bataille je sais pas si vous connaissez alors, un, ça te poursuit aujourd'hui, non Super, le gagné. fait de lancer des dés nuls, enfin, de faire des, voilà. jeux, des jeux de dés nuls. Des jeux de dés nuls. Ouais. Dans le Airbnb avec les dés. Euh, oui. On a fait un super jeu, c'était incroyable. <laughs> les dit, je m'occuperai de ses proches, le cas échéant, <laughs> mais aucune obligation. <laughs> à un vrai jeu, quoi. Un chemin sur deux sur La, la Monopoly et le Bataille. De la la Monopoly Oh et. Non, mais c'est. Tu dirais euh... la Monopoly Non, je, en fait, je viens de dire la Monopoly et le Bataille. Donc ah, d'accord, oui, ça a oui, Je crois que tu parlais. C'est vraiment les pires jeux une pour moi. mascox ouais de catégorie. Bah c'est les plus chiants. La les... bataille, c'est pas un jeu, je pense. On peut arrêter de dire que c'est un jeu, c'est une ouais. manière de mélanger un, un deck, peut-être, mais c'est pas. de ranger un deck. Je sais pas. Moi, on m'a présenté ça comme un jeu et j'ai je trouvé ça super chiant. Bon, je, je, dois, je peux le dire, que j'étais petit, j'adorais. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais j'étais con aussi. Pour moi, il y a un côté, c'est juste pour compter des cartes. C'est deux piles et tu les opposes, tu peux l'automatiser aussi. Ce sera pas plus drôle que ça. plus, c'est infini. C'est chiant. Il euh, faut se taper dessus quand même, donc c'est un peu un jeu. Alors, bataille corse, oui. oui. à plus de mon katana, euh, une bonne paix. C'est vrai qu'on n'a pas joué à la bonne paix. On a joué à Destin il faut mmh. jouer, on n'a pas fait la bonne paix. On fera la bonne paix un de ces jours. Je vais aller pisser. Est-ce que quelqu'un d'autre veut pisser Non. Tu veux pisser Je vais pisser peut-être après. Ouais. Mmh. Mmh. Euh, et je vais me prendre un monster aussi. Tu veux un monster J'ai jamais bu de monster. Tu veux tester un monster Oui. Aïe aïe, aïe Mais aïe. je sais pas si je vais aimer. Aïe, 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 aïe. <laughs> under influence. Elle est influence. Avant que le live commence, ça m'a choqué Elle dit C'est la première fois que je vois une monster. Que je vois une monster. Oui. D'aussi près. Genre, là, elle était littéralement posée là en face de moi. Et fait fait, genre. Quoi C'est une ultra citron qu'elle voit. Elle va goûter la première monster. Elle est genre, moi, ah, et si moi je suis pas, pas. n'importe qui. Alors, je te préviens. La première monster que tu vas boire, c'est celle que tout le monde aime bien globalement. Ça ne veut pas mmh. dire que tout le monde l'aime bien, mais que tout le monde aime bien la ultra -rête. Si tu n'aimes pas, demain, je te proposerai une autre monster d'un autre goût. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas le monster. C'est tout. C'est pas grave. Hein. Tu as, t as, as le droit de ne pas aimer le monster. C'est-à-dire, Mascox, par exemple, il n'aime pas euh, un, truc, un truc que j'adore que t'aimes pas. L'eau. <laughs> <laughs> What the fuck! Il a rien demandé, il s'est pris ça dans la gueule. Il a rien demandé. Quoi? Il a, il a rien demandé, il sort une bouteille d'eau, genre what the fuck! C'est pas si méchant. <laughs> non, non, pas du tout. C'est génial. C'était d'une première violence de premier degré que j'aime beaucoup. Et <laughs> Et la snipeuse, full gratuit, okay. les gens sont pété les Surtout gens que, sont que je, je bois de l'eau. Enfin, maintenant, je bon, de boire de plus d'eau. Eh, moi, tu sais que je me force à boire 1,5 litre d'eau minimum, mais genre strict minimum par jour. En vrai, je bois plus 2 litres, 2,5 litres. Et une depuis que je jour. fais ça, je suis un autre homme, les gens. Maintenant, je vais tout le temps aux toilettes. J'allais déjà tout le temps aux toilettes, en fait. Mais j'ai remplacé... Enfin, en fait, je pense que je bois trop de liquide en général. <laughs> oui, possible. Je, vais... je suis une pisseuse. Euh... Et pourquoi, pourquoi, pourquoi on dit pisseuse et pas pisseur C'est vrai, ça Parce que la langue française est sexiste Déjà bah, je pense que c'est juste, même pas le nom de français, je pense que c'est réellement juste sexiste ce terme. Oui. Je, je regrette ce terme, les gens. Je suis un pisseur. Est-ce que c'est lié à la taille de. Bah, de la. De la ouais, de la vessie. Mais de je crois que. La, non, je crois que littéralement, c'est plus facile de se retenir de pisser quand t'es un mec que quand t'es une meuf. Je crois. Mais je dis peut-être de la merde. Ouais, il y a aussi le fait que. Est-ce que c'est dur de se retenir de pisser, Zou Relativement, oui. Parce enfin, c'est pas. C'est pas. Oui, mais c'est quoi Ça dépend avec l'âge, parce que par exemple, euh, les femmes qui ont. Non mais. <laughs> non, mais ça, ça pour, ça, pour euh... ça, ça, juste imaginé nos Nozartigal, qui, <laughs> qui, qui marche oui. et pisse en <laughs> même temps qu'elle marche. Les femmes qui ont lit qui ont déjà accouché ont plus. Ouais, d'accord, oui, littéralement. Et les femmes plus vieilles aussi, je pense que physiologiquement, oui, c'est oui. compliqué. Mais quand t'es jeune, tu le sens pas comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Je pense un pisseur, c'est plus littéral. Oui, c'est ça. Comment on fait pour tester cette affirmation bah, genre, retenez-vous de pisser, celui qui tient le plus, quoi. Et moi, rien que tu fait, normalement, en vrai, en toute logique, du fait que je fais 1m90, je devrais avoir littéralement une vessie plus grande que, par exemple, celle de ces trouilles. Je sais pas si ça marche comme ça. Non, Je pense pas que ça fonctionne comme ça, parce qu'il y a certainement des personnages ça. qui ont un sexe plus petit que 9 cm. Alors ils sont vrai. plus grands que toi. C'est vrai. <laughs> ouais, c'est vrai. J'ai entendu parler de gens qui faisaient 2m50 et qui n'avaient qu'un pénis de. Enfin normal tu vois de 7 cm. N'est oui. pas d'une taille massive. Donc à partir Et de ce moment-là, de 9 cm. C'est comme, <laughs> Ça fait, comme le... les oreilles. <laughs> yes, c'est vrai. Tu penses que tous oui. les organes sont euh... tu penses que il y a des liens d'organes Enfin sans parler du pénis de genre euh... Genre, as, si t'as une main qui est grande, du coup, as des, si t'as des grands pieds, t'as des, des grandes pas, oreilles. T'as pas déjà entendu un mais milliard si, de mais gens si. dire ces conneries là mais, mais si, le, Ça le, me le, saoule. Le, la taille de ton sexe, la taille de ton pied, je, je change du 45, les gens. Ben <laughs> et ouais. je fais 1m75. Honnêtement, moi je fais du 35, mais. Euh... <laughs> C'est clairement en rapport. Il n'y a aucun lien, tu vois. Me... <laughs> non, la taille. De... Alors, par vu Il aussi, y a des rapports. C'est ça, comme ça, et puis. Mais ça a pas de sens. Vous vous rendez compte la taille que ça fait Bah là ça fait un bon 18 Non là ça fait 30 cm mec. Mais non Toi non plus tu sais pas mesurer avec les yeux. Sors une... <laughs> Sors une... Ça sera en pouces, on va faire la... Le... Ouais. Bah, littéralement ça. Ça... Attends, ma main fait 20 cm. Là ça fait 5 pouces. Ma ouais. main fait, 20... ça fait au moins 25 cm ça. Et ça ça fait 5 pouces. Ouais, t'as 7 pouces 7 pouces donc 1 pouce c'est plus que 20 cm. Ouais. Ouais. je crois que c'est 3 à des bananes 1 pouce c'est si le merde c est c est un avis sur euh, les bananes voilà non donc Maxime vous avez euh, la certitude que Maxime a donc un sexe d'environ 7 pouces et demi 2,5 ou 2,5 j'ai un cœur de la taille de celui d'une vache je dis c'est parce que je suis grand les médecins c'est parce que je vais mourir mais je lui écoute pas les rangs. c'est mmh. faux il paraît que c'est la longueur du nez qui fait Yes. <laughs> c'est le Vous avez de faire 17 cm pour 7 pouces. Mais non, ça... arrêtez, c'est n'importe quoi, ça fait pas 17 cm ça. Bah. Mais repasse ton truc, il fait 5, cent... 5 pouces. 5, ça, ça fait 5 pouces, regarde, il, le, il est là. Ouais, alors, oui, il y a ma carte bleue dedans, donc vas-y. Mais... Oui, ouais. Si vous voulez, j'ai une règle pouces. en centimètres, mais faut juste que j'aille Mais mec, ah. ça s'arrête là, il y a. 9 pouces quasiment. Oh, 9 pouces, voilà. 9 pouces, c'est beaucoup plus que ça. Ça fait cent... bah, bah, du, du coup, coup non, c'est fait... pas tant que ça. Ça fait 20. Ça, ça fait 22 cm. Ouais, 20 et quelques, quoi. Bah, du coup, tu vois, c'est beaucoup plus grand qu'un pénis. Ça bah, oui, va voilà. cm. <laughs> 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 ah, putain, je viens de voir que le titre est pas centré sur des Horror. Ça m'orifie. à tout de suite. Non, la partie n'est pas finie. Elle va pas euh, bah, ah D'une certaine manière, elle a commencé, mais c'est. Toujours les, les premières parties de de JDR d'avant c'est toujours une espèce Je vais de faire pipi JDR. pendant ce temps-là. Zoov, va... <laughs> merde, j'ai cru j'ai cru je une blague. Si c'est pas une blague. <laughs> euh, Zou va vous, <laughs> vous raconter euh, je sais pas ce que tu veux. Ah oh non, ne demande pas de faire appel à mon imagination. Ah bah ouais. as pas imagination non. Elle va vous raconter une histoire incroyable. On t'écoute Zou <laughs> Je ne dirai rien. Je n'utiliserai pas mon expérience devant les lives pour t'aider à ce moment-là. Là, je suis déjà en train de t'aider. Tu as plus que 3 de 1 seconde pour ton histoire. C'est l'histoire d'un enfant mort. Et voilà. C'est tout. <laughs> tu peux pas... <laughs> Ça va être bah gênant. Il est mort, c'est fini. Ça va être gênant. Bah quoi C'est fini Il faut, faut, faut animer le live. Mais je sais. Il <laughs> faut dire un truc. Ok. Euh, bonjour. Vous allez bien Ça commence bien. Allez, allez-y. Dites Ça tous, dites tous comment vous allez. décrivez voilà. votre, euh, votre état mental avec euh, six mots. Très bien. Allez-y. Maintenant, il faut lire le chat. Réponds. Je et... vais mal. J'ai bien aimé. Très très belle histoire Zou. <laughs> voilà. Je, c'est trop long. J'ai dit six mots, pas plus. <laughs> <Tout> le... <laughs> Je suis avec des cons. <coughs> ouais. J'ai bien mangé, c'est bien. C'est bien. Décrire mon mental en six mots, c'est plus que six mots, je crois. Euh... <laughs> J'aime la glave à la vanille. J'aime la glave à la vanille. Je trouve ça. La glave G Mais Oui, oh. la, la glave à la vanille. Qu'est-ce que c'est que la glave à la vanille, à votre avis <laughs> Définissez ce que c'est un plat de glave à la vanille. J'ai vraiment l'impression d'entendre des glaires à la vanille. Oui, bah oui. Vous... <laughs> c'est un énorme pot de glavio avec une gousse de vanille au-dessus, quoi. Oh non Est-ce que ça vous tente un petit yaourt au glavio Vous prenez un petit pot de yaourt et vous remplissez <laughs> avec glavio. Merci à tous et... ceux qui ont aimé l'histoire. Euh, je... Danone, voilà. vous avez sponsorisé, vous avez cette nouvelle histoire <laughs> avec le Marwal <maroie> de <laughs> de gland et un petit oh peu non. de un petit peu de Glavio. Vous avez une super recette. Je pense que ça pourrait cartonner. Il hein. faut leur envoyer. le ouais, c'est sûr. Faut la vendre. C'est sûr, ça a marché. Mais j'en suis sûr. Et on fera plusieurs parfums. Donc il y aura Glavio spécial été. Donc ceux quand quand t'as des allergies de pollen et compagnie. T'as Glavio de la grippe, qui est bien celui-là. C'est celui qui est bien collant là. Où t'as l'impression que tu produis des huîtres, littéralement. Ça, ils sont bien, ceux-là. Quelle horreur. Et vous savez, ceux aussi, qui, quand tu débouches le nez, as une, quand t'as le nez bouché d'un seul coup, ça se libère. T'en en, produis une quantité. Monce. Celui qui est crunchy, il reste un petit peu des, ah, des ah, oui. morceaux, tu vois. ceux-là, ouais, ceux qui mmh. grattent le nez, ceux quand tu te mouches, qui te piquent à l'intérieur du nez. C'est ça. Ça, ceux-là, ils sont horribles. J'espère que vous aimez cette conversation sur... Euh... D'ailleurs, on est passé des glavios au nez. Pourquoi Bah non. Bah oui. Moi je voyais ça avec des morceaux de crottes de données. Oui, ça. bah aussi. Enfin, tu peux. Enfin, <laughs> c'est des glaires. Enfin, ça peut être dans le fond de la gorge, mais c'est dans, dans tes sinus aussi. Oui, c'est vrai, vrai. À partir du moment où c'est une sorte de, de de truc gluant qui est produit par ton corps. Aussi. Bon, <laughs> voilà. Et voilà. Et ah, c'était la super histoire. Que... Fin. J'espère que vous avez adoré. A... <rire> <rire> ah, ah oui, ah, oui, parce que Maxime a un petit souci avec les glavios, c'est vrai. Ah! Ouais. J'avais oublié, tiens. Il n'aime pas typiquement ce genre, attention, euh, trigger warning, ce genre de. de son là, ça lui plaît pas des masses. Je t'avoue qu'à ce point là, je partage son avis. Ouais. Euh... Ouais. Et surtout que là, en fait, Zou l'a entendu dans son retour, mais en vrai en plus. Ouais, c c double stéréo. <laughs> c'est très agréable. Ah, euh... non, il n'aime pas trop ça, Maxime. C'est mon moyen de défense. C'est vrai qu'on parle beaucoup de fluides corporelles ce soir. Il faut croire que c'est une thématique. On a bien les fluides corporels. On produit tous des fluides corporels. Ça, c'est au moins un truc qu'on a ouais. tous en commun. Et oui, certains plus que d'autres. Sauf Alexis. Ah oui. Ouais. Mais bon. Mais si, l'huile. Son, son huile de moteur. Mais c'est pas, pas son. Il faut bien le vidanger une fois tous les mois quand même. Hein voilà, on a <laughs> fait notre travail. Vous êtes, vous êtes des enculés. D'accord. Mais non, mais c'était. Futur plot de son machination de la part de Zoo. Oui. De quoi Elle a raconté une histoire qui était une... C'est une histoire incroyable. Je pense que tout le monde va penser que j'écris super bien des scénarios et que je dois te remplacer maintenant. Ok. <laughs> <laughs> Masquimile. Quoi Il aime bien manger et tripatouiller ses pépites de nez. Pour lui, c'est un vrai trésor. Ah, mais fermez vos gueules, ça me donne envie de baiser. Hein. <laughs> Pépites de nez, quoi! Ça, c'est au grand magasin avec à de la mort Il y a des stands de pépites de nez! Tu sais, comme dans les. Oui! Avec une petite pépite C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Venez manger mes pépites de nez! Elles sont toutes chaudes! T'as passé le stade d'après! J'en ai nature ou une fraise! Ça va. Je peux pas aller plus loin que les pépites chaudes. Ah. <laughs> le fait de le dire m'a donné envie de vomir instant est-ce que je vous rajoute un petit peu de <laughs> de morve tiède au dessus de votre sachet de pépites de nez chaude c'est non en fait <laughs> les nose nuggets du maillot mais pourquoi quoi alors les nuggets par exemple sont faits euh, que de la panure de croûte <laughs> 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 regarde mec <laughs> je vais aller uriner, je reviens <laughs> Pendant ce temps, Maxime. Casse-toi. <laughs> Pendant ce temps, Zou va goûter son Monster pour la première fois. Ah, non, Il mais... sera pas là, tu vas rater ça. Bon, tant pis. Non, en vrai, attends, elle le fait maintenant comme ça, tu peux partir en étant heureux. Elle va juste goûter elle un soda. -être être bon. le elle euh, va pas réussir, à le tu bois du café ou du thé ou des trucs du Café. Café, bon ça non, va. Bon, avec... Il y a moins de caféine que dans du café, tout à Ça dépend de la quantité. Il ben, faut vraiment boire. Euh... <laughs> dans un, un expresso ça c'est moins ça c'est deux expresso c'est hein. un... Ouais, un Schweppes <laughs> bah, je... oui c'est bon. pas... on t'a pas dit que c'était particulièrement bon hein, mais... si en... c'est une blague non mais c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que j'en ai tellement entendu parler que je m'attendais à un goût spécial ça n'a pas de goût spécial ça n'a aucun goût ça a un goût, goût de soda il ça y a plusieurs bien. goûts et il y en a des très bons et il y en a des moins bons c'est un bon goût. Chaque... oui c'est vois. bon bah c'est bon elle aime elle aime le mon coeur quand t'as dit euh, désolé, il était un peu gras. Bon, allez, je vais ouvrir. Monster, Monster, Monster meurt. Monster meurt Attendez, je... <laughs> vous les, voulez fourrer vos boulettes de <laughs> nez Faut que vous arrêtiez, hein. Peut-être de vivre, je sais pas. C'est à dire que c'est pas ma faute, hein. c'est lui qui a initié ça. As, je t'ai entendu, t'as parlé de morceaux de prod <laughs> de nez, c'était immonde. <laughs> Hop, la partie de JDR commence Venez euh, assister. Non, venez euh, plonger dans l'horreur avec nos deux détectives. T'as du monstre en live Ouais. Ça me fait un peu peur d'avoir de l'eau là. Enfin, de, là. De l'eau là Ouais, de, de l'eau là. Parce que. Ouais, tu peux nous tous nous tuer. <laughs> Imagine, ça, ça Littéralement, ça tue quelqu'un. Euh, J'aime je... pas l'idée. Euh, J'ai essayé plusieurs monstres qui ont tous en commun un goût particulier, pas à mon goût du tout cette émirité. Probation période, comme je l'ai déjà dit, c'est pas... En vrai, je cherche pas spécialement à ce que vous buviez tous du monstre. Hein. Il y a des gens, je pense, vraiment, il faut pas qu'ils boivent de monstres parce que c'est mauvais pour leur santé, ça. Je pense que... Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime pas, pas le goût du café parce que c'est très amer pour moi et je mets beaucoup de sucre pour que ça soit bon. Et du coup, bah, je mets trop de sucre. Et du coup, c'est plus intéressant du tout. Alors que dans le, café, dans le monster, il y a moins de caféine, donc c'est bien, et moins de sucre, donc c'est bien. Après, c'est du saccharose et des trucs comme ça, donc c'est pas forcément mieux hein, qu'on soit bien oui. d'accord. Mais c'est juste moins calorique. Chacun son poison, quoi. Bah, moi, je préfère. Enfin, à l'heure actuelle, je préfère avoir moins calorique, mais plus. quand c'est. raw, je sais pas si c'est cancéro ou cancérie. Peu importe. Mais bon, bref. Enfin, je pense pas que le sucre, ça soit terrible <laughs> non plus. Hein, non. Enfin, le problème du sucre, c'est qu'il y en a partout et qu'on l'utilise pour uh, adoucir plein de trucs. Et c'est pas forcément une bonne euh, bonne attitude. Euh... Je dis pas dans ce sens-là. J'en pensais bon, sur le fait que tu disais qu'il n'y avait pas de goût particulier. Je trouvais juste que si. Ah, d'accord, ok. Ouais, non, je trouve pas que ça ait. Ah, tu sais, le maté. C'est quoi le maté C'est pas, du... pas un type de thé le thé j'aime bien mais c'est un goût neutre pour moi et ce qui mmh. donne le goût c'est le sucre souvent. Alors, après il y a certaines infusions euh, c'est les marmottes un truc comme ça la marque les marmottes un truc comme ça je sais plus c'est quoi le nom qui, qui sont très très bonnes mais euh, c'est des infusions donc pas de théine. Donc c'est de la pisse. <laughs> il euh, y a même du sucre dans le pain et les chips. Bah oui parce que le pain c'est c'est littéralement de de l'amidon. Non c'est si, non oui du, et ça l'amidon c'est du glucose. Après c'est pas du sucre retravaillé, c'est oui, pas du sucre ça. en plus. Donc euh... Sauf quand tu as du mauvais pain ou la, du pain spécialement du sucré. Pain. Le, le fait de dire mauvais pain fait trop genre. Chut, mauvais pain. Je vais d'être un bon pain mais. Euh, tac. Maté rien à voir avec le thé. C'est quoi alors du coup Décrivez-moi le maté. Ouais, ça... mmh. C'est un énergisant comme les autres comme le guirana, le truc comme ça. D'accord. Ah <laughs> oh putain. Tu as été une vilaine baguette. <rire> <rire> Dépendance au sucre, ça merde. J'ai mis deux ans en sorcier. Parce que je supporte pas le goût du café, c'est vomitif direct. Et le maté, ça me fait le même effet. Bah, le maté, je vois pas c'est quoi. <laughs> Mate, c'est pas quand tu abandonnes dans un tournoi de bloodsport. <laughs> Qu'est-ce qu'il y a J'ai entendu quelqu'un qui n'aimait pas le café, donc. Ah d'accord, oui d'accord. Bah, plus... J'ai très envie d'un café du coup bah bon un, un café va t'en chercher un, un McDo tu fais le petit aller-retour euh... <laughs> c'est un je suis dégoûté parce ils ont dû changer les cafés de McDo parce que avant ils étaient carrément corrects les Américains et puis maintenant alors leur café n'est absolument pas américain mais euh... oui mais non enfin oui non en vrai ils ont après il faut faire la part des choses entre McDo et McCafé parce que c'est pas les mêmes cafés je crois maintenant qu'est-ce que j'en sais finalement tout ça mais je sais, connard. Putain, un, euh, arrêtez avec vos histoires de café, j'en veux un. Hein. Couleur café. C'est tellement bon le café. Moi j'ai mon café d'Hyder, de je suis heureux. Je prendrais presque même un, un, petit, euh, un petit café frappé. Mm. Juste un café euh, comme ça, noir, sans, avec de la glace, s'il faut, mais euh, pas de sucre. C'est tellement bon. J'avoue, moi je sucre encore le café. Ouais. Mm. Faire des cold brew. Parce que j'adore le très bon. café, mais pas sucré, c'est dur. Moi j'adore le goût café qui n'est pas du tout le goût du café. On est d'accord. Mais j'aime bien le goût café. Ça s'en rapproche, mais on est loin. La glace au café avec des petites graines de café dedans. C'est pas mal ça. Incroyable. Une bonne glace café. Pas pareil. Mais je suis d'accord. C'est pour ça. Je cherche pas à dire. Enfin, je suis pas du tout un amateur de café. Je ne suis pas connaisseur. comme je suis pas connaisseuse non. Il paraît que tu es méga connaisseuse. On t'appelle Miss Café dans plusieurs. Le seul vrai café, c'est le café en poudre. Retenez-le. Voilà, mélangé avec le lait en avance. Mais le café en poudre, c'est pas du vrai café, les poudres. Et le sucre. J On a dit que j'étais pro du café <laughs> ou pas Ouais, elle l'a dit. Hein. <laughs> elle dit le seul vrai café, c'est le café, euh, café premier prix euh, <laughs> à, à diluer dans un bandeau. En enfin, instantané, du... avec le sucre déjà dedans en avance. Yes. Et là, c'est bien. Voilà. Du écoutez café. là. Qu'est-ce que vous pouvez faire C'est la spécialité <laughs> Il est en train de... Mascox. Non, je vois des Non, mais ça illimits. fait pas la même taille. Je vois des <laughs> <laughs> je, je, je vois des horreurs dans le chat qui me font. J'ai eu un petit côté Vietnam. Mate infusion de yerba maté Ok. D'accord. Et le ma... plus, alors... plus précis, mais pas plus précis. En même bah temps. ouais, c'est le genre de truc qui donne tellement <laughs> d'infos que tu étais là. Il à me semble. Ok. Il me semble que le maté, c'est tu une... la misère, ne serait-ce moins pénible soleil. Plante <laughs> que, que tu mets que tu mets dans de l'eau chaude euh, et en gros c'est c'est genre plante euh, type comme du thé et compagnie en fait. Et euh, tu mets ça dans une, voilà. dans, dans, donc dans une boue sans chaude. Et t'as une paille qui est filtrante pour pas donc, aspirer du coup les bouts de, de plantes. Non, ça c'est le bubble tea. <rire> <rire> faire la même oui, oui. high five. <laughs> ah si on le voit trop bien, je suis si, trop si, content. Si. En, vrai, trop en vrai, il est premier l'écran, Ah, je suis trop content. Souvent on les voit pas les high five, et ça me frustre, Ça me fait péter des câbles. J'ai tué un gars pour ça. Pour ça que les bah, je vais cool. me débarrasser de ma cafetière qui moule le café elle-même et tout pour acheter du café premier prix tout prêt sucré. Ah voilà. ben bah voilà, enfin ça devient un vrai, un vrai bonhomme. <laughs> ah, il faut savoir que j'aime bien le café le lyophilisé parce que c'est un café qui me rappelle le voyage. Le quand film tu... Le Voyage. Ouais, <laughs> quand on est en camping des trucs comme ça, tu bois mmh. que ça en fait. Donc j'aime bien le goût ça me rappelle le voyage mais c'est sûr que je préfère faire un bon la café la tasse pour le maté s'appelle une bombilla et c'est trop stylé ah. tout ce qui est Amérique du Sud ça sonne toujours bien je, trouve. <laughs> je sais pas vrai. du coup euh, mon coach me euh, euh, donne des des objectifs euh. en espagnol ouais voilà en plus <laughs> c'est vrai mais ça me fait rire, <rire> des fois je suis obligé des fois en gros il y a une salle du haut une salle du bas donc, je lui demande souvent euh, est-ce qu'on sera dans la salle du haut ou la salle du bas Et il me répond en espagnol et du coup je cherche <rire> Google, <rire> sur, sur Google. Genre <laughs> Ok, Arriba, ça veut dire <laughs> Non mais Oz, le café Starbucks est pas bon. Hein. Mm. C'est le meilleur. Vraiment pas. Hein. C'est le meilleur. <laughs> vous le meilleur. Le sponsor c'est meilleur. Je vous rappelle que vous allez... Il y a très certainement un torréfacteur pas très loin de chez vous. Parce que je pense que la plus... <laughs> un toréador, D'accord C'est Ouais mais euh, Un toréador qui est facteur Ok Donc en gros Je un taureau en or Qui délivre Ton café Par la poste Alors, sur... le mec qui va tuer les taureaux. Oui Mais là j'avais envie d'imaginer un... J'entends des bruits Robert. En vrai c'est bien C'est très bonne idée De mettre la musique euh, D'ambiance euh, Dans nos oreilles En plus à nous mais euh, oui, Starbucks c'est adapté au goût de la plupart des gens qui n'aiment pas le café. C'est ça. Ça n'a pas le goût de café. C'est pour ça que ça marche. Okay, que je pense que beaucoup de gens se vendent d'aimer quelque chose qu'ils n'aiment pas forcément. Parce que moi j'adore mm. les sous-versions, les, sous les, les cafés détournés, c'est-à-dire euh, le cappuccino, les trucs où il y a un max de crème, le latte. Parce que c'est facile, ouais, c'est mais... agréable. Mais en fait je pense vraiment... que la culture du café, comme la culture du thé, elle est, les gens ils aiment bien le hard Grey, tu vois, dans les oui. thés. Bien... Mais c'est normal, mm. c'est bon le hard Grey. Mais du coup, bah, ils aiment pas le thé, ils aiment bien le hard Grey, qui est mm. plus simple, plus accessible. Ça va la musique ou pas En tout cas pour moi c'est très bien. D'accord, je croyais vraiment que c'était quelqu'un dehors qui venait <laughs> avec <le clac. rire> Non, J'étais en train de venir dire Mais il, il, est, a fait... il est chiant Putain <laughs> le flucul t'as fait croco, je peux pas le voir NON NON Putain. Ah j'ai abaissé le fenêtre. je vois vraiment... Ça, je... Pas. Moi je mais peux non, le voir. PC, toi, je peux pas ouais. le voir sur... Euh... Sur le live Ah c'est horrible ce que t'as fait Attends. <laughs> Incroyable, il y a le cul de mascotte, c'est fou. <laughs> oh non, horrible. Merci, Flocult. Merci. Euh... c'est plutôt bien fait. En plus, ça me saoule. J'ai toujours pris les consommateurs de Starbucks pour des gros débiles à payer 9 euros de boisson. Mais ça dépend, parce que si t'aimes bien ça. Est ça, en fait, ce que je comprends, c'est beaucoup de gens il faut, y a plein de gens, ils, sont, ils vivent en dehors d'une de, culture, enfin, genre les gens qui vont au cinéma ils, ils aiment bien les films, ils aiment pas forcément le cinéma, genre les gens qui vont voir euh, je suis désolé, hein, si vous êtes allé voir Avengers au cinéma ou même euh, euh, Spider-Man au cinéma récemment, bah oui vous êtes techniquement goût, vous avez payé 13 balles pour aller voir un film, c'est pareil, alors qu'en vrai non, vous y allez pour avoir une, un divertissement là où moi je vais chercher de l'art, et du coup c'est pas de la même portée, et clairement Spider-Man n'est pas fait pour être de l'art, euh, c'est juste Divertissement. Et, et c'est la même chose avec la bouffe, hein, si on mange des fast-food, des trucs comme ça, ça. ça. c'est pas de la bouffe de grande qualité, c'est mm -hmm. juste pas. C'est pas le but. Bon, et tu peux être amateur et pointu dans certains domaines de consommation en général, soit divertissement ou bouffe, et aimer aussi les choses plus simples, parfois. C'est ça. Pour encore plus apprécier les choses bah, qui sont tu vraiment fait, bonnes. Tatogwa qui dit Je suis allé voir Morbius. Voilà. <laughs> Merci de ne pas parler de enfin, quoi. J'adore l'animation, mais Wabu et les trucs de Wabou me font beaucoup rire. Alors, je précise que... Euh, <laughs> Zou, euh, aime juste beaucoup, vraiment un peu trop à bout. Enfin, elle m'a envoyé des images euh, perturbantes. Ça me fait rire. On va fois... un cut et On va montrer les images. Pas du tout, hein, on n'est pas dans ce genre. Okay. De... Quand je suis rentré dans ce bureau et que j'ai vu Zou pour la première fois, elle a fait une imitation. Elle de a fait... <laughs> Elle est animée, animée plus, pareil, elle a rigolé en un... des trucs de rire horrible ah de, de Wabou avec juste la tête qui bouge. Ouais. Ah ça me soumets. Parce qu'en qu plus je l'ai déjà décomposé Wabou ouais. en termes d'animation. Alors je précise qu'elle a, quand je dis elle m'a vraiment envoyé des images, elle m'a, on a prévu, alors, on peut pas parler. Un, un des trucs qu'on a prévu de faire et qui sortira un jour, sans, sans déconner, j'aimerais vraiment vraiment faire, c'est de refaire un épisode de Dingo Pictures à notre sauce. Elle a, on, on... alors je précise, il a été écrit en une minute trente, je mmh, pense. À peu près. Moi, et, parce que je me rappelle qu'au début, on a fait Ouais, mais il pourrait se passer ça, machin. Et on a fait Non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut non, faire. C'est juste, il faut Allez, c'est parti. Alors, il fait ça, et puis il y a ça, et puis machin, et il y a ça, et ben, c'est voilà, fini. Et c'est incroyable. Je sais bien que le scénario est trop bien. Ouais. Genre, vraiment, ça n'a aucun sens. <laughs> et du coup, elle, elle a dessiné des animés et tout qui sont incroyables. Je les ai, et c'est trop bien, et j'ai trop hâte de les faire. Parce que c'est l'animation la moins chère du monde. Je pense c'est littéralement de l'animation à 10 balles. <laughs> pas plus. <laughs> j'ai trop hâte de voir ça. Et du coup, elle a fait le même niveau d'anime de, de, pour un prochain générique. <laughs> T'imagines Non, je pleure. Les Gloobie animés. Non. Oh là là. Je refuse. <laughs> J'ai tellement hâte de voir ça. <laughs> bon, nous allons commencer. Vous avez lu vos, vos prénoms de personnages Martha Hughes je... <laughs> Martha hughes et John Reynolds. Vous avez retenu ça, non je suis jeune. Ça se dit comment nom Hughes. 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 Hugues. Mademoiselle Hugues. Nous allons démarrer. Donc, Madame. Nous Yuge. démarrons. Je précise que le scénario en question s'appelle euh, Separation Anxiety et qu'il est euh, dans le livre Fierce Sharp Little Needle, qui est un recueil de 26 ou 27 scénarios. On en a déjà fait plusieurs, on a déjà fait Dissociation, on a déjà fait Unland, on a déjà fait un oh autre oh, je crois bon. qui s'appelait je sais plus comment. Enfin euh, voilà, donc euh, c'est un bouquin où franchement je vous le recommande, il est plutôt cool et euh, vous pouvez accéder euh, à ce scénario assez facilement. C'est sur DriveThru, le lien apparaît dans le chat parce que quelqu'un va faire point d'exclamation PDF parce que les gens sont malins. Nous jouons donc euh, sur du Toulou Vituf. Hein, euh, voilà. Et... Euh, Putain, il y a 200 personnes qui ont fait point d'exclamation PDF, mais c'est <laughs> Naïmique le premier. Euh... <laughs> Et, euh... Et donc voilà, franchement, je conseille ce bouquin-là. Je pense qu'il est peut-être aussi disponible sur Philibert, point Philibert. Nous sommes donc en 2018. Pourquoi 2018 Parce que c'est juste avant le Covid, ça permet... Voilà, c'est juste pour ça, les gens. Vous êtes donc deux détectives. Mon cher John, toi, tu as engagé, il y a de cela euh, quelques années, euh, Martha, parce que voilà, tu cherchais quelqu'un pour t'aider dans tes enquêtes et euh, il se trouve que tu es un vieux de la vieille. Euh, voilà, t'es un mec euh, habitué <laughs> aux enquêtes euh, à la dure, où il faut euh, demander l'aide des flics, faire un petit peu pression, etc. Du vrai travail de police, quoi. Voilà, mais quand un ordinateur, un smartphone... Euh, où TikTok s'ajoute à l'enquête, j'en imagine une enquête sur TikTok, <laughs> euh, c'est un peu plus compliqué. Donc tu as engagé Martha, qui elle aussi est une très bonne enquêtrice, mais qui a des compétences que toi tu n'as pas, qui sont eh bien, euh, l'informatique en général, la connaissance des réseaux sociaux, ce genre d'éléments-là. Vous êtes tous les deux même genre de caractère, un petit peu, euh, un petit peu rustre, un petit peu, euh, un petit peu bourru, un petit peu, voilà, un petit peu rentre dedans. Euh, et vous vous entendez bien là-dessus. Vous êtes le genre de relation où euh, vous vous balancez un petit peu des, des saloperies euh, dans la gueule, etc. Enfin voilà, de la bonne entente, euh, cordiale, euh, voilà. Euh, ce n'est pas spécialement une figure paternelle euh, ce Tu la vois pas spécialement comme ta fille hein, Non plus, c'est vraiment juste Vous êtes collègues et vous êtes tous les deux Professionnels et vous savez que vos compétences sont euh, Toutes les deux euh, Compatibles et euh, par contre Vous êtes indé relativement indépendants chacun Je le précise en termes d'enquête, d'action De trucs comme ça, vous avez les compétences assez similaires hein, Pour être euh, franc Et donc euh, Vous travaillez ensemble On on vous fait venir du coup euh, car et eh bien voilà euh, des amis et des proches d'une euh, certaine bibi alors on la en la présence en l'appelant bibi euh, vous explique que euh, bah elle a disparu donc bibi c'est Beatrice Bell. et donc on vous explique qu'elle a disparu euh, elle est euh, chercheuse euh, dans le biomédical euh, elle travaille donc euh, à Cleveland, dans l'Ohio, hein, là où vous êtes, euh, dans euh, dans une enfin the Case Western School of Medicine. Donc elle est vraiment euh, voilà, chercheuse. Et donc euh, bah, du jour au lendemain, euh, elle a disparu. La police euh, ne fait trop rien. Et donc eux, ils sont ils vous ont engagé parce qu'ils se disent bon voilà, ça ira certainement plus vite si on engage. John et Martha. C'est la police qui nous a engagés Non, c'est pas la police, c'est euh, les proches. Les, les proches -moi. Première masque. <laughs> Là. Et le pire, c'est que je l'ai presque noté. <laughs> donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous dire euh, ben, On peut vous dire que euh, ça fait trois semaines qu'elle a oui. disparu. C'est pour ça hein, qu'ils vous ont contacté, c'est parce que ça fait un petit temps. Ils ah. sont même un peu tard. Euh, et donc... La police n'a pas enquêté du tout Les éléments qui ont été. Était... Alors, ils ont enquêté, mais ils ont très. Enfin, pas assez, euh, pas assez vraisemblablement. Attendez deux secondes, j'inverse les fenêtres, parce que c'est super perturbant d'avoir le chat. À cet endroit-là. Voilà, c'est vachement plus grave. C'est vachement plus grave. Typiquement, euh, euh, après 72 heures, ils ont abandonné, quoi. Certainement ça. Donc, vous savez qu'elle quittait le travail. Son sac n'est pas là. Euh, vous savez qu'elle a été, que sa voiture a été trouvée dans son parking spot et euh, que son téléphone a été retrouvé éclaté, d'accord, euh, et jeté dans un des coins du parking. Évidemment, il n'y a aucun élément exploitable dans le téléphone. Il n'y a pas de trace de caméra vidéo sur le lieu. Et euh, pas d'activité de carte bancaire ou de trucs comme ça liés, euh, voilà, depuis. Hein. Euh, et son appartement n'a pas été fouillé. Okay. Et la voiture, rien d'exposable dessus, il n'y a pas une, une boîte noire ou quelque chose comme ça, non, pas du tout. La voiture, elle n'a pas bougé, hein, donc non. elle est toujours là. Euh, voilà. Il n'a pas été fouillé, fouillé par la police ou fouillé euh, Il n'a pendant... pas été fouillé du tout. L'appartement euh, est resté c'est un des trucs qui fait qu'ils vous contactent en fait c'est que pour eux l'enquête elle est, est au point ça. zéro en fait ouais, ils, ils ont, ont rien fait quoi ils, ils ont fait ont... le minimum quoi et du coup eux, là ils s'inquiètent ils peuvent vous dire euh, quand même que voilà pour eux elle a pas d'ennemis elle a pas de euh, d'ex-petite amie euh, qui pourrait être en colère ou truc comme ça euh, et donc ils ont pas d'idées comme ça euh... Qui, qui puisse amener ça euh, donc ce que vous savez vous c'est bah, là où elle travaille elle est euh, quand on vous on vous explique donc je précise si c'est des proches c'est pas forcément euh, mm -hmm. ses parents Ce que Et justement demandé en on... termes de proches elle a qui alors en termes de proches ce que vous savez c'est que bah, à son travail il y a des collègues donc euh, voilà il euh, y a sa mère gertrude belle euh, ils font enfin voilà il n'y a pas de père peut-être qu'ils sont bah, décédés ou partis vous savez pas euh, et, euh, et voilà. Euh, on vous donne une, euh, on vous donne une photo euh, de Bibi. Euh, voilà, c'est une femme euh, qui est euh, bon, pas extraordinairement belle ou elle est commune. Euh, elle a quand même un physique euh, assez particulier. Euh, C'est-à-dire qu'elle a une peau euh, très blanche, des cheveux noirs euh, droits euh, assez longs et des yeux noirs. C'est-à-dire l'iris des yeux n'est pas de couleur, il est noir. Euh, et euh, certains de ses amis disent oui, il y a un truc médical par rapport à sa recherche. Non, que ses yeux ne sont pas entièrement noirs. <laughs> voilà. Les gens disent Bessie, elle est quand même belle, c'est son nom après tout. C'est <coughs> vrai. Euh, du coup, elle vit avec personne Non. Ok. Et elle a quel âge pour euh, rappel Je sais pas si tu l'as dit. Elle a. Euh, si je vous dis pas de la merde, elle a une vingtaine d'années. Ok. J'ai pas, pas envie de vous dire de la merde. Elle hum. a des amis très proches euh, bah, c'est ceux qui vous ont engagé hein, pour être honnête elle est pas euh... mais il y en a un plus proche que les autres qui bah, c'est ceux qui vous ont engagé et oui. qui sont là avec vous et okay. qui sont pas et qui sont enfin, ils vous donnent tout ce qu'ils ont hein, globalement euh, qui pourrait avoir accès aux clés de son appartement qu'on puisse y passer sa mère bah, du coup euh, c'est possible que sa mère les ait uh -huh. et euh, vous connaissez le sujet de leur recherche de ses recherches en tout cas elle euh... Elle dit qu'elle elle croit qu'elle recherchait ça, justement le souci génétique qu'elle elle avait. Parce qu'elle dit, mmh. elle, elle, est, elle est adorable, hein, un bébé, mais c'est vrai qu'elle avait. Enfin, euh, vous verrez, euh, je pense qu'ils vous en parleront si vous allez voir, mais c'est vrai qu'elle avait notamment euh, des doigts assez longs. Euh, et puis, voilà, de ce que j'ai compris, en fait, c'est une dégénérescence ou quelque chose comme ça au, au niveau de, de, de l'ADN. Euh, tu vois elle, elle sait pas trop quoi dire, elle, elle est pas sûre. Elle était un peu malade, en une certaine manière. Ouais, mais je sais pas si c'était dangereux. Mais je crois que. Enfin, il y a des détails, je sais plus. Mais je crois qu'il y a un rapport avec la maladie des eaux de verre ou un truc comme ça, hein, je crois. Hein. Tu vois qu'elle sait pas de quoi elle parle. Mais voilà, elle, elle essaye de vous aider, hein, clairement. Euh. Um... Qu à quel point elle était. Parce que j'imagine qu'elle devait avoir beaucoup de travail. Est-ce que vous passiez beaucoup de temps avec elle Est-ce que vous étiez beaucoup avec elle dans sa vie Ou elle était plutôt. Elle est vraiment très occupée, mais oui, on va. Enfin, régulièrement, on allait boire des coups et tout ça. Mmh. Donc, c'est absolument pas normal que du jour au lendemain, elle disparaisse comme ça, hein, qu'on soit clair. Hein. Vous considérez que vous étiez au courant de chaque. Enfin, de. Basiquement, dans sa oui. vie, ce qu'elle faisait. Un genre, elle si avait... elle avait un petit ami ou des trucs comme ça, vous on le saurait. Sur... Enfin, je. Je. Enfin j'espère. Mm. Tu vois ce que je veux dire, c'est presque son ego là qui parle. Ouais, ouais. Mais il y a ce côté... Euh... Ouais. Parce que moi je regarde déjà <laughs> pour sur le lecteur, c'est vrai que <laughs> c'est un peu perturbant. Je suis... euh, ok. Euh, donc du coup il faut qu'on ait accès à sa maison, c'est là où on pourra le plus travailler. Bah je vous ai dit, c'est peut-être ça... Alors pour... Enfin je pense pas qu'elle l'ait donné, euh... Parce en gros à son travail, à sa directrice de recherche, je crois. Euh, donc qui est sa supérieure quoi, mais qui est aussi son, sa collègue euh, amie. Euh, je l'ai déjà vu une ou deux fois, euh, elle s'appelle euh, ah, Laura, Laura quelque chose. Mais mmh. vous la retrouverez sans problème. Et pour sa mère, euh, eh ben, du coup, euh, donc euh, Gertrude, Gertrude belle. Euh, elle habite et du coup elle vous donne son adresse et elle fait euh, vous euh, dites lui que c'est moi hein, dites lui enfin ne cachez pas que vous êtes inspecteur il y a pas de souci enfin si, si vous pensez que c'est nécessaire mais il y a pas de souci elle elle vous répondra elles sont en, elles sont en bon terme non et puis je pense que quelqu'un qui vient de retrouver sa fille oui je pense que ça, ça aidera enfin voilà il n'y a pas d'inquiétude très bien elle était euh, comment dire elle a des réseaux sociaux est-ce qu'elle est très active dessus ou pas alors tu regardes ou tu lui demandes pas, tu demandes déjà. Euh, elle était pas, enfin, elle était pas très active, mais oui, elle me, enfin, on mettait des photos quand on allait faire une sortie ou des trucs comme ça, deux trois selfies, euh, c'est possible. Oui, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez très actif, mais euh, elle elle était euh, clairement, euh, elle était clairement <laughs> présente, quoi. Excusez-moi, je vais retirer Attends les sons. Ah, <laughs> <ce rire> hein. Non, j'essaie de poser toutes les questions qui me viennent là sur. Euh... Ça vient en général. J'ai deux, trois questions après aussi. putain ouais. mm. Je suis con, j'ai ma, ch ma chemise et ma cravate, je pu mettre un... Hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, oh, c'est pas très bien en même temps, ça fait, ça fait plus relax. <coughs> euh, Est-ce qu'elle rentrait seule Vous sortiez Oui. Enfin, je pense, oui. Vous l'avez déjà vue sortir avec d'autres personnes on serait chez elle. Non, enfin, bah, Sans jugement. Non, pas non, après. mais je pense que effectivement, c'est peut-être possible. Enfin, elle est pas, enfin voilà, elle est pas moche, hein, donc c'est sûr qu'elle n'avait pas de problème euh, si elle voulait. Mais je ne crois pas qu'elle était spécialement euh, intéressée par des coups d'un soir, quoi. Sans jugement. Très bien. On cherche tout, tout type de mobile, de motifs hein. Ah mais oui, vous avez... enfin, ah. moi je vous laisse faire votre travail, a pas de souci. Hein. <laughs> Okay. Euh... Où allez-vous Moi, il y a, enfin, évidemment la maison, ça me paraît être évident. Euh, son appart pour euh, vérifier. J'aimerais bien aussi aller à son boulot parce que si c'est de là qu'elle est partie la dernière fois, je pourrais peut-être trouver qu'est-ce qu'elle a fait en dernier. Euh... Après, je sais pas à quel point on pourra mettre le nez dans ses affaires. Je sais pas si c'est très privé ou pas. Euh, <coughs> Parlez-en de la mer, hein, peut-être. Bah, oui. Je pense qu'il faudrait d'abord partir sur la, la mer, demander l'autorisation qu'on puisse. Mmh fouiller son appartement et une fois dans l'appartement on va pouvoir peut-être trouver des éléments qui. Vous commencez par le servir. taf ou la mère. Euh, Je pense par euh, le, la mère d'abord. Ouais. Mmh. Mère apart taf. Ouais. Okay. Pense les... Donc vous arrivez chez sa mère. Euh, du coup, elle vous répond très vite et elle fait oh, Ah, bah, ah ça, vous, vous êtes. Euh, 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 du coup, oui, il y a. Il y a Gemma qui m'a prévenu. Euh, Gemma, euh, oui, oui, celle qui. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, ben, bah, 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 rentrez, rentrez et tout. Et du coup, elle, elle a l'air très inquiète, très. Voilà, et elle fait. Euh, euh, donc. Euh, et ben, bah, écoutez, euh, oui, euh, du coup, qu'est-ce qu qui. Ah, oui Elle va chercher les clés. Elle fait, j'ai le double des clés, voilà. Parce que là. La police, ils étaient pas du tout. Ils s'en fichaient, à hein, euh, ce moment. Hein. Oui, enfin, c'est. Ils vous ont posé des questions euh... Bon, rien de terrible. Ils m'ont demandé euh, deux, trois trucs. Euh, genre, euh, vraiment rien. Hein. Ils m'ont demandé s'ils ne pensaient pas que c'était éventuellement le, le père euh, qui, qui serait revenu, etc. Mais non. Euh, revenu Il est parti. Non, mais euh, c'est juste que, en fait, enfin, euh, voilà. Euh, J'ai eu. Euh, Enfin, j'ai eu une, euh, j'ai eu bébé toute seule en fait. C'est-à-dire que, c'était une histoire d'un soir dans un bar. Mm -hmm. euh, je sais même pas, euh, je sais même pas comment il s'appelle. Hein. Pour être honnête, enfin, euh, c'est, il s'appelait James, euh, <laughs> si c'est vraiment son prénom. Et puis voilà. Mais c'est vrai que, euh, voilà, le, il, il est parti. Je, je pense pas qu'il soit même au courant que. Euh, je pense que c'est ça n'a pas de rapport. Je pense. Enfin, je vois pas pourquoi il, il serait réveillé 20 ans plus tard à, à, à faire tout ça. Il y a pas de sens, ça a pas de sens. Et, et pourquoi vous vous en souvenez d'ailleurs Pourquoi vous Pourquoi ce serait votre première théorie Non, c'est pas ce... ma première théorie. C'est ce qui ce que les policiers m'ont demandé. Ah, ouais. Mmh. Ouais, ça m'étonne pas d'eux euh, Vous étiez très proche de, de Bibi Vous au quotidien Vous aviez des bon, nouvelles souvent Oui, je vais euh... des nouvelles quand même souvent. Oui. Très bien. Vous saviez un peu euh, ses journées, comment elle allait, parce qu'il faut aussi savoir ça. Que... Bah oui, euh, elle, elle travaillait sur ses recherches. Euh, je je sais plus du tout. Euh, je sais plus du tout le nom. Hein, mais euh, mais, ouais, mais je crois que c'est un rapport justement avec euh, euh, avec euh, bah, parce qu'elle elle, 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 elle m'a appris parce que moi je n'étais pas au courant mais qu'elle avait effectivement une maladie ou quelque mm -hmm. chose comme ça, une dégénérescence. Euh, quelque chose comme ça donc euh, donc apparemment oui euh, c'est une condition génétique particulière hein, voilà je, je connais rien tout ça. Ce... qui s'est développée dès la naissance ou euh, dans ces années ah ben bah ça faudrait voir avec elle euh, mais je pas crois qu'elle a toujours été comme ça effectivement mmh. c'est juste que c'est pas enfin je sais pas ce que je ne suis pas médecin je ne peux pas vous dire exactement si ça se développe au fur et à mesure ça s'empire vous aviez rien remarqué bah, elle a toujours eu un physique euh, assez, bah, un peu comme son père. Euh, un peu euh, voilà, pâle, euh, des, des cheveux noirs, les yeux un peu noirs, etc. Mais ça a un certain charme, euh, c'est sûr. Vous vous souvenez bien de lui pour un coup d'un soir ouais. ah bah Oui, bah forcément. C'est quand même le, le père de ma fille. Donc, euh, je... Mm -hmm. Puis c'est... C'est un, un... On va dire ça a été la source de pas mal de... Hum, Questionnement dirons-nous C'est la en question a... que j'allais vous poser elle a... Bibi elle a été curieuse à propos de son père de... Bah oui parce qu'elle elle voulait savoir euh, bah justement euh, Si Enfin si elle pouvait le voir Des choses comme ça Moi, je, Mais je, je vous t'ai dit je ne sais même pas si Vous n'avez plus de contact avec Bah non j'en je, ai jamais mmh. eu de contact Puis à l'époque il mmh. n'y euh, avait pas tous les, les Internet les trucs comme ça hein. La bonne époque c'était bah, a 28 ans, donc... Euh... Question de point de vue. Ouais. Elle, a, elle a 28 ans, c'est ça non, on va dire qu'elle a 28 ans. Très bien. Um, très bien. Euh, vous avez une petite idée par rapport à son travail À quel point... Vous savez si c'était quelque chose de top secret ou si c'était quelque chose ah de... Non, de je crois que non, c'est... Parce qu'on compte passer par son travail, du coup, on se posait la question de. Non, non, je crois qu'elle est, elle est toujours. Enfin, elle est chercheuse, et elle travaille pour son PhD, euh, et du coup, euh, elle travaille. Euh, c'est pas, euh, pas top secret, je pense pas mmh. que, que oui, c'est accessible. Après, j'y connais rien, donc euh, voilà, mais mmh. je pense pas que c'est top secret. La dernière fois que vous l'aviez vue, c'était quand Et comment elle était en termes de. Est-ce que vous avez. C'est quelque chose de différent de... Quelques jours avant qu'elle disparaisse, et non, elle allait très bien, elle n'avait pas peur, elle. Elle est venue, on a discuté, on a regardé, elle m'a montré des vidéos. Enfin euh, non, il y avait rien de, non, non. des trucs sur TikTok euh, -toc, là. Ouais. Mmh. <rire> 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 là... Très bien, très bien. On ouais. va après notre entretien, on vous nous donner l'autorisation d'aller fouiller sûr, sur l'appartement. Bien sûr, mais ouais. ce qu'il faut, c'est la retrouver, c'est retrouver plus vite, évidemment. faire notre Mais je suis sûr que c'est un, voilà, je pense que c'est une bêtise, c'est rien, elle a dû. Euh... Se perdre, ou je sais pas, c'est rien. C'est son ouais. genre d'être un, euh, un peu aventureux Non, mais ça arrive. Ça arrive. Oui. Ça arrive à... Oui. Mais si elle est plus aventurière que d'habitude ou pas, ou est-ce qu'elle. Ça... Bah là, moi je dirais que non, mais. Tu vois qu'elle. Enfin, je préfère me dire que c'est plus. On va faire voilà. tout notre possible en tout cas, euh, pas, pas d'inquiétude là-dessus. Du coup, je vous... les clés la Je vous promets que nous la retrouvons <laughs> Pas le truc qu'il faut pas dire <laughs> euh... oh, vous du coup à l'appart <coughs> euh... <coughs> Ouais ouais à l'appart ouais Donc euh... vous Vous allez à son appart et donc euh, bah... Vous fouillez qu'est-ce que vous cherchez euh, de spécial euh, premier lieu moi je veux voir si elle a des si elle a un ordinateur un ordinateur portable alors elle, elle semble euh... attends deux secondes et puis voir un peu euh, s'il y a des lieux intéressants ou qu'elle a l'air d'utiliser plus des trucs comme ça alors elle a un elle a pas d'ordinateur chez elle euh... visiblement enfin de ce que vous voyez il y a un chargeur qui doit peut-être être un chargeur pour un PC portable, mais il n'est pas là. Ok. Euh, elle a un bureau, une zone de travail mm -hmm. Je vais fouiller ça, moi, pour chercher. Euh, peut-être euh, quelque chose. Son appartement est très. Pas vide, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est vraiment un appartement d'étudiante. Euh... <coughs> Ouais, tu trouves. Tu, tu regardes, bon, tu trouves euh, pas trop grand chose. Euh, tu, tu vois quand même qu'il euh, bah, y a beaucoup de trucs par rapport à son travail. Euh, c'est des trucs comme ça, des, des, des trucs de notes, etc. Et donc, oui, vous voyez quand même qu'elle travaille sur euh, quelque chose qui semble s'appeler FBS. Donc voilà. Et du coup, apparemment, c'est un truc. Euh, c'est ce que vous voyez, FBS. C'est un acronyme ou il y a. Ça semble être un acronyme. Ouais. Ou <ills> <melled> <parole> <Que shine> donc, bien, c'est. Qu'est-ce donc ce. Un nouveau réseau social Est-ce qu'elle a l'air. Dans tout ce qu'on peut voir dans son appart, est-ce qu'elle a l'air d'avoir d'autres centres d'intérêt que son travail Non, elle a l'air vraiment d'être passionnée si. par ça. Et au niveau des affaires personnelles, je voudrais voir s'il y a des affaires personnelles qui ne lui pas... appartiendraient pas à elle. On nous dire par là, est-ce qu'il y a des traces y a comme pas quoi il a quelqu'un avec euh, elle Franchement, non. Et il n'y a, a pas grand-chose dans l'appartement. C'est vraiment genre. Tu vois qu'elle vient là pour dormir, manger, partir, et elle revient. Enfin, elle a l'air d'être à fond dans son taf. Et à ce propos, est-ce qu'il peut y avoir un endroit où qui nous laisse penser qu'il y aurait un trou de quelque chose qu'elle aurait emmené avec elle, par exemple bah, Je il y a le côté où... PC portable qui semble venir de temps en temps sur ce bureau-là, ouais. mais ça n'a pas l'air d'être non plus très régulier parce qu'il est pas enfin tu il y a pas une marque euh, mmh. qui manque ou un truc comme ça est-ce qu'il y, est qu y a une ou plusieurs valises Et est-ce que on pourrait voir qu'il y a des vêtements qui ont été pris non aucun aucune trace de départ est-ce qu'elle a parce que il coup, y a encore des comprends. valises quoi là vous voyez vous avez l'impression d'être dans l'appartement de quelqu'un qui vient de partir ce matin quoi ouais. avec la poussière en plus et c'est je rappelle pas une chambre et euh, pas de télé, pas de d'autres... Euh... Elle a un téléphone avec un répondeur peut-être Si elle a un fixe, ce serait assez rare, mais... Euh, là, elle n'a pas de fixe. Non. Oh. Ouais. C'est un immeuble étudiant Ouais. Est sort d'immeuble étudiant. Oui. oui. A... Est-ce qu'il y a un concierge Est-ce qu'il y a des caméras à l'entrée Il euh, y a des... Ouais. Ok. On pourra peut-être aller voir ça. Bah, il, lui, il accepte de vous montrer. Hein, il remonte, mais il dit euh, :« Non, j'ai déjà montré aux policiers, il y a rien. » Du coup, vous voyez, vous la voyez effectivement sortir euh, tôt le matin et jamais revenir Elle sort avec euh, le nom des affaires normales pour aller au ouais, boulot. Tout à fait. Okay. Et dans le frigo, il y a de la bouffe. Ah oui, mais il y a trois semaines euh, qui a qu pourri, quoi. Ouais. Ok. Yes. Peut-être <coughs> qu'on peut parler aux voisins euh... Je sais pas Bof. si ça a quelque chose. Ça va bah, être difficile gens ne la connaissent pas. Elle est partie bosser et elle n'est jamais, jamais revenue bosser. Bon, Elle ne wow. pas barrée pour partir en voyage, elle n'est pas. L'idée là, c'est qu'il y a un truc qui l'a empêchée de rentrer, à mon avis, pour le moment. Mm. Le Ou beau. alors elle s'est vraiment barrée sur un coup de tête. Pendant Ça taf. me paraît un peu gros. mais. Après, en tout cas, la dernière fois, on l'a vue nous, quand elle part au travail. Donc, euh, on sait où ce qu'il faut aller. Hein. Mm. C'est parti? McDonald's en effet. Yes, McDonald's petit café. Moment. Je m'arrête au Dunkin Donuts du coin et je me prends un café et un donut. Du tournage. Tu fais une crise cardiaque et tu meurs immédiatement. Merde. Bon, ça a plus d'argent pour moi. Faut... Ouais. Non. <laughs> vous arrivez donc euh, et donc vous êtes accueillis par le docteur Laura Bixby, euh, qui est donc euh, la personne qui est en charge des recherches de Bibi. Bixby, Bibi. <coughs> Laura Bixby ouais, et du coup elle vous explique effectivement, Bibi. Bibi est donc en en première année de PhD donc mm -hmm. elle, elle en passe pour être docteur et euh, elle, elle vous explique qu'elle recherche effectivement euh, voilà, son, une maladie génétique en tout cas une déformation génétique qu'elle a, qu'elle appelle le Farnsworth Bell Syndrome FBS. tout à fait donc c'est une euh, quelque chose qui est récessif, rare et qui est transmis euh, et qui semble être assez présent euh, de, euh, de dans les certaines lignées des Farnsworth et de la famille Bell et euh, vraisemblablement ça. Enfin, elle vous donne les recherches hein, entièrement Donc, ça aurait, fin ça, a, ça aurait commencé en fait avec un, un homme euh, qui, est, qui serait l'origine de ce problème génétique en gros et donc euh, dans, ça a commencé au Kentucky au milieu du 19 e siècle euh, et du coup en gros il y a euh, deux copies du mutagène enfin euh, du gène du gène mu mutant pardon je sais pas si on peut dire mutagène en fait j'ai faire un raccourci je pense pas que ce soit la même chose <laughs> j'en sais rien euh, j'y comprends rien hein, moi euh, et que du coup ces deux viennent de ce mec là euh, et que du coup bah, elles sont affectées etc et que donc forcément la mère de bébé devait être affectée mais aussi son père um... Du coup, euh, vous savez qu'elle qu a fait des recherches sur sa famille pour retrouver sa génétique comme ça euh, sur son père, parce que sa mère, ça me paraît logique, mais du côté de son père Ça, euh, bah, il ça faudrait que vous regardiez peut-être dans dans ses recherches, euh, etc. Ça, ce que je vous dis, c'est la recherche générale, c'est le, le, la base de la recherche. Donc, mm -hmm. ce n'est pas ses recherches personnelles. Vous pouvez avoir accès à son bureau si vous voulez. Il mm -hmm. euh, y a son PC, il y a ses trucs. Et On n'a rien touché. Est-ce qu'elle est venue au travail le? Et euh, je lui dis la date où elle est partie. Euh... T'as dit quoi excuse-moi? Est-ce euh, qu'elle est arrivée au travail le, le jour et je lui dis oui, oui, elle, le elle jour? Elle ou... a travaillé toute la journée, elle est repartie. Mm -hmm. J'ai déjà dit ça effectivement à la police, mais euh, nous, euh, elle est repartie, euh, on, on se doutait de rien. Euh, mm -hmm. vraiment, elle n'a jamais pris sa voiture, etc. Elle est repartie le soir. à euh, d'habitude. Ouais. Pas de euh, pas de comportement. Euh, et divergent dans les semaines avant non, Franchement non, bah, elle était très investie dans ses recherches euh, Pas de... motivée mais pas, ouais. euh, pas, pas possédée d... pas... Non. pas de nouveauté qui euh, aurait non. Non, non, déclenché a... un, un voyage de, de recherche autre part Ah non, non. Bah, non et nous... puis même elle nous aurait prévenu. Et puis ça, y a cette histoire de pas. Kentucky, est-ce qu'elle serait pas partie au Kentucky justement pour continuer de d'enquêter bah, euh... Enfin, Pourquoi de l'avoir fait sans nous prévenir En plus, on aurait pu débloquer un budget. Enfin, je pense pas que ça soit dans son budget d'étudiante mmh. de se déplacer comme ça dans un autre état pendant trois semaines. Non, non, euh, je, ça me paraît un peu crédible. C'est ce qui m'inquiète. Euh, quand vous dites qu'elle est partie, elle est partie après tout le monde. Euh, elle part tard le soir quand mmh. elle travaille. Bah quand elle part, en fait, effectivement, il n'y a plus grand monde. Euh, et le parking est à côté, mais mmh. voilà. C est, c est... La voiture est encore sur le parking. Vous connaissez des gens qui, travaillent, fin qui finissent de travailler à peu près dans les mêmes heures et qui auraient pu être le plus tardivement avec... Franchement, euh, ici, ça dépend. Je n'ai pas, pas l'heure expressément de son départ. On ne suit pas ça exactement. Donc, euh, je ne peux pas vous dire, euh, là, comme ça, euh, ça sera du hasard. Quoi. Alors, on peut interviewer tout le monde, mais... Euh, je vous ne pouvez pas, pas que... mettre un petit message en interne si ça peut permettre d'avoir... Euh, ouais, mais je pense que... que... Enfin, en les gens qui l'ont vu partir... Euh... Enfin, Est-ce qu'ils l'ont vu partir ce soir-là ou la veille ou l'avant-veille Ils ah. serait pas. Enfin, ça mm -hmm. fait trois semaines hein, maintenant. Est-ce qu'ils vont réussir déjà à se rappeler ce qu'ils ont bouffé la veille C'est ça. Après, hein, c'est des médecins. On ne sait, je... sait pas. Hein. C'est des, hein. <laughs> des grosses têtes. Les docteurs. Pareil. C'est pareil. Ça, c'est des grosses têtes. Les des gros blaireaux. Gros... <laughs> <laughs> pareil, pareil. <rire> <rire> euh, vous avez pas de caméra de surveillance ici Non. Il n'y a pas de raison à en avoir. On sait jamais, hein, sécurité. Ça va peut-être résolu le problème d'aujourd'hui. Bah écoutez, peut-être que. De toute façon, on, on est fliqué. Avec nos. Le boomer insupportable. Ouais, je jouais boomer. <laughs> Incroyable. Un petit peu boomer. <rire> <rire> euh, on va voir euh, son bureau, ses affaires Hop, hop. Yeah. Um, euh, ah oui, son bureau, oui, bah oui. 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 Quel bon détective. <laughs> <laughs> parce que moi je voulais, aller, je voulais aller à son bureau pour prendre ses clés de bagnole et voir sa bagnole du coup. D'accord. Mais on va aller au bureau parce qu'on n'y est pas encore allé. Très Vous, bon vous idée. arrivez donc dans son dans son petit euh, dans sa petite zone de recherche. Donc il y a son PC qui est un PC portable effectivement, mais un, tu vois c'est pas le PC un PC transportable. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Il est assez massif et euh, pas pratique à transporter. Donc c'est pour ça elle le prend pas tout le temps chez elle, etc. Euh, et il y a euh, une pile euh, de papiers, etc. Yes. <rire> <rire> ok, bah, je vais mettre à son PC. Mm -hmm. Et ce que je veux trouver, c'est vraiment essayer de, de chercher en termes d'historique d'utilisation, qu'est-ce qu'elle a fait en dernier lieu, euh, qu'est-ce qu'elle a, le temps qu'elle y a passé, tout ça. Ok, et toi bah, je fouille les papiers, je regarde s'il y a des notes dans les marges, des post-it, euh, des dates. Ok, get the fuck out of, God yeah. of beer. Les, boomers qui veulent, les boomers qui veulent des caméras de partout. Il vient de Nice. <laughs> John, le méga bléron. <laughs> c'est violent, ça. Bah ouais, J'avoue, c'est un peu violent en fait. Mascox, il cherche des post-it. Mascox, il joue le mec dans Disco Illusion, en fait. Elysium. Donc, déjà, tu remarques assez vite. Tu, tu fais ton travail de routine avant de lancer et tout, tu peux voir qu'il y a un, un virus, un keylogger, en fait, qui chope des informations à certains moments, quand tu... ça envoie des informations à une adresse IP, en particulier, quand tu tapes certains mots, d'accord, ou que tu recherches certains mots. Euh, donc déjà, l'adresse IP, elle est pas... c'est une adresse IP, donc c'est pas méga précis, mais c'est euh, à Arcanum, dans l'Ohio euh, dans euh, le county de darky C'est pas spécialement loin du coup. Si C'est pas méga loin non. Non. Ok. Euh, tu peux voir que donc le virus et euh, vient en fait d'un de pas mal de recherches euh, qui contiennent des des recherches en ligne tu vois des banques de données académiques qui parle notamment du FSB, du FBS, pardon. Les mots qui activent le virus sont Farnsworth, Bell Syndrome, euh, les trois à la suite, Legend and Folklore of Apaka Apalachia, pardon, et Apalachia. Apalachia, et James Farnsworth. Euh, les trois ont été Enfin, euh, sont trouvables dans le Enfin, ces trois recherches sont retrouvables dans le cache, de, dans l'historique de Bibi, mmh. euh, quelques jours avant sa disparition. Ok. Euh, tu peux voir que euh, elle a eu accès, en ligne en tout cas, euh, dans la collection spéciale de l'université de Miskatonic, à un bouquin qui s'appelle Legends. And Folklore of Apalachia. Okay. Euh, le jour de sa disparition. Donc elle a récupéré le livre en main propre. Vous euh... ne pas. Elle a, elle a eu l'autorisation de le prendre. Donc est-ce qu'elle a été chercher ce jour-là ou est-ce qu'elle allait le chercher Il faudra aller voir. Ok. Euh, elle a eu. Ah mais attends, non, elle, elle a eu accès en ligne. Ah. Attends deux secondes. Que c'était un Google Doc. Ouais, c'est ça que je veux voir. J'estime que c'était un Google. J'estime que c'est un fichier euh, numérique parce mmh. que c'est pas précisé en vrai. Donc pour moi c'est un fichier numérique. Donc c'est pour moi tu peux le retrouver sur son PC ou, mmh. ou reprendre ou re avoir l'accès en tout cas. à Ce fichier là en particulier. J'estime. Okay. Euh, et tu peux voir qu'il y a un euh, oula, un fichier encrypté euh, avec des notes. De Bibi sur sa recherche. Est-ce un... que je peux le décrypter Ouais. Nous allons voir. Succès critique. Euh, donc, oui, tu arrives à le décrypter, mais ça demande euh, un bon niveau de médecine ou euh, d'anglais. Donc, médecine, j'estime que tu n'as pas de stats. En anglais, j'estime que oui. Donc, là, il faut faire. Euh... Ah, extrême putain <laughs> donc euh... jusqu'à <laughs> non tu tu comprends pas tout c'est trop complexe c'est pas de ton niveau même l'idée générale euh... ça parle de ça parle de c'est assez long ça parle de fsb de trucs comme ça tu, tu sais pas exactement ok voilà euh... Du coup, il y a deux choses que je voulais vérifier. Mmh. Euh, là, j'ai une piste, du coup, pour euh, le, le Google Doc sur euh, les gens folklore. Ouais. Euh, donc, du coup, je pense que je vais consulter ça. Mais j'aimerais bien aussi voir s'il a une messagerie ou un truc comme ça qu'elle utilise. Parce que j'aimerais bien voir aussi tout ce qu'elle fait en termes de contact avec des gens. Si elle a eu, euh, par exemple, sur ses réseaux sociaux, un contact avec quelqu'un en particulier. Là, ça chose... tient accès. Et... Oui, mais enfin, elle n'a pas eu de de liens que tu trouves. Alors, il n'y a, a pas de Facebook ou de trucs comme ça. Mmh. Truc. Mais dans les mails, je te dis, il euh, n'y a pas grand-chose. C'est des... Pas une, des trucs un droit contact. Non. Non. Ok. Bah, dans ce cas, euh, je vais regarder le livre qu'elle a consulté. <laughs> tu peux sortir à appeler Mascoc, je vais fermer la fenêtre. Vous allez avoir un live sans okay. personne. Désolé. J'ai croisé quelqu'un dans le couloir. Quoi J'ai croisé quelqu'un dans le couloir. C'est vrai Ouais. Une ombre. A Un shadow. Il y a quoi dans les papiers Il y a 280 kilos 288 pages de rapports scientifiques incompréhensibles. Yes Alors. Tu vois qu'effectivement la recherche du FSB est intéressante parce qu'il y a des applications médicales, euh, enfin c'est utilisable. En effet, ceux qui sont atteints du FSB sont plus grands et plus fins que la normale, avec une peau très pâle, des cheveux noirs lisses et des iris absolument noirs. Ils ont d'excellents réflexes, mais des os fragile et des doigts extrêmement longs et fins. leur sang coagule très vite, à tel point que certains ont besoin de euh, d'anticoagulants justement avec l'âge. et justement cet élément là peut être très intéressant. Euh, par rapport à la valeur médicale. Donc ça, c'est un peu l'ouverture, en fait, de ses recherches. C'est ce qu'elle veut mettre en avant dans ses recherches, en gros. Justement, Bébé voulait isoler euh, sa, fin, son cas particulier. Et du coup, euh, parce qu'il se trouve qu'il n'y a que 20 cas qui apparaissent dans la littérature, en commençant par euh, la première personne qui semble être... James Farnsworth euh, qui est né dans le Kentucky en 1808. James Farnsworth. Hmm. En 1808. <laughs> et tu vois une photo de Bibi euh, justement qu'elle met. Tu sais, C'est une photo pour euh, mettre au début de son fichier, etc. Et tu vois qu'il y a plusieurs photos qu'elle a pris dans un dans un photomaton. Et elle sait pas laquelle choisir vraisemblablement. Et, et tu vois il y a plusieurs photos comme ça. Donc, euh, c'est ce que tu vois. Et il euh, hum, y a la liste des cas, ou il y a juste euh, le fameux James Il euh, y a quelques cas. Euh, mais du coup, euh, c'est pas, pas définitif. Il faudrait chercher un peu plus et peut-être croiser ça avec quelque chose d'autre pour, euh, pour les retrouver. C'est un peu vague hein. Ouais. Il ouais, y a des noms un peu dans tous les sens, mais j'ai pas vraiment de. Mm -hmm. À part. Ok. Et eh ben, euh, je me tourne, je regarde ce que fait. Euh... Euh, Martha. le PC. Mm -hmm. Ça, je, me lis, je me pose dans un coin avec les. Zou. avec les... C'est bien, elle nous entendra jamais. Elle reviendra jamais. Zou C'était vraiment une ombre. beaucoup On t'a jamais appelé. Non, pas du tout. Pousse simplement. Gros problème euh, chez euh, pas mal de personnes de Gleptopus de fermer les portes. Enfin cette porte en particulier. En même temps, si c'était euh. une porte et pas une planche. Définis une porte. <laughs> Je pense que c'est une ouverture, oui. enfin, définir une porte. Alors c'est une, effectivement, euh, c'est effectivement, c'est ce qui obstrue la. Voilà, c'est une pièce généralement en bois, euh, laissant la place à la taille d'un humain pour passer hmm. ou alors un, un être vivant pour passer, <laughs> qui est refermé dans un linteau et dans un cadre. Et la plupart du temps, cette porte euh, peut s'ouvrir ou se fermer. Comme une châtière. <laughs> Qui est une forme de porte. It's not a door, it's a jar. Euh, Donc elle vient de finir sa, sa recherche, elle se retourne vers toi avec... Euh... Et lui, lui aussi vient de finir. Du coup vous avez euh, peut-être deux trois trucs à vous dire avant que tu poursuives ta recherche bien mmh. sûr. Alors, euh, premier point important, euh, pendant sa recherche elle a chopé un virus. Qui donc euh, récupérait des infos, donc un log c'est ça C'est qui euh, key... log, ouais. donc, Ah, j'ai euh, cru que tu parlais d'une maladie. Non. Putain, mais quand même, vous meurs Donc. Euh, <laughs> J'y pensais pas au début quand t'as dit virus, c'est le premier truc que j'ai pensé. <laughs> un virus qui comprend, enfin qui se souvient de ce qu'elle a écrit, donc euh, ce qui permet ah au de retenir les informations qu'elle note sur son PC. Bah c'est grave, c'est pratique Non. C'est pas pratique si c'est quelqu'un d'autre qui retient tes mots de passe, tes recherches, tout. Ah et euh, j'ai l'IP, donc c'est pas très loin d'ici. Euh, j'ai plus re, le nom de la date de, de, du lieu. Le lieu en question, c'est... Alors attention, t'as pas le lieu exact, t'as une zone, une zone. Hein, On soit bien d'accord. Et, et la zone en question, c'est... Arcanum, dans l'Ohio, dans le County de Darkie. Donc c'est pas très loin, mais bon, voilà, c'est à garder en tête si jamais on a des infos qui se recoupent. Et autre point intéressant, euh, juste avant du coup sa, sa disparition, elle a euh, oh. consulté un, un, est... un document euh, ouais. de l'Académie de catholique. Ouais. Euh, qu'elle a mm -hmm. là, donc on va pouvoir vérifier. Ok, Legends and Folklore of Appalachia. Très bien. Mais rien d'autre malheureusement, pas de message particulier, pas de, pas de lettre de mort c'est loin, euh, euh, Arkham par rapport à Loyal. Vraie je vais question. Vous lire ça. <laughs> vraie, vraie, bonne question. J'en ai aucune putain d'idée. Ouais. Euh, je vais vous lire ça. Est-ce que euh... ça pourrait, est-ce que ça pourrait être crédible qu'il soit au courant des... C'est pas mal loin, hein, en vrai. Hein. C'est pas mal loin. c'est pas, c'est pas à, à l'autre bout des États-Unis, mais c'est à deux États. Ça fait une perte. Donc, euh, même, hein. Et si elle l'a consulté en ligne, bon. Oui c'est ça. Je pense que. Ah mais lui il connaît pas. <rire> <rire> ok. Et eh ben. <laughs> et donc il y a quoi dans le document J'allais regarder. Eh ben... Vous regardez ensemble Ouais. Il y en a un que... qui fait ça. <rire> <rire> Moi je passe. Et... <laughs> je baisse les lunettes. <laughs> Insupportable. Tu peux euh, tu peux mettre les lettres plus grosses. Oh. <laughs> C'est quoi cette histoire de vidéo, là C'est tactile Vous trouvez plusieurs choses. Donc déjà, c'est... Ça parle de plusieurs euh, éléments, notamment des... L'histoire de la... F... fin des clans Farnsworth et Bell. Euh, des... Voilà, des... une famille, en gros, qui a une description un petit peu particulière et Clairement, on vous les décrit comme grands, fins, che cheveux, noirs noirs, raides, peau, cheveux noirs, des yeux noirs, des doigts extrêmement longs, des peaux claires. Euh, et que, euh, qui était euh, dirigé par un sorcier réputé du nom de James Farnsworth. Ah, euh, encore lui James euh, est né euh, dans le Kentucky en 1808 euh, d'une femme, enfin euh, d'une mère célibataire, euh, qui était réputée pour être une sorcière. La famille euh, est dite, enfin, euh, il est dit qu'elle qu était, euh, voilà, en lien avec le démon, euh, et qu'il euh, qu vivait dans, euh, voilà, dans le Kentucky, euh, dans le county de euh, l'Échey, euh, mais que, voilà, il y a une une milice carrément a été montée pour aller euh, bah, les dégager de là. Beaucoup de Farthworth ont été tués, mais d'autres, notamment Them, se seraient échappés. Euh, apparemment, euh, il était même dit qu'il fallait plusieurs coups de revolver et d'armes à feu pour euh, tuer un Farthworth. Mais que leurs os étaient extrêmement fragiles et qu'ils coulaient de leurs plaies une fois qu'ils étaient tirés dessus, un liquide noir, épais et très étrange. Et il y a un passage euh, très perturbant qui est dit que euh, voilà, un, un lointain cousin des Farnsworth, enfin euh, un Farnsworth, mais assez, assez éloigné, euh, a dû être euh, récupéré et sauvé par euh, la milice euh, d'une un, cave en fait, une sorte de. Donc, ce qui s'appelle les routes cellars, c'est l'endroit où ils vont euh, stocker des trucs, etc. Enfin voilà, une cave quoi. Et euh, qu'elle était, parce que c'était elle, hein, euh, enchaînée, ouverte, mutilée et euh, affamée pendant des semaines. Euh, malheureusement, euh, la femme euh, est morte. Euh, ce qui a beaucoup euh, énervé toute la famille euh, étendue euh, et euh, ils ont dit que je cite c'était en fait le rite de passage pour tous les vrais Farnsworth qui séparait qui séparait euh, du coup euh, les graines de de livret de livret merci <laughs> autant euh, en anglais ça va moyen mm. donc euh, donc voilà lire tout ça vous perturbe profondément. Vous avez du mal à savoir si c'est des mythes, des légendes, vu que ça s'appelle littéralement mythes et légendes. Hein, euh, du coup, voilà. Mais c'est surtout qu'il euh, y a un côté vrai dans ce que vous lisez et surtout. Et moi, je prends les documents très très, très perturbant. Et j'ai une question. Oui. Euh, il parle d'un James, d'un James Firmswell. Lui Farnsworth, Farnsworth. Et, et je lui montre le document avec euh, la description de Farnsworth, enfin euh, ouais. de, de ce que j'ai lu en fait, sur les recherches et sur leur description. Ouais, et ça c'est les recherches de Bibi. D'accord. fameux lointain euh, le père éloigné, enfin les traces du gène en fait quand il, qui a été retrouvé. Je précise dans... que la lecture de ce document vous a demandé extrêmement longtemps. Vous l'avez passé en revue et vous avez concentré les recherches sur le truc Farnsworth. Bibi. Pas. Oui. Vous avez oui. pas le bouquin, qu'on soit bien d'accord. L'histoire de James Farmsworth. -farm Farmsworth. Farm ça date de quand ça, Tout ça, c'est <laughs> 1800. Hein. Et Lui, il est né en 1808. Ok, donc sûrement un autre, euh, autre James. Euh, tu disais, du coup, euh, description de. Ouais, apparemment, une vingtaine de cas de. Donc, du, du, du fameux. Donc, le FB, euh, FBS, là. Et. Euh, en gros, elle cherchait à isoler son cas pour mieux l'identifier. Elle trace, en gros, ce serait une sorte de gène qui se transmet de personne en personne, en tout cas de famille en famille, de génération en génération plutôt. Et il y aurait une vingtaine de cas, apparemment. Et euh, j'ai la liste des, donc, des cas. Est-ce euh... qu est qu'il y, est qu y a une liste bah, Il y a des Farnsworth, de des belles etc. Mais c'est des histoires, enfin, c'est des anciennes personnes. Ouais, ouais, mais tu sûr. peux chercher. Peut croiser ça avec d'autres euh, trucs, mais ça dépend ce que tu veux. Et euh, en fait, le, et je montre le document qui parle de, donc de Belle qui cherchait, enfin en tout cas de bébé, qui cherchait à isoler son cas. Et, euh, isoler son cas dans le sens. Euh, oui, ouais, chercher d'utiliser son... son cas, elle, parce ouais. qu'en fait, très peu de cas dans l'histoire ont été étudiés. Il y a une vingtaine de cas qui ouais. ont été étudiés dans l'histoire, donc c'est très peu. Ouais. Donc euh, étudier son, son cas, c ça veut dire sa dégénérescence. ça. Je... Ouais, ça. Ouais. Et euh, de toute façon, les conclusions sont, sont les mêmes. Grand, fin, euh, peau, peau, peau blanche, les yeux noirs, le, le sang qui coagule extrêmement vite. Ok. Et j'ai une question. Les os ultra, rien ultra sur, euh, À quoi ressemblait cette dégénération C'est la fragilisation des os, le fait que tous ces ouais, sont amplifiés. Ouais. En fait, c'est ça bah, pas Au le, fur et à mesure. Le, le, la, 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 peau, la, peau, la peau pâle, les cheveux, le, les yeux, le, les doigts fins, très fins, ouais. les os fragiles. Donc ça, ça, ça s'aggrave. Donc euh, ok. Euh... <coughs> Je vois pas où ça nous mène tout ça actuellement. C'est à dire que on a potentiellement quelqu'un qui espionnait ses recherches. Euh... Peut-être aller voir sa voiture, ce serait une idée. Alors sa voiture mais... elle a pas bougé, hein, oui, ouais. c'est ça. Euh, Il oui. y a les clés sur... dans son bureau ou pas Non, on a euh, quelqu'un qui espionnait ses recherches, mais trouver où ça va être. Euh... Bah vous avez une zone. Maintenant mais la zone, est, elle, est assez, elle est assez large. C'est un county, donc c'est comme chercher dans une ville. Euh, maintenant, il euh, bah, faudrait ouais, un nom ou un truc comme ça pour trouver. Est-ce qu'on peut trouver euh, James euh, wolf Alors, vous pouvez... Euh, James particulièrement ou euh, Firmwolf ben, en général, ou oui. Mais euh, c'est juste parce qu'il a, il a précisé que son père s'appelait James. La mère. Mm -hmm. C'est pas sûrement pas le même. Mais... Après, un, un, la zone que tu parlais, c'est un county. Mm. Je peux passer des coups de fil et euh, peut-être savoir s'il y a un James Farnsworth dans le, dans le coin. Bah après, je sais pas si c'est per cette personne qui va espionner ses recherches. Ça peut être n'importe qui. Mais. Euh... Vous Ça cherchez, non Ça coûte rien de tenter. Je passe un coup de fil euh, peut-être Moi, tu je sais, vais un... chercher les, les belles et les Farnsworth euh, que je peux trouver. D'accord. Vous revenez avec les informations similaires, qui sont qu'il y a pas mal de gens qui s'appellent Farnsworth et Bell dans euh, le county euh, de Darkie, donc euh, dans l'Ohio, et qu'ils habitent tous à la même adresse. Ok. Par contre, il n'y a pas de James Farnsworth. Oui, ça c'est... Après, ça me paraîtrait un choix évident qu'elle soit allée là-bas si elle veut faire des recherches. L'adresse en question, c'est Farmsworth Farm. Un truc de tourisme agriculturel, tu sais, où tu vas payer pour euh, prendre toi-même tes pommes et, et tout mmh. ça, ce genre de truc-là. Elle a précisé personne avec qui elle travaillait, euh, qu'elle a L avancé ses recherches. C'était quoi la prochaine étape qu'elle voulait faire, ce genre de choses il bah n'y a, a, a rien dans les documents qui parlait de ça, à part des recherches très techniques et sur le, les recherches d'avant, en tout cas donc de, de la transmission de ce gène, entre guillemets. Il n'y a pas d'après. Je n'ai pas d'objectif d'analyse d'après, à part son cas, elle, en fait. C'est pour ça qu'elle veut étudier, à mon avis. Euh, bah, Votre avis. Après, ça, sent l'histoire de, de famille. Un film là-dessus avec dessous de consanguin, je sais pas si c'est vraiment. Je sais. C'est compliqué. Oui, vous du coup. Vous allez euh... voir cette. Euh... Si, a... j'ai pas fait de bêtises. <rire> <rire> si, il bêtise. y a moyen. Euh, Est-ce que le virus en question qui est là, il y a moyen que je le décortique un peu plus C'est-à-dire. Par exemple, noter ce qu'il qu a pu retenir en termes d'écrit. Quelles informations la personne aurait récupérées Elle n'a rien récupéré. Elle, Juste, elle, elle, a, elle, elle, elle le... sait que la personne a fait des recherches là-dessus. Voilà. D'accord, c'est ça. Ok. On peut aller voir euh, la famille des Farmforth Farnsworth Farnsworth. Farnsworth. Euh, non, avant, euh, je voudrais passer un coup de fil, justement, euh, très certainement, au, au county. Ouais. mais euh, au, au police department ouais, de county. Un... et ben pour faire un background check sur le la farmsworth house farm pardon savoir s'il y a eu des événements récents de étranges enfin des gens casiers casier des conneries comme ça des euh, ils te font écouter euh, nous c'est un oh, c'est une famille plutôt respectable pour... <laughs> une famille plutôt respectable euh, on n'a pas envie de faire euh, du ramdam chez eux c'est le but si vous avez euh, un warrant à chaque... mandat. un mandat, mandat ou bien des preuves que la personne que vous recherchez serait là-bas etc d'accord euh, mais euh... attends mais bon, euh, là, nous, il n'y a pas de raison qu'on aille là-bas. Ah Non, mais c'est pas le but. On, savoir on, si on, peut demander si, on peut aller demander sur place s'ils qu connaissent quoi que ce soit, si vous voulez. Mais... Mais non, mais est-ce que vous, vous avez eu entendu des histoires Non, c'est une famille affaires, respectable. Puis... Euh, écoutez, il ah n'y a voilà. pas de souci. C'est bien, pas plus que ça. Je veux juste savoir si, si c'est le genre de René qui a tiré partout, dans tous les sens, ou si c'est une famille respectable. C'est une famille respectable, il y a une entreprise familiale. Ben bah voilà, c'est bien, c'est mm. parfait. Il n'y a rien de... Euh... Rien de suspect là-dedans. <laughs> je veux continuer Rien de suspect. Vous, vous avez un suspect. <laughs> je suis enquêteur, monsieur. Je, c'est mon but. D'être, en... d'être suspect. Bah, de pas déf... de... A À plus. <rire> <rire> le mec, Pierre le détective. <laughs> je me disais, ce serait parce que bon, on a l'habitude que les flics fassent leur boulot un peu légèrement mais peut-être que ce serait une bonne idée de leur, leur demander problème. pourquoi ils ont pourquoi est-ce qu'ils ont pas clé à ce point je me dis juste oh bah ils vont répondre le truc classique hein et eh ben bah, ça fait 72 heures qu'on l'a pas vu il y a pas de trace et voilà ouais. Ouais, globalement c'est ce qu'on vous a dit oui c'est ça hein. ouais, c'est typiquement ça, ah, ça hein. c est, c est ils ont pas été payés c'est sans... enfin, pas un truc comme ça quoi. non non c'est parce que je me disais mais je me disais juste s'il y avait un truc un peu compliqué qu'ils avaient abandonné peut-être ce truc compliqué ça pourrait nous intéresser il ouais, n'y avait rien, ils sont juste. Euh, ils sont juste oh. Ils sont très occupés. Ah, vous savez, les gens qui disparaissent, ça arrive. C'est un grand pays. Il hein. y a des portes qui s'ouvrent, des portes se ferment. Est-ce que. Des bon, grandes, grandes dépôts sites. L'endroit où on a retrouvé son téléphone. Euh... C'est Un hum... coin. Euh... Enfin, rien d'intéressant. C'est vrai que son téléphone était pété. C'est pour ça que. Le fait qu'elle ait décidé par elle-même de disparaître, tout d'un coup, ça paraît un peu. Euh... Donc, euh... partons sur une théorie et, euh, mm -hmm. et tournons autour. Imag... Donc, tu disais qu'elle était euh, surveillée. Non, je dirais plutôt que les recherches qu'elle a faites ont amené à ce que quelqu'un s'intéresse à son boulot. Genre, de, de, genre, euh... bon, basiquement, c'est un, un virus qui permet de savoir si tu fais des recherches sur un sujet. Ouais. Donc en gros, ils savent. C'est quelqu'un qui sûrement voulait surveiller ça. Okay. Donc ils savent. Mais qui, sa qui sait euh... Alors qui Ok. C'est ça que j'ai compris, non C'est <laughs> juste ça fait... Donc oui. ils savent, qui sait, mais qui J'ai saisi ce que c'est de <laughs> d'être face à un mascox. <laughs> T'as deux masques hein, putain. Le, donc. On pas sorti <laughs> on pas de l'auberge. pas sorti. Pas... On est... pas. On est de la taverne de l'auberge. Putain, sortie on n'est pas de l'auberge On n'est la pas sorti de, de, de la putain de 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 merde. De merde. <rire> <rire> euh, Donc, on a quelqu'un qui surveille sa recherche. Euh, imaginons que c'est un farnsworth. Ça tombe bien. Là. Alors, l'IP correspond à la zone ouais. que vous trouvez. Pour le voilà. Donc, si ça mate, les Farnsworth euh... sont courants qu'elle fait des recherches plus ou moins sur eux. Ou en tout cas sur leurs descendants. Et... Hein mmh. Sachant qu'elle serait descendante aussi technique. Voilà. Et, euh... Et puis nous, on n'a pas de trace de disparition. Le portable est détruit. Pas de bagnole. Ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui a... Y a eu un truc dans le chat. C'est l'homme. Hein c'est l'homme. C'est l'homme. C'est toi qui m'interromps dans, la... dans la putain d'énigme pour faire c Ah, oui. on ça, c'est l'homme. Yes. Non. C'était le matin. Bon. Non, <laughs> Je pense que de toute façon là on n'aura rien d'autre donc autant y aller. De toute façon, euh... y a que ça qui nous relie euh, à ouais. elle C'est ouais. ça ou du vent. Et ben bah, on va se prendre un petit motel pas très loin. Puis on va faire nos recherches à nous. Très bien. Discrètement. <laughs> on va pas toquer au 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 aux portes. Vous partez donc sur votre euh sur la GNM euh, mobilette c'est une petite mobilette une petite mobilette pour deux putain, putain, un sidecar c'est celle de Domaine de Mer c'est bon, moi qui conduis yes je me caille le cul derrière <laughs> un frost <fois. rire> t'es maintenu sur mais ses non, hanches mais non le sidecar c'est beaucoup mieux <laughs> Des, là, avec des petites avec lunettes, des petites lunettes euh, avec beaucoup de fourrure autour. Ouais. pourquoi. Ouais, il a un gros. Puis il a un énorme bonnet, c'est une chapca. <laughs> Qui, est... Qui, pla... Qui bat derrière. Ton bonnet il fait 2 Je... mètres derrière. Je... Je veux... Il ralentit Je... tellement Je... tout. Il s'affronte se... il par terre. Ah, il est dé... <laughs> Je comprends pas pourquoi, à chaque fois mon bonnet. <laughs> Putain. Je veux une ilu comme ça. Avec coup. des moucherons. Peut... <laughs> Putain, quel <laughs> cauchemar! Ouais. Donc, vous arrivez. Euh, vous prenez un motel dans le coin. Donc, effectivement, la ferme en question euh, est à genre euh, 5-6 km du de, de village d'Arcanum où vous, vous trouvez un motel sans trop de difficultés. Est-ce qu'il y a un, un petit café, un petit diner? Il a un Est-ce qu'on est le lendemain ou un truc comme ça Oui. Ouais. Petit déjeuner. Oui. Euh, on va faire euh, un petit. On n'est pas là pour enquêter, d'accord On est là pour. Ah <laughs> Vous enquêtez Peut-être. <laughs> <laughs> tu, poses, tu, poses, tu, poses, euh, tu poses un carnet avec marqué détective. <laughs> Personnellement, j'avoue que j'aurais bien posé des questions à savoir s'ils ont vu passer quelqu'un, un une voyageuse, quelque chose. Euh... Non, bah, dis donc, qu'on mmh, est des bien touristes. Bien. Euh, là, tu demandes au... Au motel, on est d'accord. Enfin, au café, quoi. Ouais, voilà, oui. on va au café. On... Dire, euh, on... ce que vous aurez croisé une amie à nous euh... bah, je Mais à quoi ressemble, votre amie hein Ah bah, euh, la peau pâle, les cheveux noirs, euh, assez fines et grandes. Ah, un peu comme les farnsworths, en fait Oui, si vous, vous le dites, moi je... Ah bah, des farnsworths, on en a vu, puis on en voit Ouais. Ça, c'est sûr hein. euh... Maintenant, va falloir être un peu plus précis, hein Bah, je sais pas, quelqu'un de nouveau en ville euh... Qui serait pas d'ici, qui serait venu en Mais voyage En dehors de vous, non. Bah, c'est pas très touristique dans le coin, c'est ça Si, bah si. Il y a des gens qui vont en farmer's. On peut aller acheter des pommes. C'est l'activité touristique du coin Bah, il euh... y a des gens qui vont en tout cas. Il y a des brochures dans le diner Ouais. Je prends une brochure. De... Sur la brochure, du... c'est marqué. Vous pouvez aller faire des tours, en machin tout. et tout. Effectivement, sur la photo, vous voyez quand même qu'il y a c'est assez notable qu'ils ont les cheveux très noirs etc voilà. mais par contre vous voyez qu'il y a bien marqué euh, c'est vraiment marqué en gros interdit aux chiens pourquoi ils aiment pas les chiens ah je sais pas mais c'est vrai que c'est interdit hein. ça bouffe pas des pommes enfin si j'en sais rien ah je pense un chien peut manger des pommes si. ouais. c'est c'est pas son alimentation principale mais je ne crois pas qu'il soit carnivore exclusif contrairement au chat par exemple <laughs> Euh... Ah. Oh pardon <laughs> Oh putain Dis-moi que c'est une grosse Avec un tablier qu Elle est trop maquillée qu'elle est... a les cheveux peroxydés, Et qu'elle euh... Non elle est absolument normale Plutôt fine Et euh... ça va. Elle a pas de tablier gras <laughs> Non oh, je suis triste Tu peux pas mettre tes fantasmes Dans les films comme ça comme tu veux <rire> <rire> Euh, juste pour finir avec les ouais. les Fourth. Ouais, les les Farm C'est une Elle grande famille parce que. Ah bah oui, c'est une grande famille! Hein. Très, parce que vous curieuse. dites ça comme s'il y en avait des tas, quoi. Ah bah. Il y en a des tas! Mmh. Je sais pas combien ils sont là-bas, mais il y a facilement 20-30 personnes, ouais. C'est ah. ah une oui, grande famille! Hein. Ils sont sympas? Oh bah, euh, oui! <laughs> ils sont pas méchants! Mmh. Oui, bah, c'est la définition. De... Enfin, c'est pas forcément. On s'est compris, quoi. C'est neutre. Ça, c'est la définition de pas méchant. J'en sais rien, c'est vous au... qui venez de le dire. Non, c'est l'inverse. Excusez tu sais, ma nièce, elle est fatiguée. C'est votre nièce Ouais. Vous ressemblez pas. Ouais, je sais. Mm. Je peux avoir un café, s'il vous plaît <laughs> C'est <déjà> un. <laughs> un deuxième. Il se <laughs> <Ouais>, euh... <laughs> comporte pas très, très, très bien. Ça fait beaucoup de sucre, là, je trouve. Il était solide. <laughs> <laughs> tu bon. peux même mettre non, des mais... fantasmes dans Maxime sous 2000 J'ai pas dit ça <laughs> Non mais j'ai douté d'un coup là Moi je considère Alors C'est Maintenant c'est canon tu as dit ça Moi j'ai fini de poser des <laughs> questions hein, je... Et bah alors euh, on, on peut manger c'est bon Bah mange tu veux quoi genre, Rien. <laughs> rien Bah pourquoi manger <laughs> Rien J'étais déjà en train, en train de bouffer mon bacon. Tu manges du bacon Oui. Vous êtes vraiment sympa dans le coin. Ah mais bah ça, on essaie. Il hein. mmh. y a beaucoup de touristes euh, par chez vous Non. <laughs> <laughs> J'ai déjà dit. Vous voulez vrai. quoi manger, vous euh... Des œufs mollets. Elle te <laughs> rend des œufs brouillés. Donnez C'est notre manière de les... <laughs> c'est la Farnsworth, c'est ça C'est des œufs à la Farnsworth Bah non, je m'appelle pas Farnsworth Mais non, mais ils ont l'air d'être connus dans le coin Je m'appelle Molly C'est. marqué sur votre badge. <laughs> c'est vrai. Vous êtes détective. <laughs> perspicace, on va dire. Ah bon C'est pas un métier. Ah bon C'est une sorte de prêtre Une sorte de perspicace. Vous êtes vraiment sympa dans le Merci Je finis C'est euh, dommage que vous disiez pas finir 17h. Ça marche. On se reverra à 17h alors. Bah, je suis con bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais baiser votre oncle. <laughs> je, je suis désolé, pas pu le tenir. Je suis ravi de, de le savoir. C'était trop je, peux, je veux boire en plus, c'est insupportable. Elle, elle se penche, elle chuchote dans ton oreille. Oh non. Lui aussi, je vais lui brouiller ses deux. <laughs> 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 mm -hmm. <laughs> je, je rappelle la description, c'est une femme normale. <laughs> D'accord Bon allez et mon coco, tu viens pas si tu veux, si tu veux. Moi, tu <laughs> demandes Molly, Molly Wood, Molly Wood, Molly Wood. Ouais. Hein. À tout à, à l'heure. À tout, hein. 17h. hein 17h. Je lui. Elle Elle s'éloigne. Je lui. Ah putain. Elle a des rôles. Elle <laughs> <'ai> court. Elle <laughs> <'ai> court. <laughs> Parce que le seul, il leur moquette. Ça, ça roule pas. Ils essaient de comme les diners, mais ils ont oublié. On est cons, on a mis Je vois qu'il La voix qui <laughs> <Le mec> galère. <laughs> galère. comme ça. Waouh. Très bien. J'aimerais bien. Pas de boisson. <laughs> C'était Et puis ah. je m'hydrater. Oui. Je vous prie. Vous voulez vous retenez ce mot tu l'as pas noté, c'est bizarre. je vais noter le rendez-vous par contre. J'arrive à C'est content de Du Je pense qu'on ne tirera rien des habitants du coin. Ah bah. Attends, 17h. Vocabulaire. Je note. Molly à 17h. Um, ils n'ont pas l'air de sortir beaucoup, je pense qu'ils restent en communauté. Il euh, y a des chances pour qu'on la trouve là-bas en effet. Comme um, très grande famille, non 20-30. Euh... Bon, si on est sur euh, une communauté euh, un peu comme les mormons sans le côté religieux. Peut-être hein Moi j'imagine oui. ça pour le moment, parce qu'une famille aussi euh, exclusive et qui vit comme ça reculée. Ouais. <laughs> Isolée et reculée et... Euh, hein. Ils sont comme ça, comme tu disais. Ils sont copains comme cochons ou... Euh... Je sais pas où tu veux en venir. <laughs> J'ai l'impression qu'il essaie de faire un sous entendu mais qui n'a aucun sens. qui <laughs> dure longtemps, mais c'est un mode, yes. Entre Chirilou et euh... ouais. C'était vide. Je savais que j'allais faire une connerie à un moment. Tu veux bien le... <laughs> J'ai pas fait de catastrophe encore. Oui. Euh, du coup, mm -hmm. il y a des chances pour qu'elle soit là-bas. Il y a des chances pour qu'elle soit là-bas, parce que si elle pose des questions, enfin si elle se pose autant de questions sur ses origines et tout ça, logique qu'elle se sente proche d'eux et qu'elle veuille peut-être rester un peu plus longtemps avec eux. Mais non, mais elle, a clairement pas été, elle, elle, est, elle est clairement pas allée de plein gré. Je sais, mais c'est <coughs> euh, une théorie possible, tu vois. Si on imagine un scénario où euh, peut-être ils sont venus la chercher ou je sais pas quoi, ça rien. En gros, elle les a contactés, a. ils sont venus la chercher. Zut, ils pas, pourquoi elle prend pas sa voiture Elle peut les accompagner avec sa voiture. Et en plus, pourquoi elle aurait pété son portable Il n'y a pas grand-chose de cohérent pour le moment dans cette enquête, mis à part euh, ces espèces de liens de famille et euh, une famille qui vit au milieu de nulle part et elle qui faisait des recherches dessus. Donc... Euh... et de trucs de, de, de gènes et de maladies qui se transmettent de famille, enfin de génération en génération. Donc... Euh, Un truc bon. isolé. Comment voilà. on fait On y va en mode... Euh, on va chercher des pommes bah non, on va se... On va... <laughs> que, pas, hein, si on tourne autour, on va finir forcément par euh, être suspect. Alors que si on y va comme des touristes... Euh... Euh, on, a, on aurait accès à des petites caméras, des micros... Ouais, wow, oui, euh, vous êtes des évidemment. Ouais évident. Okay. On va payer... Hein. <laughs> J'ai mis le casque avec la GoPro. <laughs> on vient chercher les points de Maximis <laughs> Bonjour, hein, c'est vachement sympa. Est-ce que je peux dormir <laughs> chez vous <laughs> Le qui m'écroche. Et la caméra. Elles sont comment vos pommes Dites-nous Vous avez vu <laughs> des choses bizarres Oui, un mec avec une caméra bizarre et une chemise rouge. Toi de Maxime. Du coup. On y va Non. Non. <laughs> On va, on, on va euh, payer un, un connard ou, ou qui traîne. Salut Panda Lucifer. On va lui mettre, par exemple, on va lui mettre un micro. Il va faire un petit tour de, du propriétaire. Et puis euh... D'accord, donc vous payez quelqu'un ah Oui, oui, oui bon, l'idée c'est de payer quelqu'un qui fasse le tour et qu'on puisse avoir une première idée avec... Euh, donc tu caméra. vas envoyer un bolos là-bas avec, euh, qui dise... Euh... Mais n'importe quel euh, Pecno, tu lui files 50 dollars. Il fait le tour avec sa caméra. Il est content. Il a des lunettes. Il garde les lunettes euh, espion, Et puis euh... enfin, je me les lunettes espions ridicule. Vous faites ça Écoute, oui. Ah, bah après, 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 non, je suis juste pas fan de l'idée d'envoyer un clampin euh, qui puisse parler, mais euh, euh, on voit pas lui, j'ai la langue donc. Vous inquiétez pas, je vais le faire. J'ai vu, j'ai vu tous les James de... Je suis un grand fan de Tom Cruise

Faire un tour pour des pommes euh, et avec des lunettes espions. Euh... Je suis désolé, mais moi, quand j'étais gamin, si on me filait 50 billets pour aller faire le tour du propriétaire d'un truc qu'on me paye, que je revienne, je le fais. Donc, il revient. <laughs> Mission terminée. <laughs> Donc, la plupart je, du temps, je, je, je prends une feuille, Pendant une grosse partie de la vidéo, il a mis les lunettes dans sa poche. <laughs> Et donc, à d'autres moments, <coughs> il, il, il met ses doigts dessus, c'est flou parce qu'il a mis ses doigts gras dessus. Rien n'est euh... exploitable. Voilà. Mais par contre, ce que vous voyez, c'est que. Il y a effectivement pas mal de gens qui ont. Euh... Enfin, c'est grand déjà. Euh, il y a pas mal de gens qui ont euh... bah, effectivement un physique proche de celui de Bibi. Euh... Il n'y a pas de chien, il y a beaucoup de panneaux euh, marqués euh, que c'est interdit aux chiens. Il y a. Là, il y avait des enfants, des trucs comme ça. Euh, de ce que vous voyez, oui, il y a en gros deux tiers des gens, plus ou moins, qui ressemblent à Bibi. Hein. Mmh, euh, mais il y a des enfants, euh, il y a des, des femmes, enfin euh, voilà. Euh, et euh, bah, il y a un magasin, il y a un truc comme ça, enfin voilà. Euh, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Euh, ça a l'air tout à fait normal. Hein. Voilà, ils vendent des fruits, euh, <coughs> de tout. Euh. Bon, écoute. De téléphone. Allo Vous appelez qui <laughs> Je sors le téléphone. Euh, J'appelle la ferme directement. Je suppose qu'ils ont un moyen de. Toi, la ferme <laughs> <laughs> C'était ça coche Donc, euh, il t'appelle la ferme Ouais. Allo euh, il... Bonjour J'ai entendu parler que vous aviez un petite attraction dans le coin. Alors, euh, oui, attraction, c'est vite dit, mais oui, oui on est une. Euh... <laughs> Une ferme, euh, effectivement, vous pouvez venir. faire euh, voilà. choses comme ça. Je, je suis euh, accompagné de ma nièce et euh, j'ai cru voir que vous n'acceptiez pas les chiens. Malheureusement, oui. nous avons un, un berger allemand ah. qui, qui se Allez, fait vieux faudra... et qu'on ne peut pas quitter. Non, malheureusement, il faut, il faudra pas venir. Euh... Pour des mesures de sécurité. et euh, eh bien, euh, on oui. Peut le, on peut le, si vous voulez, on peut le museler, mais malheureusement, on ne peut pas quitter ce chien. C'est un un chien malade et il a non, besoin de. Non, ce n'est pas aucun chien sur, sur la propriété. C'est une question de effectivement de d'allergie et euh, on a eu beaucoup de problèmes euh, par le passé. C'est voilà, c'est c'est une règle comme une autre. Peut-être le faire garder en ville. Il y a une ville à côté. Je crois mmh. savoir qu'il y a un diner. Vous pouvez aller voir euh, Molly Wood euh, qui euh, qui pourrait garder des chiens. Elle aime elle aime bien tout ce qui touche Parce que je prends <laughs> un chien dans un GDR, dans un GDR hein. en live. Du coup, donc voilà, euh, très bien. Mais par contre, non pas de tiens. Euh... Ok, Allez. voilà. Dommage, hein. dommage. Bah, désolé, il faut qu'il y ait des règles. Je comprends, je comprends, je comprends. Vous, vous étiez, excusez-moi, je. Oui, euh, eh bien je suis euh, Manuel, euh, Manuel farceur Merci, très sympathique. Bah, merci. Bonne journée à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Vous êtes déjà. Je vous entends. <laughs> C'est un téléphone smartphone <laughs> donc faire ça ne raccroche pas. <laughs> Alors si. Il y en a certains. Ah il ouais. y en a certains. C'est l'application. L'application. Non mais j'ai je... <laughs> l'application pour accrocher. <laughs> j'ai vu qu'il y avait des, des trucs où que oui, tu pouvais tu désactiver. Peux, et que tu, tu faisais ouais. ça, ça éteignait le truc. Yes. Tu et peux. puis tu faisais ça, ça lançait tu la peux, musique. Tu je ne comprends rien. Faire ça aussi. Et il s'allume pour le mien. Ouais, mais, fin, oui, fin, smart, fin, euh... Bon, <laughs> mon oncle. <laughs> on y va. Euh, on vous... va cueillir des pommes, voir ce qui se passe et si ça se trouvait rien. Eh ben, on va cueillir des pommes. Mmh. Vous y allez normal Bah, en fait, euh, dans l'idée, on y va en mode civil, quoi, mmh. discretos. Euh, okay. L'idée, c'est. Vous arrivez. Si Connais ta voix. On dit qu'on a laissé le chien. Chez... Mais non, j'avais changé ma voix, regarde Maintenant, c'est ma vraie voix. Salut. Non, ça, pas On pas va certain. dire qu'on a laissé le chien chez des gens qu'on a trouvé sympathiques. Donc vous y allez, ils ne reconnaissent pas votre voix, évidemment. Et donc, euh, bah, comme dans la vidéo, hein, ça se passe plutôt bien. C'est assez grand. Euh, donc il euh, y a en gros un petit magasin. Il euh, y a un food truck. Euh, vous voyez qu'il y a une sorte d'immeuble ou une sorte d'appartement, de trucs comme ça, où ils vivent peut-être. Il euh, y a toute une zone de, de jeu et tout ça. Enfin. Ça a l'air euh, pas mal pour les enfants. Il y a toute un, une zone où il y a les citrouilles. Derrière, il y a bah, un énorme verger. Euh, il y a aussi euh, bah, des, petites, euh, des petites cabounettes, notamment une, euh, une sorte de grange, des maisons qui sont à côté. Enfin voilà, euh, pas mal de choses. C'est assez grand, hein, évidemment. Euh, ça il a, a l'air assez grand buissons. pour loger tout le monde. Ouais. Revanche, ouais. Hein. Donc ils vivent tous ici, a priori. Mm -hmm. euh... Moi, je j'ai envie de voir toutes les activités possibles et de essayer de parler avec les gens. Ils sont, ben, ouais, ils bah... nous accueillir ou ils nous laissent faire nos vies. Non, non, il euh, y en a qui vous accueillent. Euh, ils vous demandent s'il y a besoin de quoi que ce soit. Il euh, y a, voilà, c'est pas plutôt normal, hein, franchement. Ok. Si j'accroche un peu avec quelqu'un qui vient, qui a l'air ouvert à la discussion. Mm -hmm. Euh, je vais me permettre de commencer à poser quelques questions, genre, euh, mais c'est sympa euh, cette activité, du coup, euh, ça fait oui, que votre famille fait ça depuis longtemps, ouvrir Ah euh... oui, bah, la ferme Farthorf est là depuis très longtemps, et bah, on espère être là encore longtemps, c'est vrai que c'est un peu une entreprise familiale, c'est beaucoup de travail, mais en même temps c'est beaucoup de récompenses. Nous on aime beaucoup euh, bah, voilà, le travail de la ferme, on... c'est vrai que c'est beaucoup de travail, euh, mais en même temps les gens ici euh, sont vraiment adorables, et non, c'est un... un grand plaisir d'être là. Donc c'est... Pardon, excuse-moi. C'est une nécessité euh, financière, vous avez fait ça, ou c'est vraiment pour le plaisir de ah faire non, pour des le gens Ah non, c'est pour le plaisir euh... de, de <coughs> faire ça, de pouvoir euh, bah ouais, partager un petit peu euh, bah, cette culture de la ferme et tout ça, parce que maintenant, à l'heure actuelle, beaucoup de gens en fait, se perdent dans les nouvelles technologies, etc., bien un petit peu d'être proche de la nature, mmh. et ça Chante permet d'être euh, euh, plus proche de la nature, etc., euh, et là, c'est une question pour l'OMJ. Ils ont l'air, euh, du coup, niveau technologie. Est-ce que tu vois les jeunes avec des téléphones Est-ce que. Ouais, Il ouais, y, 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 y a des euh, télé Il y a, 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 ouais, a C'est pas, pas oui, des. Ils sont pas en amis, mode de vraiment. Euh, ouais. Ok. En tout cas, vous avez une <coughs> très belle propriété. Ah, c'est une blague sur. Euh... Parce qu'effectivement. Enfin, peut-être vous connaissez le le fait euh, parce qu'effectivement il y a la famille euh, Farnsworth et euh... ah non, alors non pas du tout j'insistais sur le fait de... ah d'accord ouais, êtes... effectivement il y a une, une partie de des gens ici qui sont de la famille Bell enfin euh, non êtes... famille Bell voilà. ah vous êtes deux familles oui y a plus... bah, après il y a plus que deux familles évidemment enfin ouais. t il montre et d'ailleurs la personne à qui vous parlez euh, est pas spécialement euh, a pas le physique de ouais. du coup moi par exemple enfin je, je suis rattaché à la famille Bell euh, par ma femme, mais euh, mm -hmm. donc il me pointe vers sa femme qui elle ressemble à bébé et le physique de bébé, le physique de bébé. Euh, mais voilà, tout le monde, non, tout le monde porte pas forcément son nom de famille. Mm -hmm. C'est pas une grande, enfin c'est un, une entreprise familiale, mais c'est pas mais c une famille. Il oui, y, bon, y, y a plusieurs familles, il voilà, y a, là, y a plusieurs choses en gros, c'est plus une communauté en, oui, en même temps. C'est euh, rare de nos jours d'ailleurs ce genre de le système, non Écoutez, je ne sais pas. Euh, c'est vrai que je oh, pense qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit partout, mais je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui travaillent comme ça sans pour autant le mettre en avant. Oui. En fait, parce que je crois savoir que plusieurs entreprises, euh, bah, voilà, sans les citer, mais les Hilton euh, euh, et euh, les diverses personnes comme ça, en fait, tournent un petit peu voilà, pour faire un pot commun, on va dire, de richesse. Et donc, mm. nous, c'est un petit peu pareil, mais avec euh, moindre mesure, moindre succès aussi. Euh, mais, voilà. enfin, on ne vise pas non plus à être et Hilton. Euh, euh, non, mais c'est bien, c'est très bien. C'est beau, c'est rare, et ça fait plaisir ah bah de voir ouais, ça. En même temps, c'est comme vous, enfin, euh, enfin, Voilà, vous aimez votre nièce, faire des activités, etc. Oui. C'est très simple. Ouais. J'ai posé une question, euh, MJ. Il mm -hmm. euh, y a l'air d'avoir des jeunes, genre dans les 18, 19 ans, 17 Il y a des enfants. Hein. Parce que la question que je me pose, c'est que, genre, il y a tout âge. Ouais, plus ou moins, ouais. je, je pose la question, euh, du coup, euh, dans votre famille, euh, les jeunes ont l'air plutôt attachés à cet endroit-là, euh, vous avez... Bah, je sais pas spécialement s'il Enfin, je pense pas qu'ils resteront tous ici. Enfin, euh, je sais pas, hein, moi, personnellement, euh, je, Là, on n'a pas encore d'enfants, mais euh, peut-être que plus tard, effectivement, euh, si on en a un, bah, peut-être qu'il qu euh, qu ou, qu ou elle voudra... Euh, Aille autre part, pourquoi pas, hein, Mais c'est vrai qu'il sera bienvenu ici en tout cas. Mmh. Vous accueillez des gens dans votre communauté d'ailleurs Des travailleurs externes, mais et... euh, non. Euh, c'est vrai que là, pour l'instant, nous sommes, euh... enfin voilà, on, on, on suffit à, en cercle fermé. Enfin, oui, voilà, si pense. je pourrais, euh, pour ma retraite, j'imagine passer. Si je me proposais à venir passer quelques mois pour vous aider, non, euh, ça reste. Enfin, pour l'instant, on reste dans la famille justement pour un souci de monétaire en fait, qui permettent de mettre les biens en commun plus facilement en fait, tout simplement. Alors c'est dommage. J'aurais bien imaginé quelques euh, que moi travailler la terre, revenir nous aux bah, sources. Il y a d'autres. Euh, on peut vous indiquer d'autres euh, fermes qui font ça si vous voulez. Ah bah avec grand plaisir. Et du coup, ils t'indiquent vraiment d'autres fermes qui font ça, qui acceptent des travailleurs temporaires. Ok. Euh, bon, à partir de là, tout le monde a l'air un peu d'être dans le même mood, il n'y a personne qui est un peu à l'écart, personne comme ça. Je pense que je vais juste jouer la foule touriste et explorer le... Moi, c'est ce que je fais, un jour entre guillemets aux... Aux... aux touristes un peu... Un peu trop euh, Un peu et genre trop <laughs> Tous ces touristes, ils sont beaucoup trop intéressés. Ouais, Vous pouvez voir de la propriété. peu de choses intéressantes. L'un des trucs qui est intéressant, c'est quand même... Euh choses le premier c'est qu'il semble y avoir un vieil arbre au milieu de, du verger qui est vraiment un vieil arbre un pommier un vieux pommier grand sombre euh, plus grand que les autres clairement plus ancien vraiment un vieil arbre euh, et il euh, ya euh, un endroit où il y a un tracteur qui, qui fait un peu un peu glauque euh, mais voilà c'est pas vraiment accessible pour vous Il hein. faudrait vraiment se déplacer mmh. euh, bon moi je vais jouer un peu la touriste quand même donc euh, du coup je vais aller près du vieil arbre mmh. Histoire euh, de prendre quelques photos, tu peux, ils s'en foutent. Et peut-être, ouais, c'est ça, c'est pas interdit. Si tu t'éloignes de, de la zone un peu où il y a plein de monde, il y a personne qui te regarde ou des trucs non, comme ça. Non, il... bah, il... tu vois qu'ils jettent un coup d'œil pour voir où tu vas, quoi, parce ouais. que bah, forcément, mais comme on le ferait un peu partout, ils mmh. ont pas l'air d'être spécialement. Et si tu t'éloignes trop, peut-être qu'ils viendront dans. Excusez-nous, il n'y a pas vraiment de surveillance, ils, sont... ils ont une présence. Ouais. Donc, quand on est un peu à l'écart, j'ai envie de te poser la question. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de ces gens-là Parce que, ils ont l'air très tranquilles, plutôt ouverts à la conversation. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'on leur poserait pas des questions un peu plus directes, pas à tout le monde, peut-être en prenant à part, euh, sans être dans l'agression, mais juste poser quelques questions pour une amie à nous. Qu'est-ce que t'en penses <coughs> J'ai peur de cramer la couverture, en fait. Hmm. J'ai peur de cramer la couverture hmm. C'est ça le problème hmm. Pourquoi Bon C'est vrai que pourquoi y a... En fait pourquoi il n'y a pas de chien Est-ce qu'on ramènerait un chien Tu voudrais faire un test euh... S'ils sont tous allergiques à ça C'est une possibilité mais Pourquoi Pourquoi ramener un chien pourquoi Alors, en tant que détective, euh, les chiens que vous, enfin, vous avez déjà travaillé avec des ce qu'on appelle des bloodhounds, euh, qui sont donc des chiens euh, chercheurs en fait, qui vont chercher euh, bah, des traces de sang, des traces de drogue, des traces de trucs comme ça. Ouais. Ça, ça existe. Mais c'est le genre de chien que vous avez déjà fréquenté en tant que détective. Maintenant, c'est pas un. Euh, enfin, vous avez pas eu l'habitude non plus. Vous, êtes, vous avez pas de chien, vous. Hein, On se mmh. d'accord. Donc vous avez des contacts qui ont des chiens, dans certains cas, bah par exemple, c'est vrai que quand on cherche un cadavre, euh, on utilise ce genre d'animaux Ou de la drogue, ou un truc en particulier, tu vois, une victime, par exemple, ses vêtements, des trucs comme ça. Vous avez des vêtements, hein, soit dit en passant, de bébé euh, accessibles. Ouais, donc euh, l'idée, parce que c'est Des que... limiers, tout à fait. Si on part de l'hypothèse qu'elle est forcément ici... Il suffit d'avoir un, un, une unité canine, euh, euh, et enfin... Euh, et puis, et puis elle, pourrait, elle pourrait Au moins même si Même si le chien Il montre des traces juste de direction Autour du périmètre ça ah, peut Si le chien S'arrête et fait un truc C'est qu'il y a un truc ah ouais, on est normalement Après c'est pas 100% valide mais c'est ah, il suffit dans chercher un peu ou des trucs comme ça, ou ça vous indique quand même pas mal. Après, aurait... c'est interdit. Il hein, ouais, euh... y aurait Parce que je lui ai demandé, la propriété est grande, est-ce qu'il y a moyen de faire entrer un chien sans qu'il soit vu, sans qu'il soit... De jour chaud. De nuit, c'est possible. De nuit, vous êtes loin de la ville et la ville la plus proche est un petit village. Il doit faire bien, bien sombre la nuit. Mmh. Ok. Euh... <coughs> Ouais, ouais, en gros, ça pourrait nous confirmer au moins qu'elle est... Après il y a... On n'a pas vraiment même de preuves. Il n'y a pas vraiment de preuves, mais... Et même, on a zéro preuve. Mmh. Mais quand on voit la tronche qu'ils ont, les... Les tronches d'aspirine, au moins on... si jamais bébé avait la même tronche, on est quasiment là, sûr qu'elle est là, quoi. Elle, elle, a... elle a la même tronche. C'est trop. C'est trop pour que ce ne soit pas possible. Bon. On tente euh, l'expérience de nuit. Ouais. Vous prenez un chez et vous y allez de nuit. Mm -hmm. Ok. Donc, euh, vous y allez seul avec le chien ou vous y allez avec le maître-chien Avec le maître-chien. Euh, ouais. <laughs> ok. C'est un pote. Euh, vous, vous pensez lui faire confiance en tout cas. Bon, bah, mais du coup, vous m'avez dit que bah, je vous le dis, euh, c'est possible qu'il passe. Bah, on va être discret, mais c'est un chien. Hein. Il, je peut peux pas, il peut aboyer hein. maintenant. Moi, je peux essayer de le contrôler. Il va pas hurler à la lune, voilà. Mais je vous le dis, c'est un chien donc vous attendez pas non plus à. Enfin, c'est pas un robot, hein. mm. oui, non, bah oui il <coughs> commence à foutre trop le bordel, on... Donc qu'est-ce ouais. que vous cherchez Qu'est-ce bon. que vous cherchez Du sang, du. De la. Comment s'appelle De la. Non, les, son, les... De base, ouais, son odeur de le... base. Odeur. Son ouais. odeur à les vêtements, ouais. Ok. Je donc pense vous... que c'est le top. Donc le chien est là a... et d'un coup, hop, il se fixe et il va vers la zone où il y avait le tracteur. Ok. Ouais, donc, euh... et juste ça, ça suffit. Et je dis, euh... et je dis. Euh qu'il faut, tu peux le tu peux rentrer. Oui, c'est bon, ça suffit. On a au moins la confirmation, on si c'est fixe. Faut peut-être euh, juste nous attendre à l'entrée que si on peut trouver par nous-mêmes, on vous fait pas venir plus loin et causer un risque. Mais on fait ça. Ouais, il n'a pas aboyé et, et s'il si y, y a un problème, on vous rappelle et OK. Tu vois dans la cabinet, tu as une thermos de café. Ah. Hmm. Vous avancez. Du coup, vous voyez effectivement qu'il y a... Euh, donc vous entrez, vous avancez discrètement. Euh, donc Vous arrivez dans la zone maintenant, vous êtes à peine éclairé par la lune. Euh, vous voyez la zone où il y a le tracteur, etc. Le tracteur a été sorti parce que bah il, il a dû servir à des trucs pour ranger quelques trucs euh, forcément pour, la, pour la nuit. Et donc euh, vous voyez un peu l'intérieur Vous êtes un petit peu à l'abri peut-être Vous pouvez éclairer sinon bah, c'est compliqué de voir Ouais moi je pense que je vais utiliser Genre une appli de téléphone qui fait une lumière ouais, Qui éclaire peine, ouais. mais pas Pas une lampe ouais, L'écran ouais. euh, vaguement bah, une... <coughs> Lumière rouge aussi ça peut le faire vous, vous éclairez Vous voyez en fait Une euh, Porte Au sol Enfin une trappe au sol Hmm. avec un verrou quel genre de verrou genre à euh, clé un ah, code, ouais. est beaucoup... code et électronique un code genre 4 codes enfin ah. un, petit, un petit ok truc et bah, ça, se, ça se crochette euh, aisément donc en gros tu, je tire sur la hanse et euh, méthodiquement euh, en gros ah, en tirant ça, sur ouais. la hanse tu fais chiffre par chiffre et au bout d'un moment ça fait ça, ça sort un petit peu. T'as fait une belle réussite, donc je te l'accorde. Et c'est une vraie technique pour, euh, pour les cannes à code. D'ailleurs. <laughs> je dis pas ça parce que je sais pas le faire. Vous, Vous ouvrez. Je retiens le code d'ailleurs. <laughs> le code des 0340. Merci. À l'intérieur, il y a un sac en toile de jute. D'à peu près à cette taille-là. Trempé de sang. Vraisemblablement enfin, euh, trop petit, en tout cas pour contenir un corps humain. Le trou est euh, large, profond. Il est pas, il est, il est assez profond pour le sac. En gros, okay. il est à euh, genre euh, vous, vous pouvez vous tenir dedans et votre torse dépassera quoi. J'ouvre le sac. À l'intérieur, attaché avec. A un tissu devant la bouche, vous reconnaissez difficilement bébé. Ses bras et ses jambes sont à moitié coupés pour pouvoir les replier pour qu'elles tiennent dans le sac. Et elle a des blessures très profondes un petit peu partout sur son corps. <tousse> mascox tu ne peux pas t'empêcher de pousser un petit cri, <coughs> ce qui fait qu'elle ouvre les yeux. Ah, les euh... les <coughs> oh putain de... Elle a l'air d'avoir, enfin, elle plisse euh, les sourcils vraiment. Elle semble. <coughs> ok, si j'ai, je l'observe et j'essaie de regarder genre, est-ce que si je la détache doucement, je risque de lui casser quelque chose ou quoi Franchement, euh, c'est pas possible de C'est compliqué. Quoi. Si tu regardes, ce qui est très bizarre, c'est que euh, en regardant ça, tu te rends compte que déjà, elle devrait être crevée. Bah, ses plaies sont pas du tout infectées et ça commence à cicatriser. Alors que c'est des plaies, genre là en fait, tout te rends compte, c'est pas C'est comme si on avait quasiment entièrement coupé ses membres et qu'ils se recollait Okay. Donc là, attends. Son qui vite. Ok, attends. Que un D6 <laughs> ok. Donc euh, toi, tu, tu tu détournes ton regard. Toi là, immédiatement, tu t'en peux plus. Tu, tu juste tu gerbes à plein, à plein poumon quoi. Côté, un hein, pas sur elle. Dans les plaies <laughs> Je prends mon, mon portable tremblant et j'essaie difficilement d'ouvrir l'appli la, de, de photos ou de vidéos. Et moi, j'essaie de. Je, après avoir vomi et repris mon souffle, je pense que je vais essayer de, de la détacher. Pas le baillon. Ok. Pas le baillon. Euh, Parce putain, que je putain, me dis que si elle hurle, vaut mieux qu'elle hurle ah, Tu ça. filmes ouais, Je filme ouais. ça. Je... <laughs> ok. Donc, tu la détaches et tout. Et elle se remet droite et tout. Et c'est difficile pour elle, mais ça fait plus blessure que coupure, tu vois, profonde comme ça. Elle se remet et tout. Et elle veut euh, retirer euh, son baillon. Je, je vois, est-ce qu'elle a l'air euh, hors de contrôle Ou est-ce que. Ok. Je lui file ma veste. Et... Parce qu'elle est, elle est habillée, normalement. Elle... Ouais, pour moi, elle est à poil. Elle, elle est à poil, c'est ouais. ça. Je lui file ma veste. Ok. Et euh, je lui laisse retirer son baillon. Elle a vraiment son. des doigts super longs et fins, tu vois. Même son corps fait euh, fragile et fin. Et ouais. Du coup, elle le remet. Elle retire son baillon. Je fais... Elle j se met dans un coin. Euh, je, de... je, je... Elle se met, il y a un mur où elle se remet un petit peu à l'opposé du truc. J'essaie d'envoyer la, la vidéo à un contact que ouais. euh, dans, dans la police que j'ai, en gros. Hum un contact de confiance. Ouais. Le premier qui me viendra à l'esprit. Ok. J'envoie ça, je lui envoie un message en lui disant, euh, tu balances ça au... Oh. Elle, elle se met un petit peu, elle, c'est à côté, enfin elle se cache un mmh. petit peu à côté d'une table, tu sais où il y a les outils de machin. Moi et je vais vers elle et je sais de... Faire. Bibi, la... c'est vous on, on nous a envoyé vous chercher. Elle peut parler là. Elle... Ouais, mais Elle a l'air choquée en fait. Ok, on va sortir d'ici, d'accord 911. On a, une, on a une urgence là. Mmh. Euh, ferme des Ferns-Soirs, on a, on a trouvé mmh. quelqu'un dans un état grave, il faut amener ambulance en, en et police. Mmh. Allo mmh. C'est une voix normale. <laughs> C'est normal en hein Oui, bah oui je sais. ça capte pas. Putain. Ça capte mal. Ouais. Ok, bon bah, on se barre. Juste, on se barre, on l'emmène. On tous les deux en la laissant dans le coin, etc. Parce que, enfin, elle a l'air vraiment. Ah, mais moi je suis à côté d'elle, hein, je la lâche ouais. pas. Hein. moi je faisais mon truc dans mon coin. Donc euh, je, te dis, genre, je te le dis je... en ch... criant, chuchotant, tu vois. Oui. À <laughs> voix basse, passe. mais assez élevée. On se casse On se casse <laughs> Mais pas avec la. On va pas. <laughs> en... <laughs> T'es bon avec moi Donc euh, on l'emmène avec nous et l'idée c'est de passer, genre, discrètement, on, on rase les murs, quoi. Enfin, on le chemin le plus vite dehors. OK. D'accord. OK, super. Vous sortez. Au moment où vous sortez de l'arrière de la maison, deux putains de projecteurs qui s'allument. Attends mais on est passé par où nous Là vous êtes en gros près de l'établi qui est à côté de euh... Mais nous on est passé par où au début Non, ah, mais vous êtes passé bon, de... pas par l'établi, il est à côté d'autres bâtiments. Pas okay. juste à côté, ils sont à Parce 50 Parce pour mètres. moi, on reprend le même chemin, mais oh, genre ça. à l'arrière. C'est ça, mmh. okay. Et oui, 150 mètres, ça s'allume, et donc, il y a quelqu'un qui ressort, qui regarde et tout, et tu sais, ils sont vachement grands et fins, du coup, ils ont vraiment un, un côté un peu prédateur, euh, qui regarde comme ça, et... On se baisse. tu il Je bouge Ouf. Ouf. Ok. Toi, mon cher mascox, tu... Le fait de voir ça, et ça, de voir... D'avoir vu la, la gamine ça, tu peux pas te retenir... ...de faire du bruit, en fait... Non, 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 non Un truc comme ça et tout, et tu, tu fais un truc, tu essaies de rattraper. Et immédiatement, alors qu'il était en train de repartir... ...il se retourne, et vous voyez presque son regard briller dans l'obscurité. Enfin, depuis l'obscurité, vous. Oui, moi, j'essaie Il... de lui mettre la main sur la gueule le jour On essaie de lui mettre. Je, sais, je lui mets la main sur la gueule et juste j'essaie de le faire taire et de le. D'accord. Il... Ça, le... ça fait plus de bruit oh. qu'autre chose. Vous entendez On euh, ouais. on, court, ah, ça... on court, on court, on je, court. Je les tire et on se bat en courant. D'accord. <laughs> tu pars avec <laughs> Je, la je le tire. Ouais, mais attends, t'as moyen la force <laughs> de le tirer. Mais... Alors Quand même foutre. Tu le ou pas euh... je le... Oui. Franchement, Allez, je, je fous une droite s'il si faut pour le réveiller, mais. Euh... D'accord. Ok. Du coup. Putain. Ok. Tu pars. Elle te suit pas. Quoi T'as énormément mal dans le dos. <laughs> Qu'est-ce que j'ai dans le. J'essaie de. Tu chopes et c'est un tournevis ensanglanté. Et tu vois elle, elle reprend d'autres outils. Ah, et là, Elle chope un outil. Je sens mon flingue. Okay. Je je tiens. Veux... On est armé? D'accord. Oui. Bien, sûr, oui, bien, bien. Bah, elle, vous êtes oui, on est Tu tiens. Ouais. Tu tiens. En voyant l'impact de la balle, tu te rappelles ce que tu as lu dans le livre? Ah... ah. Ah non, je tire beaucoup vite. Plusieurs balles, il faut. Ok. <s�� de boule> elle arrive et du coup elle se jette sur toi. Les balles. D'accord, elle passe comme ça à l'intérieur d'elle, comme si c'était rien. Ok. Et elle là-bas sur toi, son putain de, elle a un putain de clé à molette, c'est des grosses clés à molette pour tracteur, tu vois ce que je veux dire. Pepper tu perds conscience. Au moment où la dernière balle part, sort. Merci beaucoup, Katara Wu. Tu entends les coups de feu Je cours. De quel côté euh, La sortie la plus proche. D'accord. Tu vois trois silhouettes. Je m'arrête. Courir vers toi. Enfin de, de, en gros, toi, tu t essaies de. T'avances vers eux, mais vers la gauche, tu vois. Et eux, ils, ils re-avancent vers toi. Tu, tu vas pas directement vers eux, mais tu ouais. es dans une position commune. Je les croise, quoi, en gros. Ouais. Euh, je continue de courir de manière euh, naturelle. Ils sont très rapides. Ils gagnent du terrain. Là, il y a ton pote qui est dans la voiture et tout, qui commence à sortir et tout. Et t'entends à l'intérieur. Démarre, 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 <coughs> démarre, bordel! <coughs> <"Démarre, coughs> <"Démarre, coughs> <"Démarre, coughs> T'entends le chien qui s'énerve ah oh putain euh, les, les, barres, les clébards, les clébards, ils aiment pas ça les clébards. pourquoi ils aiment pas ça les clébards te, te... je détache le chien OK et le chien ouvre... part et je voulais donne eux ils commencent à, à flipper et tout tu vois y a... et le chien il se jette et tout le mec il fait mais putain mais mon chien ta gueule rentre dans la bagnole rentre dans la bagnole non non mon chien je vais pas partir tu sans vas mon chien tu crever si tu rentre rentre dans la bagnole vite du coup il y en a qui ressortent par la porte de devant le etc., chien. et et il fait mais, mais je fais... et du coup le mec il va vers le chien le chien est en train de se bastonner avec eux et tout et eux ils réagissent comment au chien bah, ils ont peur, ils se font bouffer par le chien en fait. Ils se font défoncer par le chien Ouais, ils se font défoncer par le chien. Putain de merde. Je. Tu fais quoi tu pars euh, sans je, mec, ou... je. Je. Non, le mec, je, je chope, je dis appelle tous les, tous les connards qui ont des chiens dans le coin, dépêche-toi Mais de quoi tu parles Dépêche-toi, regarde, bordel de merde <laughs> Du coup, il y a la police qui est en train d'arriver. Ok, et là je. Je, <laughs> je dis aux je, je dis flics, je monte mon badge et tout. Je dis là, c'est la merde. Du coup, il y a des gens qui sortent et tout. Là, les, les mecs an... commencent à sortir. Et ils commencent à voir les flics qui font What the fuck Il y, y a eu un assassinat en direct. On était en train d'en quitter sur une, sur une disparition. Et, et les mecs on vient qui, de Ils commencent à s'énerver et tout. Et il commence à y avoir une baston entre eux et les flics. Ils essayent de buter les flics. Les flics commencent à tirer. Sauf que du coup, les balles. <laughs> Et, je, et du coup, je chope, le, fait, je chope le premier flic qui. Il y a dit, un mec qui arrive et qui te chope. Du coup, un je, des je, Bah, je sors mon flingue et je tire. D'accord. Je tire plein poitrail. Euh, je déroule, je déroule. traverse. <laughs> Il tombe pas ce connard Non. Qu'est-ce que tu fais, je, euh, qu que je, fais je. je le mords à la jugulaire. Comme un clébard. Ah merde, c'est trop drôle que <laughs> tu le mords, etc. Il te, il te repousse. Je... Et toi, dans l'action, tu donnes, tu vois, des coups comme ça et tout. Et en fait, tu sens que ton coup de tête pète ses doigts. Et tu te rappelles, <laughs> leurs os sont très fragiles. Leurs os sont très fragiles. Je prends la crosse de mon flingue et je tape. Enfin. <laughs> <laughs> J'avais oublié ce détail. Désolé. <rire> <rire> du coup, là, tu fais ça et <laughs> t'as sa moitié de, t'as tout l'arcane qui est pète. T'as son œil qui ressort à moitié de l'orbite. Et... <laughs> <laughs> gueule et tout. Là ils commencent à se bastonner, ils ont déjà tué un flic. Euh, ok d'accord. Euh, je, je dis aux flics, prenez vos bâtons, vos bâtons là. Utilisez les bâtons, putain de merde. Et appelez mais de les clébards. De quoi tu parles et tout, Appelez a... les clébards et les bâtons, putain. Il y a un des mecs qui, qui a un des flingues et, et le gars il est en train de te parler. Il fait mais de quoi vous parlez On va pas. Pff, il y a sa tête <rire> qui, <rire> qui, qui gicle sur toi. Putain de Merde. Du coup il commence à il, et tout. Il y, y en a un qui t'écoute, qui prend les bâtons, qui tape, qui pète la, le genou, là, du, du, du truc. Il commence à taper, etc. Là il y a une autre bagnole de flics qui arrive. <tousse> Et tout, vais... il commence à sortir il commence à y avoir une baston ouverte d'accord ouais. le chien en a déjà buté deux ou trois hein, d'accord et ils yes. sont en train de paniquer et, tout. et, euh, et du coup bah, j'essaie de plus ou moins de monter la mêlée vers là où il y a le oh, ok frère. tu commences à comprendre qu'il y a beaucoup plus de bruit à l'intérieur il n'y aura pas à cette flic aussi <laughs> tu T essaies d'aller vers où tu fais quoi euh, je dis aux flics coup, de prendre le plus si j'en vois un je dis tout, toi ramène un sac avec tous les fusils à pompe et toutes les merdiers là ok d'accord je je sort Amenzo. Ah oh péter Tu ouvres les yeux, tu vois un peu trouble, etc. Tu comprends pas, t'as un poids sur toi, t'es plein... mouillé, tu regardes, en fait c'est du sang, et donc il y a le cadavre de la meuf sur toi, et tu lui as tiré une balle en pleine tête, en fait, t'as fait une, une réussite, euh, tu lui as tiré une balle en pleine tête, donc t'as super mal à la tête, et au loin t'entends un chien qui gueule, t'entends des gens qui hurlent, t'entends des coups de feu, t'entends un bordel, et. Ok j'essaie de la pousser de sur moi là ouais, c'est assez facile c'est assez légère et euh, j'essaie de me relever mm -hmm. je sens que j'ai encore le truc dans le dos ouais euh, je vais pas y toucher pour le moment et j'essaie de marcher au, aussi enfin comme je peux pour m'éloigner je, ouais. je pense que je cherche Reynolds un peu par euh, par réflexe tu vois sa silhouette au loin euh, il est dans le, dans la mêlée avec il euh, y en a plein il y en a d'autres qui sortent qui s'éloignent etc ils vont vers un arbre le vieil arbre que tu avais eu c'est le, le merdier il, il s'éloigne de la propriété ou il rentre dans la propriété il y en a qui s'éloignent de la propriété des, mais des mais mais Reynolds. Reynolds est devant la propriété avec des bagnoles des flics etc okay. qui se bastonnent avec les autres c'est là d'où viennent les ok moi je vais essayer de sortir euh, de la propriété aussi vite que je peux ouais. en escaladant un truc euh, si je peux si je sens que c'est la mort euh... c'est pas terrible ouais, ça va être chaud en ouais. bas je tu peux aller vers eux sans pour autant aller vers eux. tu oui, c'est ça. C'est un peu l'idée, ouais. c'est faire ah, une espèce de. Et t'essaies de faire quoi euh... Tu, te barres, tu te... Non, je vais essayer de retrouver Reynolds, mais je. Mais vais tu reste... le vois, mais ouais. il est dans la mêlée quoi. Euh... J'ai mon téléphone. Ouais. Ok, bah je pense que je vais filmer et genre essayé de. Parce que je sais que je sers à rien là et que je vais probablement crever assez vite si je, si je tente quoi que ce soit. Du coup je vais filmer et l'idée c'est de me déplacer vers eux tout en faisant une espèce d'arc pour pas être non plus trop engagé. Donc je veux filmer l'action en fait de okay. ce qui se passe. Tu peux sortir. Yeah. Ensemble Putain de Red Smooth. Que fais-tu du coup euh, je, je continue de me diriger vers la. Euh... Tu vois une silhouette dans l'obscurité derrière qui semble filmer, etc. Tu reconnais la silhouette de ta nièce. <laughs> Attends, mais c'était pas de fait. Je cours vers elle. D'accord. Zou Oh Mais c'était dégueulasse. <laughs> Il était pas bien, Il ce... était immonde, celui-là. Il l'a pas. Il était pas beau. Était... Ah Celui-là, il était... il était horrible. Non, il était... Ah, il était comme s'il était bloqué par du liquide. Ah, je suis mmh. désolé. Franchement, les gens, je trouve ça hoche. Est-ce mmh. que vous trouvez ça hoche D'habitude, j'ai quand même une meilleure capacité de roue mmh. Je m'excuse. Je m'excuse auprès de la communauté pour ce ro ignoble. Donc tu vois qu'il arri... il avance vers toi, en fait. Je, je suis plein de sang. Je suis, ouais. couvert, de... Je suis <laughs> couvert de sang. Je... Ça, va, ça va Putain, ça va Euh... Je... 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 Elle a toujours un truc, elle a... Putain d'hématome sur, sur le côté du visage. Et pourquoi, pourquoi en train de filmer d'ailleurs Qu'est-ce qu que tu fous Et bah je l'ai saisi, je l'ai sous. Enfin. Sous Non, je... <laughs> mais. non, suplex. mais. <rire> 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 non, mais je tiens. Le, que je se maintienne sur mon épaule et j'emmène vite vers les flics, quoi. Ouais. D'accord, vers le gunfight euh, <laughs> Non, bah. Non Bah euh, oui, en son ouais. Je suis avec mon badge Du coup Clairement En vous approchant, vous voyez que les flics sont pas en train de gagner J'essaie de le tirer Vous voyez que les flics sont pas en train de gagner Je filme mais Non non on se tire On peut rien faire là On peut choper une bagnole Elles sont loin les voitures de flics La première qui traîne. <laughs> le mec part en voiture de flic. Ok. <laughs> vous partez en voiture de flic euh, et derrière vous entendez les cris et tout ça, le chien qui est en train de crever, euh, vous entendez tout ça. On appelle euh, des renforts. Euh, les gros renforts là, ouais. Okay. J'ai la vidéo. Ouais. Donc je... Vous vous et... apprenez par la suite que une unité du SWAT et une unité canine ont été envoyées et ils ont retrouvé pas mal de choses. Euh... Donc non seulement, effectivement, euh, bah, ils ont retrouvé euh, Bibi, qui est morte d'une balle dans la tête. Bizarre. <laughs> ah, donc euh, clairement, <laughs> ils, ils savent, hein, voilà. Ils ont retrouvé aussi euh... <coughs> Attendez deux secondes. Euh... Je retrouve pas. Ils l'ont pas retrouvé finalement. Enfin, ils trouvent des, mmh. beaucoup de cadavres euh, en dessous de... Justement, des morceaux de cadavres, des trucs comme ça, en dessous des arbres, euh, notamment. Apparemment, il y avait des rituels sacrificiels ils en arrêtent quelques-uns, des choses comme ça. Par contre, il semblerait que euh, il y avait euh, le patriarche, un certain James Farnsworth. Lui est introuvable. Tiens, tiens, tiens. Il euh, euh, y a eu euh, une sorte de crimoire euh, qui a été retrouvée apparemment euh, et, euh, et qui par la suite est étrangement perdue. Hm. Moi je veux aller à l'hôpital. Je, je, je fouille tous les garages de la région. Fouille les garages de Pour ouais. ton nouveau métier Faut trouver les green box. Y a, beau, y a le pied de ouais, de moi. Ouais, tu putain de avec Un garage à porcelaine où il y a quatre boîtes. Hey, a non, tu fais une tu fais un gag, tu rajoutes des photos d'un mec. Euh, C'est toi Je te rajoute un bouquin random dans une boîte <laughs> dans une boîte qui, qui traînait. Et de et de, et de ai, ai foutu juste en, en fait, fait un journal intime. intime. Les mecs sont partis en vrille Y'a rien. Putain. <laughs> Je suis sûr que ça va en équipe, Donc l'histoire c'était que effectivement James Farnsworth avait effectivement 200 ans, mmh. sacrifiait effectivement des, des gens à He Who Walks Behind the Row, façon euh, les enfants du maïs, et du coup euh, allait de temps en temps aller euh, dragouiller euh, et euh, féconder semer, euh, sa, sa semence, semence euh, Et du coup de temps en temps il les ramenait, il les torturait pour les révéler, soit ils crevaient, pff, tant pis, soit ils se révélaient des vrais et du coup ils les gardaient et donc ils étaient tous euh, sous l'influence euh, de, ce, de ce patriarche mmh. mais ils donnaient le change à euh, mmh. la journée donc ils ont gagné le CDR je pense que ouais. nous pourrons avoir une autre enquête un de ces jours de Martha et, et James ah euh, oui. John ah j'ai survécu du coup ah oui tu t'a survécu eu, il t'a survécu cool. mais... T'as juste boité pendant quelques quelques semaines. Quoi. Non, parce Quelque... que pour moi ma colonne vertébrale était foutue, je t'en de te Ah non non, t'a planté un coup un, un tournevis dans le dos, c'est ouais. pas c'est pas mort, enfin c'est pas nécessairement mortel. Ouais. Ça peut ça ça peut, peut, voilà, ça peut ouais. vite te buter, mais euh, on va dire que ça a été pris en charge etc. Ouais. Euh, ah. Tout à fait. Alors, je vois mmh. que les gens se demandent par rapport au aux livres dont vous êtes le héros et les solos RPG, etc. Je précise que vous pouvez effectivement en retrouver sur la chaîne euh, Globy Games GDR, puisque j'ai fait notamment euh, pas mal de euh, Les Loups Solitaires. Les Loups Solitaires. J'ai fait Sorcellerie. J'ai fait le. <laughs> j'ai fait aussi les Choose Cthulhu euh, qui sont très sympas. Euh, qui étaient peut-être les meilleurs livres dont vous êtes le héros. Euh, y parce y que d'autres qui vont arriver. Là. Ouais, il faudrait que je relance l'éditeur parce que je. Attendez, je vais regarder parce qu'en vrai, je relancerai bien l'éditeur. C'était très cool. Et... Il y en a deux. Il y en a deux, euh, deux nouveaux qui arrivent, il me semble. Euh, c'était Cthulhu et InSmooth. Les non, c'était Montagnes Hallucinées et InSmooth. Euh, le premier, c'était Cthulhu et InSmooth, ouais. Et du coup. Là, Montagne là... Montagnes Hallucinées, il me semble, qui arrivent. Euh, je vois pas. En tout cas, les tapes, je suis pas d'accord. On n'a pas bourriné le scénario. Ça va. Alors, non, on a été hyper. Euh, au contraire, on a été hyper. Je trouve crédible en termes d'enquête. Bon, on s'est paumé à un bon, moment. D'accord. Je pense qu'il y a tout un pan qu'on n'a pas fait. Pour... Non, ouais, non ça, va, ça va. Franchement, ça va. Avec le truc avec les chiens là Bah, vous avez pas, vous avez pas travaillé sur, avec les chiens machin, mais c'est pas très grave. Après, ouais. bah, on essaye d'être discret, quoi. Alors, euh, Shoes of Tulu, effectivement, il y en a que deux pour l'instant. Euh, don't In Fall. The -o, the -o. Précommande. Ah, d'accord pas fait gaffe à l'heure. Non, mais bah, il n'y a okay. pas de... À 3 et 4, prix de lancement, précommande. Vous pouvez acheter en ce moment, d'ailleurs, sur le site de Chacos, euh, le 3 et le 4, qui est donc le Cauchemar smooth et cité sans nom. Tain, trop bien. Euh, qui sont dispo. Euh, et en plus, avec la précommande, vous avez un carnet de notes soupe de 32 pages, le Necro Notebook. Qui est... pas dégueu. Mmh. Allez, c'est vendu. Il <laughs> y a donc, un 22 carnet de balles. Franchement, ça vaut le coup. Bah du coup, j'avoue que je vais demander s'ils sont OK pour me l'envoyer. Il sort en juin. Et du coup, on se fera les deux en live. Ça serait carrément cool. On peut avoir un lien là tout de suite. Non, mais c'est chaque hausse. Cherchez chaque hausse. Vous le verrez trouver. Euh, donc, ce qui est... Alors, je précise que moi, c'est mes livres dont vous êtes le héros les mieux. C'est-à-dire que il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est juste des choix, vous les faites. Et du coup, bah, le but, c'est d'avoir la meilleure fin. Mais il y a plusieurs fins et qui sont plutôt intéressantes. Euh, donc, voilà. À, à vous de voir. Un chacal, des chacos, tout à fait. Euh, donc, je rappelle que le scénario de ce soir était. Pardon, euh, Separation, anxiety. Euh, qui a été écrit par. Est-ce que c'est marqué Jeffrey Muller, et qui est donc dans Fierce Sharp Little Needles, qui est un recueil de scénarios de l'Appel de Cthulhu que je vous recommande euh, si vous parlez anglais, bien sûr. Euh, parce qu'il y a 20. Alors attendez, c'était combien Yes, c'est pas les numéros. C'est pas marqué. 26, donc 26 histoires. Et elle, franchement, il y en a des pas mal. Euh, nous, on a fait donc Separation Anxiety on vient de le faire. Euh, ah, si, on a fait Plouvis et Umbra Sumus euh, avec la poussière, etc. Je sais pas si vous vous rappelez, qui était très cool. On... Il y en a deux que j'aimerais bien faire, mais qu a pas... que j'ai pas encore eu le temps. Il y a un des deux, enfin un des trois que je voulais faire, c'était celui qu'on a fait ce soir, euh, que je trouve très sympa, mais à deux. Euh, je trouvais qu'à trois, ça aurait été wow. un peu trop facile en fait. À, à trois, il n'y a pas d'intérêt. Euh, ensuite, il y a Dissociation qu'on avait fait, qui était très cool. Euh. Et on alors The Beacon Point Research Center qu'on a presque fait mais pas vraiment, je l'ai réécrit quasiment entièrement donc non. Il y a Unland qu'on avait fait qui était très bien. Très cool Unland. Et euh, je crois que c'est tout après les autres on les a pas fait non. Le concept de Unland qui est très j'aime bien j'aime bien les concepts où tu es tout de suite plongé dans le fantastique parce que du coup tu peux T'es pas obligé de raisonner de façon genre terre à terre Mmh. T'es un détective, tu fais un travail de détective en fait. J'aime bien ça. Plus facile je trouve. Le enfin, personnage euh, est tué en fait euh, plusieurs mois après. Euh, on trouvera juste euh, des œufs brouillés euh, dans ta cuisine. J'avoue, t'as laissé Molly en plan Mollywood, bah, euh, elle a pignolé ouais. toute seule, là, tristement. Je ouais. lendemain. Mais mais t'es pas... T'as raté le rendez-vous, c'est trop tard en fait mec. <laughs> t'as brisé son petit cœur, euh... Son petit cœur de serveuse de Dyne. Son petit cœur de relou. Ouais. Bah, elle était très bien. <rire> <rire> très bien, cette personne. Euh... Moi, je la voyais très vraiment comme, tu sais, la serveuse qui veut pas te lâcher, qui reste vraiment là alors que tu veux manger boire ton café et. Alors, elle mange du chewing-gum. C'est pour ça que je lui ai demandé des œufs mollets pour qu'elle se barre. T'as <laughs> Mais... marché. Je te resserre, mon chou. <laughs> euh, du coup, bah ouais, vous avez gagné le scénario, bravo. Ouais. Euh, elle est partie retrouver l'ongle de Martha. Bah, c'est. En plus, elle a cherché l'oncle du coup, elle l'a jamais trouvé parce qu'il y en a pas. Hein. Insupportable. Moi, ça ne pas que ça finisse autant. Quand tu quand as fait le. Oui, oui, oui je veux oh. <laughs> Moi, ah, je me suis dit que je te donnais une chance, quoi, parce que sinon, tu étais mort. Mmh. Ça aurait été dommage. C'est pas grave. Le mieux, c'est de raconter une histoire qui coule, hein bah, euh, est cool. Bah, c'est plus cool le, le truc avec la police. Je trouve que Zou elle est méchante, c'est vrai que Zou, elle est méchante. Comment ça Qui est non, ça est <laughs> Je le défendrai. Mais ce n'est pas Guizdair Panther, en tout cas. <laughs> Sur ce, euh, n'oubliez pas que demain sort le premier épisode d'un homme sans histoire. Que si vous typez maintenant, vous aurez dès demain euh, un homme sans histoire et la première saison de Dans l'abysse du temps. Euh, qui est, je vous rappelle, les saisons sont indépendantes. Donc euh, la première saison, vous pouvez la regarder en entier, avoir une fin et euh, c'est pas une fin horrible. Vous voudrez la suite, mais c'est pas une fin genre euh, qui se termine en mode ah. Et voilà, vous ne savez pas, machin. Non, il y a une histoire avec un début, un milieu, une fin. Chaque saison, c'est le but. Je crois que j'ai mon type qui est passé le toit. je ne sais plus. Je ne sais pas. Je crois, euh... je, je crois que je le type mensuel, je ne sais pas. J'en doute. Dedans l'abysse du temps, oui. <laughs> euh, L'abysse que du temps, tout à fait. Martha, c'est le prénom de la mère de Bruce et de la mère de Grafien. On sait, Fred de le Manuel le bordel de merde. <laughs> Sur ce, faites de beaux rêves. N'oubliez pas que Zou est une personne extrêmement agressive et peut-être dangereuse. Hum mm -hmm. Enfin, non, mais je propose. On ne sait pas en fait. Non, mais il faudra assumer les conséquences quoi. Vous avez juste une menace. <laughs> si je ne suis pas là en live <laughs> dimanche soir, vous saurez ce que c'est. Je rappelle qu'il y a la mine de talent, que la mine de talent a un thème qui est citron, clé, balle. Il y a plein de choses à faire avec ça. Et vous avez jusqu'à dimanche 19h, ce qui vous laisse beaucoup de temps. Euh, pour le faire, donc euh, profitez-en, regardez Sombre Machination, regardez la rediff de live il y a plein de trucs à regarder en attendant donc voilà, on se retrouve dimanche soir 21h, bisous 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 partout je vous laisse bye avec bye. le générique de fin qui est le générique de début, c'est une arnaque les gens euh, euh, soyez raisonnables hop et on nous entend